黄沙卷云天，故地硝烟，刀碑石刻血残篇，将相王侯终不见，大义凡间，战火又熊燃，荣耀如山，一关放过二关拦，万马齐喑谁破法，吾辈当先。Bienvenue à tous sur OGaming LOL pour cette nouvelle journée de LPL, cette nouvelle journée de playoff où nous avons un match plutôt incroyable. Mais avant de passer sur ce match, je vais vous présenter mes co-casters dont un, c'est l'incroyable pronostiqueur, c'est TechTech. Eh ben oui, c'est vrai. Actuellement, je suis à quoi, 90% de réussite. 93. Le boss. 93. Juste le meilleur, quoi. J'ai mis. Non, mais c'est un honneur. 30 points à tout le monde, quoi. C'est un honneur de t'avoir sur le plateau, parce qu'un skill comme ça au prono, c'est indécent. Voilà. Aucun problème. Je suis également avec Aureus, qui a un peu moins de skill au prono, mais il a un score à peu près similaire. Toujours au-dessus des 50%, je crois. Ouais, à savoir que si je me plante aujourd'hui, j'essaierai de faire le score le plus bas. D'accord, voilà, des pronos ever. Ok, très bien, voilà. très bien. C'est du hint qui est annoncé, tout simplement. Ça peut être au niveau d'Invictus Gaming, qui a perdu un petit peu plus tôt, voilà. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du match de Team W face à Sunning. On est sur le round 2 des Bracket Playoffs, c'est l'arbre du bas, tout simplement. Voilà, le bracket, vous le voyez, Team W face à Sunning. Sunning qui l'ont emporté 3-0 face à LNG de manière très, très propre. Et Team W qui rentre dans la danse aujourd'hui avec ce match. Ouais, WE, une équipe qui fait un petit peu peur quand même, je pense au Sunning, ils sont seed 6, ils ont fait un très très bon spring globalement et ils ont un nouveau rookie au mid, voilà, pour ceux qui pourraient nous rejoindre sur la LPL, qui s'appelle Shanks et qui est très très fort sur les match control et tout ça a posé quelques difficultés au Sunning pendant la saison régulière. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on va pouvoir envoyer le classement parce que tu le disais, WE sont 6e. Mais Sunning sont 7e, donc c'est l'équipe qui est juste en dessous. On a un match assez close, en fait, tout simplement, de par le classement et de ce qu'on pourra débattre un peu plus tard. Donc voilà, pour présenter le match, on est sur du milieu de play-off, on va dire. On est sur des équipes qui ont un peu eu du mal à se réveiller, quoique Sunning fait un très très bon départ sur son tout premier match. On a eu quelques difficultés et on remonte. On va passer un petit peu plus en détail, notamment sur Sunning. On a relevé quelques points intéressants dont j'aimerais discuter avec vous, mes chers os. Notamment, voilà, bon skill individuel. J'ai sauvé un petit clip, notamment d'une intervention de Style of Me sur le top side de la map. On a des joueurs qui jouent très agressifs, avec beaucoup de vision. Est-ce que vous pensez que ça peut faire une grosse différence? Est-ce que vous pensez que c'est de ce side-là aussi qu'on va jouer côté Sunning? Honnêtement, ouais. Honnêtement, je pense que du côté des Sunning, on adore en fait jouer autour de Bean. Naturellement, c'est quand même un joueur de carry de manière générale, avec un Style of Me qui est aussi là pour ça. En général, Style of Me, il aime bien se mettre un petit peu au service de ses carries, quitte à lui aussi prendre du farm au passage. Donc, je pense effectivement du côté Sunning, on va beaucoup jouer sur les solo lanes. Ça peut être un énorme avantage, comme tu l'as dit, face à des rookies, par exemple. Ouais, c'est ça. J'ai sauvé ce clip. C'est un counter gang de Style of Me qui fait énormément le travail. Alors, Buiss va s'en sortir sur ce move-là, ce mais sera le seul kill de Gragas. C'est le seul kill de Gragas sur la game, il finit 1-7. Ouais, c'est ça. Mais ça, en fait, on va en revenir un peu plus tard, mais sur la rencontre directe, ça se passe très très mal, puisque Sunning, en saison régulière, a perdu 2-0 face à Team WE. Sur Team WE, j'ai relevé un truc, c'est leur team fight. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez que... Alors, on l'a vu, c'est très agressif. La LPL, c'est agressif. Particulièrement depuis le début des playoffs, on a des équipes, on l'a vu hier encore. Ça fonctionne quand on a de l'engage, quand on peut all-in. J'ai aussi un petit clip pour WE, mais est-ce que vous pensez qu'avant de l'envoyer, ça va jouer aussi très agressif comme ça à 5? Ah, si on se penche un peu sur le BO Week 8, du coup, entre WE et Sunning, c'est vrai que. Globalement, les Sunning étaient assez agressifs sur toute la partie de phase de lane, en fait, où on joue beaucoup sur le skill individuel. Et c'est vrai que c'est sur les phases de groupement où ça a un petit peu plus pêché du côté des Sunning. Donc, ça va être important de suivre ça. Et ils ont normalement un bon contrôle de vision, mais c'est vrai que contre W, ça a un peu pêché. C'est sur ça qu'ils se sont fait avoir. Un petit mot là-dessus, TechTech, peut-être?
Ouais, je pense qu'il y a, il y a vraiment deux équipes qui sont très chinoises dans l'esprit, mais avec une application assez différente. Du côté de WE, on va beaucoup chercher les first hour, des choses comme ça, des contrôles plutôt d'objectifs, alors que du côté Suning, l'objectif, c'est vraiment le first blood, et c'est, comme tu le dis, des team fights, donc c'est beaucoup plus dans le meurtre sauvage, on va dire, plutôt que des WE qui vont essayer d'avoir... Quand même, c'est un peu cet apport macro d'une équipe qui est là depuis plus longtemps aussi en LPL. Quoi. Ouais, c'est ça. On va pouvoir envoyer le clip, mais en effet, le clip que j'ai sélectionné, c'est un teamfight autour d'un objectif. C'est Team WE qui veut faire ce Baron Nashor. On essaie de l'empêcher tout simplement. Et là, WE se retourne et sort un énorme fight pour gérer l'objectif. On revoit la partition impériale de Angel qui tente de faire le boulot, mais ce n'est pas du tout suffisant. Et dans les deux games, on a Baisheng qui évolue sur Ekarim, on a Jumeng qui est sur Jinx, et on a le Thresh également qui est là. La question, c'est comment est-ce que tous ces picks arrivent à passer? On regarde, il y a un petit peu d'originalité quand même côté Snake, parce qu'on a sorti non pas Kalista Rel, mais Kalista Jarvan au bot. Jarvan, on sait que c'est un support qui est assez sympa, tu peux le sortir aussi avec Vayne par exemple, c'est assez agressif, mais boost de vitesse d'attaque, génération de décor, ça passe très très bien avec Vayne. Donc il y a peut-être des choses à faire aussi de ce côté-là pour Snake. Bah écoute, si tu veux passer sur les pics, on a un asset pour ça, sur la map pic tout simplement. Je suis d'accord avec toi, ce Jarvan, il est hyper important. La map pic de Sunning, beaucoup de Udyr dans la jungle pour Style of Me, beaucoup de Olaf aussi, et 3 Gragas. Je crois que c'est parmi les joueurs qui ont le plus sorti le pic. Ouais, c'est possible. Alors en plus, je crois pas que Hun soit un très gros joueur de Gragas, donc si on le prend côté Sunning, c'est vraiment pour la jungle, mais normalement Style of Me devrait avoir accès à son Udyr, à son Olaf, à voir si on va avoir la priorité du Ekarim ou pas dans ce matchup. On sait qu'on est sur le 11.6 et qu'il y a eu un petit nerf sur le Ekarim, mais bon, on a vu dans le début des playoffs que c'est quand même une grosse prio au niveau de la jungle, et bon, on sait qu'il a d'autres picks du style Lilia par exemple qui peuvent traîner également et faire un petit peu la diff. On en parlait aussi pour le match Sunning face à LNG. La Kai'Sa est un pic très très important dans la méta Sunning, on va dire, sur la totalité de ses pics de cette saison, de la saison régulière, c'est 42% de pics Kai'Sa pour Wanfeng. Est-ce que tu penses que ça va faire l'objectif d'un ban Tech ou on va la laisser open parce qu'on pense pouvoir la gérer côté WE? Je pense que c'est vrai un peu pour les deux équipes, c'est-à-dire que cette Kai'Sa va être un pic ultra ultra important de manière générale dans le BO, et cette Kai'Sa à mon avis pourra être récupérable que en blue side, donc je pense que le blue side doit être très très important justement pour ça. Okay. Tu l'as dit aussi, évidemment, du côté de Missing, on a ce Thresh qui va être mis en place. Ce Thresh, il est hyper important parce qu'il y a une Jinx aussi qui peut être un pic ultra important. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Mais ce Thresh aussi va être important. Je pense que c'est un Thresh qui doit être joué red side pour protéger, qui peut aussi être l'objet d'un ban. Il y a vraiment un espèce de jeu de va-et-vient qui va se jouer entre qui prend la Kai'Sa, qui prend la Jinx, qui récupère le Thresh du coup. Okay. Bah, du coup, on va prendre le temps de regarder la map pick WE en comparaison, essayer de voir aussi les picks qui pourraient être disputés ailleurs. À part le Aatrox, je crois, sur le top side, et éventuellement le GP, parce qu'on sait que Bin est un gros joueur de GP, le Renekton, il n'a pas été tant joué que ça par Bin au final. Non, il va plus évoluer sur de la Camille en général, Camille GP, ce genre de choses. Bien sûr, Aatrox, on a vu qu'il était assez à l'aise pour jouer Aatrox également dans du Gragas, donc on verra si ce sera un pick Gragas qui sera aussi utilisé dans la draft pour Bress, vu que Gragas c'est déjà un pick qu'on a vu pas mal au niveau de la top lane. Et c'est au mid, Shanks qui joue énormément de mage contrôle. On voit Soriana, Azir et Syndra. Il a aussi sorti, il est très fort dessus, Victor et Ryze. Donc c'est surtout lui aussi qu'il faut surveiller dans les teamfights. Il est tout le temps bien placé. Il trouve des dégâts qui sont juste colossaux à chaque fois. Azir a un autre pick énormément joué par Angel aussi. On l'a vu, c'est avec ce pick-là qu'il fait un pentakill d'ailleurs en début de saison, ouais. Je crois. Un pick très disputé. On le voit très rarement ban. Il n'est pas toujours ultra prio non plus, des fois il n'existe pas dans une draft, on le voit pas. Un autre pick très disputé peut-être. Je sais pas si ce sera un pick disputé, mais je pense que c'est un match-up qu'on risque de beaucoup voir, c'est le Orianna Azir. C'est vraiment pur match contrôle au niveau de la mid lane, à moins que Shanks ait l'opportunité de sortir un petit peu ces picks un peu signature qu'on a pu voir pendant la saison régulière. Ça m'étonnerait d'avoir des grosses surprises au niveau de la mid lane. On pourrait se retrouver vraiment avec quelque chose de très stale, avec juste du match control qui wave clear. Donc pas de nouveaux picks à venir. On a vu la Akali. Bon, elle était jouée par Nuguru hier, mais on sait qu'elle est sortie à mid lane. Pas les joueurs aujourd'hui pour sortir ce genre de pick. Il y a le Kassadin de Angel, c'est quand vrai. Même qu'il faut surveiller. Il peut le sortir dans certains match-up contre des match control. Ça peut très bien marcher. Faut par contre avoir l'assistance d'un petit Style of Me pas trop loin pour faire en sorte que le Kassadin passe son early game. Après, bon, dernière fois qu'il a sorti Kassadin, c'était une game en 17 minutes. À 11 minutes, il récupère un quadruple. Donc bon, c'est vrai. Faut surveiller ce Kassadin quoi. Oui, très clairement.
Ça va jouer. La réponse en face, ça peut être potentiellement, il y a du Renekton ou de la Cassiopeia qui peuvent être sortis par Shanks, donc ça peut être aussi un élément intéressant à voir. Mais il y a tellement de contraintes de draft ailleurs que ça m'étonnerait vraiment qu'on ait des surprises en mid lane. J'adorerais pourtant. Ok, d'accord, ça marche. Bon, on va focus un petit peu cette bot lane. On a un asset pour ça en termes de statistiques parce qu'on a un gap assez huge, mine de rien, sur les statistiques des deux AD carry. On a un OneFame qui a toujours été stratosphérique. Il est peut-être un peu moins en forme sur ce split-là, mais honnêtement, c'est plutôt correct. Ah, il doit se réadapter avec le fait d'être avec Sword Art, le fait d'être plutôt avec On maintenant. C'est donc tout le spring, ils ont dû avancer là-dessus. Mais c'est vrai que sur toutes les statistiques, globalement, OneFang, il est devant Zhu Meng. Il n'y a guère qu'en pourcentage de dégâts pour l'équipe où il est un petit peu en dessous. Zhu Meng, il a 29% près des dégâts de son équipe. En règle générale, l'année dernière, il était à 31-32 parce que Tite Sherma jouait beaucoup pour sa botlane. Là, on a maintenant Shanks au mid qui prend beaucoup de dégâts. Mais voilà, sinon, on est soit pareil, soit au-dessus. Il n'y a que les solo kills également, on est un petit peu en dessous. Et en termes de picks joués, les deux joueurs ont sorti 10 picks différents pendant le spring. Ouais. Donc il n'y a pas non plus de grosses différences de ce côté-là. Ça, avec quand même une grosse dominante pour la KSA, mais bon, ça a été un pick ultra prise de raison. Un petit truc un peu marrant aussi, on teamfight énormément pour W, mais Zhu Meng, 4 solo kills à son actif. On est capable de se débrouiller aussi sans ses mates. Est-ce que vous pensez que ça peut faire la différence là où OneFang semble avoir un petit peu plus peut-être de difficultés? Ça peut jouer. Je pense que ça va aussi beaucoup jouer sur les roaming des supports. Je pense qu'à ce niveau-là, Missing est plus pertinent simplement que On, qui peut parfois se perdre un petit peu, j'ai l'impression, qui n'est pas toujours vraiment, vraiment précis. Donc c'est peut-être ça aussi qui apporte une capacité de solo kill plus facile. Il manque peut-être une stat au niveau de cet asset, c'est le KDA. Okay. Il a le meilleur KDA de la ligue en saison régulière. OneFang, il est à 8,40, là où Jumeng, il est à 4,1. Ouais. Donc on meurt très peu finalement pour OneFang. C'est vrai. Il arrive globalement à toujours bien être positionné pour trouver ses dégâts. On peut les envoyer le KDA. Ce sera à suivre dans ce BO. Ok, c'est vrai que on meurt très peu du côté OneFang, on joue très safe. Je vais rebondir sur les supports aussi. On le revoit, le KDA 8,5. Est-ce que la différence d'XP des deux supports aussi fait pas la différence là-dessus? Si, c'est certain, c'est tout à fait certain, et je pense que effectivement, ça va amener énormément de choses. Normalement, on peut supposer que OneFang a un peu plus l'habitude, j'ai envie de dire, de jouer. Enfin, le fait qu'il ait fait les Worlds, qu'il est quand même, tout cet effort des Sunnings sur la saison dernière, qui a beaucoup beaucoup apporté aux joueurs, mais ça semble pas être suffisant pour le moment, en tout cas pour compenser. On va voir. J'avoue que pour le moment, j'aurais tendance à dire que juste parce que Missing est si fort comparé à On, le 2v2 est remporté quand même du coup. D'accord. Ok. Un autre match-up sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde, c'est le match-up que la LPL, elle de son côté, a décidé de mettre en avant. C'est celui dans la jungle. Ouais. On a eu un Style of Me un peu en dents de scie, je trouve, sur ce début de saison. Alors que Baishang, on est à 9 MVP, hein, c'est la deuxième place tout simplement. Il a été excessivement solide, sauf cette dernière semaine où il s'est un petit peu plus troué. Est-ce que vous pensez que Baishang va revenir en forme et est-ce que vous pensez qu'il va être capable de prendre Style of Me à son compte? En fait, ça va principalement jouer autour de Speak et Karine, je pense, qui est très prio. On le voit pas pourtant dans les champions les plus joués des deux junglers. On voit plutôt du Udyr qui a été pas mal prio. Il y a du Graves du côté de Baishang. C'est pas forcément le pick le plus prio, le plus méta, mais bon, il est là. Il peut être sorti là où, côté Style of Me, on en a déjà parlé, c'est plutôt son Gragas. Mais surtout au niveau du contrôle des objectifs, où il y a une différence entre les deux junglers et entre les deux équipes, puisque au niveau de la première tourelle, c'est plutôt double favor. First Blood, c'est plutôt pour Sunning avec 61%. Le Gérald, par contre, il est clairement à l'avantage des WE, donc ça va leur permettre de snowball globalement, peut-être mettre un bin un petit peu plus derrière Brest dans le match-up, ce qui peut permettre d'avoir un side vraiment strong du côté des WE. Mais bon, on parle de bin, et bin, ouais. Il sait jouer aussi des pick carry. D'ailleurs, dans le BO contre WE, il a sorti Camille deux fois. Oui, c'est ça, et en plus, on l'a vu, il est monstrueux sur le pick, on l'a vu sur le clip qu'on a envoyé tout à l'heure. Un autre point important, on sait qu'on a une très bonne vision du côté de Sunning, mais on parlait de la différence d'XP des deux supports. Est-ce qu'accompagné d'un jungler théoriquement un petit peu plus strong côté WE, on va pouvoir mieux gérer les objectifs ou pas? On sait à quel point c'est important dans la méta et on sait à quel point Sunning a besoin de ça pour jouer aussi. Je pense que de manière générale, les WE mettent plus d'efforts pour la gestion d'objectifs. Ça se voit au niveau des statistiques, tu l'as dit, hein, plus de contrôle des Heralds. En général, c'est aussi eux qui récupèrent des dragons très très tôt. La première brique aussi, surtout, qui est plutôt à l'avantage des WE. C'est lié forcément à la récupération de l'Hérald. Tous ces éléments, je pense que ça va effectivement plutôt
menait vers des W en contrôle. Et pour revenir à ce dernier 2-0, hein, qui était quand même assez sec face à des Sunning qui ont eu du mal à réagir, je pense que c'est en grande partie parce que WE a été meilleur sur la carte de manière générale et aussi parce que ce Gragas, il n'a vraiment pas performé pour le coup. Ouais, c'est ça. Pour remémorer, autant la game 1 est disputée sur le BO, mais la game 2 est un stomp monumental de la part de WE. Après, pour parler des Sunning, ils ont fait une très jolie performance face à LNG. Alors LNG, on sait qu'il y a un gap entre LNG et le reste du top 10 du classement. Mine de rien, ça c'est très bien vu. Est-ce que la performance de Style of Me vous a convaincu pendant ce BO là et vous estimez qu'il est capable de revenir très solide face à Baekhyun ou pas, Aurélius? Ouais, je pense que clairement il y a quelque chose à faire pour Style of Me. Alors effectivement, les LNG ils sont un petit peu en dessous dans le top 10, mais tu fais pas non plus un 17 minutes par hasard contre une équipe qui est 10e. Donc pour moi, les Sunning ils ont complètement step up pendant tout le spring. Effectivement, là où les LNG étaient devant au début du spring, c'est plutôt les Sunning qui sont devant sur la fin du spring. Pour moi, ça va être un BO qui est très disputé. Et la question, c'est est-ce que Sunning, dans les games 1 et 2 de LNG, ont plus bénéficié des erreurs LNG pour passer devant, ou est-ce que c'est vraiment eux qui étaient à l'agression et proactifs pour chercher des plays, parce que contre WE, qui savent tenir une mid lane, contrôler la vision défensivement et préparer les objectifs, est-ce que leur playstyle actuel va leur permettre d'aller chercher le petit truc en plus pour aller passer le round et aller contre Top Esports? C'est la question. Okay. Autre question que sur laquelle j'aimerais qu'on discute, est-ce qu'il y a des pics que vous attendez sur ce BO? On a parlé du Kassadin un petit peu plus tôt, on a parlé du Jarvan. Alors déjà, est-ce que vous pensez que ces deux pics qui peuvent revenir sur le BO ou pas? C'est des pics qui se jouent, mais il faut la bonne situation. Il faut la bonne situation, il faut le bon side aussi. Encore une fois, je reviens sur ces... Je pense que vraiment cette histoire de side est ultra ultra importante. À mon avis, on a vu sur les playoffs, il y a quelque chose comme, je crois que c'est quasiment 70 ou 80% de win rate sur le blue side. Alors juste sur les playoffs, hein, donc c'est un échantillon de game assez restreinte, mais malgré tout, quand même, ça montre la puissance du blue side. Et le blue side, il apporte la Kai'Sa, il apporte tous ces pics-là. Donc, une fois que t'as récupéré ta Kai'Sa, est-ce que c'est plus facile peut-être de jouer un Kassadin? Est-ce que c'est plus facile de jouer un... Tu vois, tu peux pas jouer le Jarvan, par exemple, avec la Kai'Sa, c'est un peu moins efficace. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont se jouer de cette manière-là. Je pense aussi un autre pic qui pourrait être intéressant, encore une fois, c'est Shanks avec ses petits pics mid lane. Alors, voilà, la Kassadin, il l'a sorti une fois, le Renekton, il l'a sorti une fois. C'était dans des match-up très particuliers. La Kassadin, c'était contre le Rumble de Doinb, il me semble. Donc, vraiment contre un personnage à très peu de portée sur lequel tu peux kite, mais typiquement contre un Kassadin, ça marche. Renekton, on sait que ça ouvre aussi le Kassadin. Donc, il y a des éléments comme ça. C'est possible que sur la mid lane, ça se joue, mais il faut qu'on ait mis en place la draft avant. Donc, à voir quel side va être le plus fort. Aurélius ? Ouais, moi, j'aimerais bien revoir un petit Xin Zhao qui a été un petit peu modifié sur le 11.6, qui a plus de possibilités. Et je veux voir des carries pour Bin. J'aimerais pas le voir sur des tanks. Oui. Pour moi, il peut vraiment aller chercher Bress sur des carries, GP, Fiora, pourquoi pas, Irelia, Camille. Il a énormément de picks pour aller de l'avant et j'espère qu'il pourra s'exprimer dessus. Il me semble que comme c'est WE qui est plus haut dans le classement, c'est eux qui ont le choix du premier side. Tout à fait, ouais. Donc, on s'attendrait visiblement à ce qu'ils choisissent un blue side. Mais est-ce que le red side, c'est pas une bonne chose pour Sunning? Parce que ça peut offrir un last pick et un counter pick solide à Bin. C'est vrai qu'on pourrait, si on arrive à récupérer par exemple une Camille avec éventuellement un Galio, hein, pour Angel qui est tout à fait capable de jouer, jouer Galio, il aime bien jouer pour son équipe aussi. Donc pourquoi pas effectivement mettre beaucoup de ressources sur Bin, ça rejoindrait aussi ce qu'on voulait dire du côté des Sunning, le fait de jouer beaucoup sur les solo lanes. Je pense que c'est une bonne solution effectivement pour Sunning si on se retrouve en red side, d'aller chercher, ouais, je pense que vraiment la Camille est très très importante, ou le Gnar un petit peu dans la même idée, quoi. On a évoqué les pics de Shanks aussi, on l'a beaucoup mis en valeur quand même depuis le début de saison. C'est vrai qu'il est particulièrement brillant, il monte directement de l'académie. Il a peu d'XP, mais il est bien entouré. Est-ce que vous pensez qu'il peut être victime de stress et du coup moins bien gérer sa lane, être moins confiant, être sous pression? Ou est-ce que vous pensez que l'entourage dans lequel il est va le mettre en confiance? Bah, Team W, c'est quand même une structure qui est là depuis longtemps. Je pense que le staff est expérimenté aussi. Et il a montré, Shanks, pendant tout le spring, qu'il était solide sur sa lane. Je pense qu'il va jouer exclusivement des picks confort avec des match control pour justement être bien à l'aise dessus. Je pense pas qu'il soit... il y a peut-être un peu plus de pression puisqu'on est en playoff, mais je pense pas qu'il y ait un stress démesuré pour le midlaner W globalement. C'est un peu l'inconnu, évidemment. Le fait qu'on n'ait pas encore vu les WE jouer, effectivement, ça peut peut-être jouer... en sa défaveur. Je suis pas certain quand même que ce soit un joueur qui soit très sensible à ce genre de choses.
Je pense qu'il est plus sensible à comment la game se déroule. Tu parlais de son Victor, par exemple, il est très très bon sur Victor, ouais. Et malgré tout, je crois que son Victor, il a quelque chose comme 25 ou 30% de win rate uniquement. C'est-à-dire il est si fort dessus. Oui, c'est ça, il est excellent sur le pic, mais son équipe n'arrive pas forcément à jouer autour. Et c'est peut-être ça, en fait, la faiblesse du côté WE, c'est qu'on a un midlaner qui est une petite pépite, mais sur lequel on n'a pas encore vraiment travaillé. Et peut-être que certains éléments de synergie ne fonctionnent pas avec certains de ses pics de cœur. Ok, on va pouvoir se projeter aussi un petit peu sur la suite. Le gagnant de ce match ira rencontrer TES, qui est un énorme concurrent. Alors, Sonic semble très en forme. S'il venait à passer WE, vous les voyez passer Top eSport aussi ou pas du tout? Ça va être dur. Après, le match-up en ADC est insane si Sonic passe. One Thing contre notre cher Jackie Love, ça promet d'envoyer du lourd. J'aimerais bien voir les Sonic. D'ailleurs, je crois que je les ai mis gagnants. Donc, pour moi, ils devraient passer. Après, ça va dépendre aussi de l'état de forme de WE, même si pour l'instant, on voit que les Sonic sont très, très en forme. Et comment WE a appréhendé ces playoffs, comment ils les ont préparés. Ils ont eu le temps de voir venir aussi les Sonic dans leur match contre les LNG. Donc il y a peut-être des réponses qu'on ne connaît pas encore. Est-ce que cette victoire potentielle pour Sonic, on a eu l'habitude un peu. On a évoqué Team WE comme un peu les videurs du top 4, top 5 de la LPL. Est-ce que c'est une grosse étape, mais est-ce que ce serait pas significatif en termes de remontada et de run que Sonic a été capable de nous sortir déjà, de passer Team WE? On est potentiellement effectivement sur une miracle run à nouveau du côté des Suning. Surtout que je pense que vraiment le fait d'avoir gagné avec autant d'avance ce BO contre LNG, ils sont dans un état de confiance en eux qui doit être vraiment important. Je pense que ça va vraiment jouer en leur faveur pour le coup. Mais voilà, les WE ont gagné le match-up précédent, donc je pense que c'est un match-up qui va être très disputé comme BO. Et à mon avis, effectivement, l'équipe qui sort de cette rencontre particulière sort avec un quota de confiance tellement important que pour aller chercher des TES, c'est tout à fait possible. À contrario, si WE passe, vous les voyez débrouiller comment face à Top eSport? Le match-up mid lane, pour le coup, ce serait celui que j'ai envie de mettre en avant si WE passe. Shanks, s'il passe Sunny, ça veut dire qu'il aura fait un gros BO. Et il sera contre Knight, selon la prononciation, selon ce que vous aimez. Mais du coup, ouais, sur la mid lane, ça peut être vraiment super intéressant de voir ce Shanks se fait un petit peu bousculer par Knight, voir comment il peut réagir aussi. On sait que, bah, comme tu l'as dit, WE, c'est un peu le videur du top 4. Ils ont perdu contre le top 4 en saison régulière, mais par contre, ils ont gagné contre tous ceux qui étaient en dessous d'eux, globalement, à une exception près. Donc, ouais, j'aimerais bien revoir aussi un petit TES WE. On va pouvoir clôturer là-dessus. Tu vois, toi, t'as annoncé que tu mettais Sunning gagnant dans ce BO. Tech, qu'est-ce que tu as prono, toi? Je crois que j'ai mis WE, mais je suis pas 100% sûr de mes... Ah ouais. C'est ce que j'ai vu, mais voilà, c'est affiché. T'es 93%. Le pronostiqueur fou, il est là. Oh, mais Nox, on est dernier ex aequo. Oui, exactement, avec Croc. Tout à fait. Voilà, on est au-dessus des 50%, mais j'avoue que c'est un petit peu triste. J'espère que la guidance de Tech m'emmènera sur des points gagnés aujourd'hui. Vous avez copié sur moi, c'est ça? Non, pas du tout, mais c'est vrai que tout à l'heure, j'ai regardé et j'ai fait, oh, si j'ai un pronostic similaire sur Tech Tech, peut-être j'ai des chances de gratter des points. Donc, j'étais rassurée. Bon, sur ce, je vous remercie de m'avoir accompagné sur ce pré-show. Un petit mot, peut-être une dernière chose avant de lâcher le... J'ai les mêmes pronos que Twitter, donc je les rattraperai pas aujourd'hui. Ok, tech. Je pense que je vais continuer mon lit sur les pronos et WE win, tant pis pour ta zéro. Ok, ça marche très bien. Bon, bah c'est envoyé. Je vous remercie le chat de nous avoir sur ce pré-show. Ne bougez pas, hein, bien évidemment, on revient tout de suite pour le BO dont on a débattu tout de suite. C'est dans 3 petites minutes, on revient.黄沙，卷云天，故地硝烟，刀背时刻，血残篇，将相王侯终不见，大义凡间，战火又熊燃，荣耀如山。 Mesdames et messieurs, il est temps de rentrer dans le deuxième BO de ce round 2 de LPL, de playoff de LPL. Bien sûr, je suis rejoint par Fingin. Fingin, comment vas-tu?
Eh bien écoute, ça va super bien, je suis ravi d'être en ta compagnie ce matin, Tech Tech, pour pouvoir commenter un BO exceptionnel dont vous avez déjà longuement parlé, mais je suis quand même super chaud. Grave, on va voir notamment en rentrant dans la draft laquelle de ces deux équipes a récupéré le blue side. On suppose que les WWE vont prioriser quand même ce side, on sait que c'est important. On en parlait un petit peu en off, évidemment que les picks bot side vont être primordiaux. Le ban du Thresh, de la Kai'Sa, qui va récupérer quel pick, ça va être très très important à mettre en place parce que y a cette Jinx qui plane un petit peu, le Aphelios aussi potentiellement. Beaucoup beaucoup de choses, je pense, en termes de draft qui vont se jouer sur le bot side de carte. Et pendant ce temps, eh bien, ça va être la bagarre sur les solo lane. Complètement, on le sait, dans la méta actuelle, avoir un carry AD avec beaucoup de DPS en fin de partie pour faire tomber les gros tanks dans la jungle et la top lane est quasiment primordial. On voit de moins en moins du coup de carry AD agressifs type Samira, ou voire même de choses un petit peu plus particulières comme on a pu le voir dans la vidéo d'introduction, comme Draven qui est quand même un petit peu tombé en désuétude. Et tu le disais, Jinx, on a Aphelios, on a Kai'Sa, trois champions extrêmement importants qui sont là pour pouvoir poser le DPS en fin de partie et qui vont du coup être au cœur de toutes les attentions. Ouais, ça m'étonnerait effectivement qu'on ne voit pas tous ces picks se démultiplier sur la bot lane. Après, on sait que du côté de Bin, on aime jouer des carries. Et on en parlait pendant le pré-show. Peut-être qu'une petite proposition à base de Camille Gallio du côté des Sunning pourrait pointer le bout de son nez. Alors évidemment, il faut que la draft puisse le permettre. Mais je pense honnêtement que c'est tout à fait possible. Ça, pour le coup, dans l'ADN de Angel, ça m'étonnerait pas que de le voir être capable de jouer sur un Galio. C'est un joueur, je crois que la saison dernière, en plus, il avait pas mal spam. Il y avait pas mal. En même temps, le Galio était au centre de pas mal de compositions en LPL, mais c'est vrai que Angel sait aussi bien jouer des carries avec des champions un peu spéciaux, type Victor, type Kassadin en particulier. C'est son secret pick finalement à notre ami Angel. Tout comme il sait se mettre un petit peu justement au service de son équipe, comme la faisait Tichorma l'année dernière, du côté des WWE. Ouais, il y a des choses à montrer effectivement. Après, en face, il y a aussi un millénaire qui est capable de faire des folies. C'est Shanks, évidemment, le tout jeune rookie chez WWE. Voilà, petit résumé évidemment de cette équipe. Une équipe qui a beaucoup d'expérience par rapport à sa structure, mais avec des joueurs comme Shanks qui débutent un petit peu dans le monde du League of Legends et qui ont déjà un petit peu fait leur trou. Pour le coup, tu parlais de ces pics un peu signature potentiel de Angel. Shanks aussi, il en a notamment. Oh oui. Il a la Cassio qui peut sortir contre des pics low range, et il a surtout le Renekton. Si jamais en face à un Kassadin, tu sors le Renekton et tu l'oblitères. Complètement, à voir si on va respecter correctement pour les Sunning, parce que au final Kassadin c'est un champion de counter pick, et on sait l'année dernière ça avait été les premiers à sortir en blind sans aucun respect, et ça avait pas trop mal marché parce qu'on était dans une méta très orientée autour de Azir et tout le monde était un petit peu pris de court. Là on a Shanks qui il en veut tout simplement, c'est le rookie, il arrive de l'académie, on a des choses à prouver, et en plus lorsqu'on est Shanks le roux, on veut forcément montrer qu'on est le meilleur des pirates. Ouais, il pourrait être épaulé du coup par les picks de Baishang évidemment, qui a ultra spam le Udyr un petit peu comme tous les junglers oui. de toutes les régions, mais il a aussi ce Karim qui commence à revenir un petit peu. C'est un pick qu'on n'a pas beaucoup vu en saison régulière, mais là qui revient avec force et fracas au niveau de ses playoffs. Pourtant il a été un petit peu nerf, j'ai l'impression que ça change pas grand chose honnêtement. Tout le monde s'en fiche du nerf de Karim, le champion reste complètement busted en termes d'engage et en termes de dégâts. C'est quand même incroyable, c'est à dire que le champion en fin de partie turbo Kemtank crush phasique, il te met 70% en un carry AD. C'est marrant, en étant full tank bien sûr, en étant full tank, et sinon c'est pas rigolo. On va revoir les agressions notamment au niveau de cette bot lane avec cette fameuse Jinx de Jumeng qui a pas forcément des stats aussi prestigieuses que peuvent l'être celle de Wenfeng, mais malgré tout cette Jinx qui peut vraiment avoir un impact assez important avec pour le coup c'est Baishan qui se faisait plaisir avec le Udyr. Et là, cette fameuse Cassio qui avait été sortie justement par Shanks face au Rumble de Dwinbee et Jumeng, qui était sur l'un des derniers moments où on pouvait vraiment jouer Samira, parce qu'en ce moment il y a eu un petit up certes, mais c'est difficile de se repositionner sachant que tu ne peux plus dash sur tes alliés, et du coup tout de suite ça enlève beaucoup de mobilité aux champions. Ouais, c'était effectivement un champion non seulement très agressif mais en plus très safe finalement en lane grâce à ça, et c'est vrai que ça a été un petit peu modifié pour le pire peut-être pour ce champion, mais peut-être pour le meilleur aussi de manière générale sur la ligue. C'est quand même un champion qui avait un kit assez complet, et là on revoit aussi tous ces joueurs qui sont capables de faire la différence. Breeze aussi évidemment sur la top lane, qui honnêtement ça va être un match-up super intéressant, Bin contre Breeze, parce que c'est deux joueurs qui peuvent je pense un peu sanguin, c'est à dire que si jamais ça joue sur sa part sur du carry, ça part en duel et vraiment on peut aller jusqu'au sang quoi. Complètement, on est sur un duel de top laneur pur et dur, et en termes de KDA on le sait, on le sent qu'ils sont, ce sont des joueurs qui ont tendance à vouloir chercher le kill, parce que au final ils se tatalonnent un petit peu en saison régulière, 4.6 5.7 en termes de damage share aussi, on n'est pas très loin l'un de l'autre, et du coup on a cette capacité à aller chercher des KDA
carry, tout comme jouer en weak side, bien sûr, parce que le weak side top lane, c'est quelque chose qui est très commun dans la méta actuelle. Mais on attend, on espère en tout cas, pour le beau jeu, pour le spectacle, vraiment un tête-à-tête, front contre front à la top lane, la grosse bagarre. Ouais, ce sera intéressant, évidemment. Il y a ce Aatrox hein, qui a un petit peu rodé et qui maintenant va être, je pense, peu à peu remplacé par les champions comme Gnar, par les champions comme Camille aussi, qui pourrait, je pense, être un pic super important. En parlant de Gnar, ben justement, voilà, on voit le Gnar de Bin qui peut faire des miracles. Et ce Shin aussi, Shin Zhao, qui pourrait revenir honnêtement, qui a été un petit peu modifié. Style of Me aimait particulièrement le pic, on le voit là dans ce match-up contre LNG. Donc il y a des choses à faire voir, et surtout toujours évidemment ce méga Gnar de Bin qui est tellement important. Je pense que ça va être un des pics les plus importants de la top lane honnêtement, ce Gnar, parce que bah, quand tu veux jouer frontliner principal ou carry DPS, tu peux jouer Gnar dans les deux cas en fait. C'est ça, et en fait ce qui est peut-être trop fort avec Gnar actuellement, et c'est pour ça que beaucoup demandent son nerf, c'est que t'as trois manières de le jouer. Soit tu joues full tank et tu t'en fiches et tu es juste une capacité d'engage pour tes coéquipiers, soit tu es un hard lane bully, et ce quasiment contre tous les match-up, et en plus derrière tu peux te proposer en split push. Et du coup ça fait beaucoup de flèches à ton arc du côté de Gnar, et du coup beaucoup de gens commencent à se dire ah c'est quand ça vraiment être trop embêtant, sachant qu'en teamfight lorsque tu sais gérer la jauge de méga Gnar, c'est une pression permanente en regroupement 5v5. Ouais, je pense que c'est vraiment cette capacité de Gnar à être capable d'aller chercher ses duels comme ça en permanence, qui fait que finalement cette faiblesse entre guillemets du timing de Mega Gnar allait un petit peu effacer parce que le pic met trop de pression ailleurs. Et évidemment un autre joueur qui va être important du côté des Sunnings, c'est Angel sur cette mid lane. Vous le voyez avec les pics qu'il a récupérés, c'est un joueur qui peut être soit totalement au service de son équipe avec des pics comme Zilean, comme Bugaleo, comme dont je parlais par exemple, et puis qui peut aussi être un main carry d'importance, le Kassadin qui a su briller contre LNG, ce Sylas aussi, Sylas qui revient énormément notamment en Corée, qui pourrait aussi faire des merveilles au niveau de la Chine. Je pense que c'est aussi un champion pour le coup qui va beaucoup déranger. Bah, c'est un petit peu ces mid laners contrôle mage un peu qui se pose et qui bouge plus trop sur la mid lane. Je pense à Cassiopeia, à Orianna pardon. Complètement en fait, Sylas c'est quelque chose qui est très fort parce que ça c'est extrêmement polyvalent et gênant en teamfight. Et en fait ce qui est important c'est que Sylas, lorsque t'as un Gnar en face, bah t'as un ulti Gnar qui est facile à poser, ouais, en permanence. Et du coup c'est un counter pick relatif à Gnar, et du coup ça peut le punir s'il n'est pas assez bien géré en face, parce que du coup si t'as pas ton timing de Gnar, bah en face t'en as un à tout moment de la partie. Ouais, c'est un petit peu la difficulté effectivement, et je pense que ça pourrait être un pic vraiment primordial du côté des Sunning. Je sais pas si du côté de Shang ça va être aussi un pic d'importance le Sylas. On n'a pas encore eu l'occasion de le voir sur le champion. Il faut avoir un permis Sylas. Je pense que t'es obligé. C'est dur à jouer Sylas. Il faut quand même se dire que en face de lane, dans les premiers niveaux, t'es quand même relativement fragile. Tant que t'as pas quelques points dans ton régicide, ou alors si tu préfères Maxi Q-Spell pour la lane, bah t'as pas le push. Et du coup, tu peux facilement te faire dive, te faire punir. Et en plus de ça, ça reste quand même un pic relativement situationnel parce que tu peux pas le blind n'importe comment. Et tu peux pas non plus le faire sans que t'aies d'ulti intéressant en face. Donc au bout d'un moment, ça fait beaucoup de conditions au pic. Il faut savoir le jouer, savoir avoir le poser dans la composition. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi avec. On sait que du côté de la Chine, on n'a pas toujours tendance à être très très juste en termes de draft, je trouve. C'est vrai que c'est pas forcément la force de la région, et peut-être pas non plus forcément la force de ces deux équipes, la draft vraiment dans le plus pur style, on va dire, de contrôle de draft. Mais bon, aller loin quand même l'époque où le Sylas c'était simplement la réponse à TF et on pouvait plus vraiment le jouer ailleurs. Actuellement vraiment, je pense vraiment que c'est une très très bonne réponse à Orianna notamment. Oui, Orianna, Seraphine, Azir. Ouais. Je pense que tous ces champions match control à mid lane, Sylas, bah ça dashine, ça esquive ton DPS et puis ça te go in et t'es vraiment dans la sauce. Ouais, c'est vraiment un champion. Bon voilà, il faut toucher les chaînes quoi. C'est un peu la difficulté du champion, mais une fois que t'as pris un peu l'avantage, bah bon, t'as le passif, tu mets des AoE dans la wave et les match control, bah passer leur niveau 3 niveau dégâts, qui peut plus vraiment tenir le push. C'est vraiment un champion qui a beaucoup d'intérêt à ce niveau-là. On va voir si ça va être le champion choisi du côté des Sunning ou des WE. J'avoue que j'ai un peu peur quand même que la mid lane se pose en Azir Orianna qui bouge pas trop, avec éventuellement un Victor par-ci par-là pour faire joli. Bah moi je me pose la question parce que en soi, les WE vont être dans un premier match. C'est-à-dire qu'ils vont devoir se remettre un peu en jambes. Il y a eu certes les scrims, bien sûr, mais ça va être le premier match compétitif depuis une bonne semaine. Et les Sunning, eux, ils arrivent en forme, ils arrivent chaud. Et c'est peut-être d'eux dont viendra justement la surprise en draft, ou justement viendra l'agressivité. Là où on peut peut-être se rassurer du côté WE avec un petit match contrôle en disant « Bon, on joue safe un petit peu, voire tâter un petit peu le terrain sur la première game. » Et derrière, bah, justement, on pourrait se faire punir par les Sunning.
Ouais, je suis d'accord, effectivement, il y a quand même cette grosse inconnue au niveau des WWE, le fait de ne pas les avoir vus depuis, bon, j'allais dire depuis longtemps, mais c'est vrai qu'il y a tellement de matchs en jeu. C'est pas tant de temps, mais quand même. C'est un marathon tout le temps, donc. Ouais. Mais ouais, non, forcément, et puis Suning, voilà, ils sortent quand même avec un capital confiance qui est très important. Ils ont rétamé totalement les LNG, ils ont fait peut-être la plus belle game de la saison en game 3 de ce BO. Donc, tous ces éléments font que Suning arrive en confiance contre les WWE qui, a priori, sont meilleurs. En tout cas, les matchs de saison régulière l'ont montré. Les WWE ont largement dominé les Suning dans leur rencontre directe. Mais les WWE n'ont pas forcément joué depuis un petit bout de temps, pas de match compétitif. Là, avec un léger shift de méta, ça pourrait surprendre. J'avoue, je suis vraiment très, très curieux. Je pense que du côté WWE, on va quand même aller chercher ce Blue Side pour aller récupérer. Encore une fois, je reviens sur cette Kaïsa qui va être vraiment un pic, je pense, déterminant du BO. Complètement. Hein. Si c'est pas mal, ça sera immédiatement pic, je pense. Et le Blue Side est évidemment favorable à ce genre de situation. Ne pas non plus négliger le Karim dont on parlait, oui. Hein, qui est un très, très gros first pick et qui est très, très privilégié dans différentes ligues dans le monde. Et du coup, potentiellement, on va avoir des drafts qui vont s'articuler vraiment autour d'une grosse prio au niveau de la bot lane et au niveau de la jungle, qui va réussir à récupérer ses comfort picks, récupérer les picks forts de la méta, récupérer aussi un team fight, parce qu'on en a parlé, vous en avez parlé également lors du pré-show, c'est-à-dire que on est sur une méta qui a tendance à faire des 5v5 très agressifs dans les objectifs, c'est-à-dire les dragons, les héros de la faille, les barons d'Achor, et si on n'a pas une composition qui est capable soit de poke suffisamment pour shred les adversaires pour les retirer du team fight, bah il faut avoir quelqu'un qui engage. Ouais, et les gagnants dans ce petit jeu-là en général, ce sont plutôt les WE que l'on voit entrer sur la scène, une équipe qui brille par ses statistiques de contrôle justement d'objectifs neutres. Ils sont là et ils rentrent en scène du coup. Quel beau gosse ce Shanks. Ah oui. On voit qu'il a la capacité d'être le roi des pirates. Donc effectivement, Brief, Beishang, Shanks, Jumeng et Missing du côté des WE. Et les WE qui vont avoir fort à faire pour bouger nos amis de Suning. Les lions réussiront-ils à rugir dans la faille de l'invocateur ce matin? Est-ce que Bean, Side of Me, Angel et One Fang et On feront tomber les WE, Tech? Toi, ton prono était pour les WE. Ouais, je suis plutôt WE, c'est vrai. Allez, vous les avez entendus. Les joueurs Suning, Bean, Style of Me, Angel, One Fang et On en support. On qui va être, je pense, un élément important. Eh ben, let's go. Eh ben, c'est parti, effectivement. On la draft va pas tarder à commencer, les amis. Suning contre WE Tech. On a parlé beaucoup de la draft, on a parlé beaucoup de nos pronostics, mais désormais, est-ce qu'il y a quelque chose que toi, personnellement, tu aimerais voir? En vrai, j'ai envie de voir de la surprise au niveau des picks. J'ai envie de voir voilà, deux millénaires qui sont capables d'avoir des pocket picks et qui les sortent, qui vont chercher quelque chose. Alors peut-être pas sur les premières games, c'est vrai, peut-être que c'est un BO qui va se jouer sur la longueur, mais malgré tout, j'ai envie de me faire surprendre par un Shanks qui roule sur tout le monde avec un Renekton, par un Angel qui sort de nulle part. Des pics un peu improbables et qui est capable d'aller chercher pourquoi pas la Akali, hein, pourquoi pas. Complètement. Akali qui est devenu un gros prio pic depuis ses modifications sur le patch 11.6 et on peut du coup espérer quelques petites choses surprenantes de ce côté-là. Est-ce que ça sera du côté de la mid lane? Est-ce que ça sera pour la top lane également? Akali, ça reste un champion qui apprécie les lanes longues parce que ça te permet d'avoir des trades très agressifs et en même temps être relativement safe pour te repositionner avec ta smoke. Donc, faut jouer avec un flash. Quoi. On a vu hier, il y a eu glissade au niveau de la Akali. On a joué sans flash. Après, bon, c'est quand même un champion qui est suffisamment fort pour, malgré avoir autant de retard, prendre un triple kill en un teamfight. Mais effectivement, c'est un pick qui va être très très important. Oh, et au niveau des bats, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. En tout cas, pas en blue side pour les WE parce qu'on va retirer le Tahmkench et le Nocturne. Et le Thresh qui sera retiré. Et déjà, on retire deux champions extrêmement importants pour les carry AD late game un petit peu immobile. On pensait à Aphelios qui est également retiré par les Suning. Jinx également qui marche très bien avec Thresh et Tahmkench. Et du coup, on a quand même un first pick Kai'Sa qui, tu le disais, est extrêmement facile à prendre. Ah. Et Karim également. Et du coup, on a l'air de plutôt partir sur la jungle pour les WE. Autre priorité du coup récupérée par Baishu, je suis presque étonné parce que j'aurais tendance à dire que les WE vont plus naturellement récupérer la Kai'Sa sur Jumeng, quitte à récupérer
entre guillemets qu'un Udyr pour Baïchon, qui est quand même un champion sur lequel il est très très à l'aise. Là on a retiré le Thresh, on a retiré le Time Cage, donc la Jinx est très très difficile à sortir. On veut forcer les... Enfin, c'est bizarre ce choix de la part des Suning. C'est une Jinx qui va pas du tout être aussi bien protégée. Qu'est-ce qui reste? Une reine? Suning ont été les premiers à sortir Jinx sans Time Cage ni Thresh. Ils ont joué justement Jinx Rell. Et en fait, j'ai l'impression qu'on s'appuie sur l'incroyable capacité à Wanfeng d'être toujours safe dans son positionnement. Ah, effectivement, c'est vrai que pour le coup, de cette manière-là, les Suning n'ont pas encore perdu de game avec Jinx. C'est pas le pire. On va récupérer le Renekton immédiatement pour les WE. Brave qui part sur un blank pick Renek. Très agressif au niveau de sa top lane. Et Shanks qui va récupérer donc sa Orianna. On a quand même Ekarim Morgana et en termes de teamfight, on a quand même récupéré un très très gros combo désormais. Ouais, clairement, on a une énorme teamfight du côté de WE. Teamfight mid-game notamment avec la Shockwave de Orianna qui va surtout permettre au Renekton de mettre tout son DPS en place. Breeze honnêtement qui devrait avoir un match-up, enfin qui a intérêt à avoir un match-up favorable contre ce Gnar malgré tout, avec l'apport notamment du Ekarim, ça se joue du côté du Renekton. Ça va être quand même une grosse charge aux épaules de Bin de pas laisser le Renekton trop vite s'envoler en termes de gold. Maintenant, le gros problème, c'est que cette priorité sur le Renekton est tellement étonnante. Quand Kai'Sa est open, forcément, Suning va là-bas. Et maintenant, qu'est-ce qui reste à Jumeng en termes de carry AD? On n'a plus Aphelios, on n'a plus Jinx, on n'a plus cette Kai'Sa contre Jinx. Beaucoup d'agression, peut-être une Tristana potentiellement. Peut-être Tristana, Xayah également, qui est très intéressante en termes de réception d'engage. Et lorsque du coup t'as déjà Gnar et Rell, ça peut être intéressant à récupérer. Mais je pense que les Suning vont ban cette Xayah justement, parce que en plus de bien tenir une Jinx en face de lane, ça peut être très très gênant en termes d'engage. Les WE qui vont retirer eux le Twisted Fate des mains de Angel. Un Twisted Fate qui aurait pu être intéressant, même si je trouve qu'il marche moins bien justement lorsque t'as pas quelqu'un pour l'accompagner le follow-up en termes d'engage. Justement cette Kai'Sa qui est très très intéressante accompagnée du Tef. Ouais, clairement tu peux avoir quasiment autant de portée sur la destinée que sur l'ancien meurtrier et le ban du Alistar effectivement. Face à Rell, ça se comprend complètement. Ouais, il reste plus beaucoup de choses d'ailleurs pour aller cancel la Rell honnêtement. Plus de Thresh, plus de Alistar, plus beaucoup de bump finalement. Il y a des choses qu'on voit, mais c'est plus du pic de solo queue et qui n'est de toute façon pas forcément très méta en termes compétitifs, c'est la Janna. La Janna bump instantanément la Rell et en plus avec son ultimate, la mousson, tu dégages complètement la Rell sans qu'elle ne puisse récupérer tes coéquipiers. Donc c'est vraiment un counter pur et dur, mais bon, tu restes fragile et je pense qu'en compétitif c'est trop dur à sortir actuellement. Ouais, c'est un peu compliqué effectivement, on n'est pas encore tout à fait dans une méta enchanteur, même si évidemment il y a quelques pics qui peuvent en profiter. Bah, en parlant des pics, qui profitent bien des items d'enchanteur, la Seraphine potentiellement du côté des Suning. Donc Angel qui va jouer complètement au service de Wanfeng sur sa Jinx. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur une composition très très centrique. Même idée, on a un peu moins de shield, mais un peu plus de capacité à revive ses alliés, avec plus de push aussi au niveau de cette mid lane. Dans les premiers niveaux, ça push très très fort, hein, Zilean, au niveau 4 notamment. Attends, la question, c'est vrai qu'il y a ce Varus. Hein. Le Varus qui est en vitalité par contre. On joue plutôt réalité, ouais. Plutôt réalité, effectivement. On bully la lane, on met sous pression les adversaires. Et c'est justement peut-être ce que tu veux rechercher face à une Jinx, parce que ça a quand même une grosse capacité de push, une capacité de trade qui est assez forte, en particulier avec les roquettes et accompagner une Rell, ça peut être assez oppressant. Finalement, ça sera une Tristana. Même principe, tu veux aller chercher le burst, maintenant il faut quelqu'un pour l'accompagner. On a montré Leona, Seth, c'est vraiment ce genre de champion qui vont essayer de mettre de la pression normalement. Les deux fonctionnent, je serais un peu moins fan d'un pick d'un enchanteur. Le. Oh! Pike contre Rell, j'avoue que pas évident pour le Pike d'avancer quand même. Nautilus marche très très bien et Nautilus pour le coup a cette capacité de cancel la Rell avec l'abordage. Il perd un gros cooldown mais ça limite quand même beaucoup la capacité de Hon d'entrer dans la mêlée. J'aime bien cette capacité là des W, notamment le niveau 1, on sait à quel point c'est puissant. Niveau 1, niveau 2, le combo Nautilus-Tristana, c'est peut-être honnêtement actuellement un des combos qui a le plus de dégâts du jeu au niveau de la botlane. Ouais. Avec ce Hail of Blade sur la Tristana qui devient maintenant complètement méta. Et on monte pas mal de jungle pour les Suning et finalement on se décidera sur le Olaf pour Style of Me. Un Olaf accompagné d'un Zilean. Un Zilean qui va avoir du coup beaucoup de travail à faire parce que tu le disais, ça va être un potentiel push à la mid lane, mais surtout il y a un gros zoning en teamfight avec ses bombes, une capacité d'accélérer ce Olaf pour qu'il aille chercher très vite la backline, et également un ultimate pour revive Wanfeng qui par hasard aurait pu être agressé ou mal positionné, ou alors justement revive Style of Me qui sera très très loin dans la mêlée.
Bref, je pense que la composition des Sunning a beaucoup de sens, a beaucoup de capacité d'engage, a une capacité de peel pour sa Jinx qui n'a pas forcément de gros support, mais qui au final s'articule bien autour de ce Pix Zidane qui sera là pour remobiliser un petit peu ses troupes comme le général que peut être Angel. Ouais, effectivement, du côté Sunning, on a cette capacité quand même d'avoir... voilà, c'est très bon teamfight qui est quand même une des marques hein, de l'équipe. À voir maintenant si on est capable d'aller d'atteindre en fait le paroxysme de la composition, c'est-à-dire une Jinx avec 3-4 items potentiellement, parce que bah, du côté de WE, je suis pas certain qu'on ait envie de le laisser faire. On a une composition qui est très très forte dès le mid-game, dès l'early game même d'ailleurs, hein, avec pas mal de lane bully, même si en vraiment early game, je pense que les lanes des Sunning sont légèrement devant parce qu'on a la portée, simplement. Oui. Mais bon, il va falloir vraiment faire attention à un snowball potentiel. Snowball d'un Ikarim, snowball d'un Renekton, snowball d'une Tristana, tous ces champions qui peuvent très très vite exploser et être hyper hyper dangereux. Complètement, parce qu'on a parlé de la composition en teamfight des Sunning, mais celle des WE n'est clairement pas en reste. On parle d'une composition qui a Renekton, Ikarim, Orianna et bien évidemment Tristana Nautilus pour terminer le teamfight. Donc si on arrive à trouver un teamfight gagnant, le snowball sera quasiment inarrêtable, Tech. Ouais, ça va beaucoup, beaucoup dépendre des performances de la botlane, certes pour cette Tristana, mais aussi évidemment du duel des deux junglers. Deux junglers qui doivent clear efficacement, qui doivent réussir à gank aussi suffisamment tôt, notamment cette top lane. Et forcément trouver l'engage. Et Sunning contre WE, le premier match de cette matinée de LPL va commencer, tandis qu'on entend les Jao dans le chat et également dans le public. Mon cher Tech, c'est parti. On est parti, effectivement. On va pouvoir suivre le déroulement de ce BO, un BO d'importance, bien sûr, on le rappelle. Hein, le vainqueur ira chercher les top e-sports. C'est-à-dire que bon, c'est la première marche, quoi. Vraiment une première marche dans ce BO, mais c'est une marche qui va être vraiment, vraiment importante. La manière dont se déroule ce BO pourrait peut-être potentiellement donner une chance ou pas à l'équipe d'aller chercher les Top Esports juste derrière. Pour le moment, au niveau 1, pas de cheese particulier. On change quelques habilités sur la top lane, rien de bien méchant. Un push naturel au niveau de la mid lane, récupéré pour le moment par Chance qui a commencé à attaquer la vague plus tôt, et beaucoup d'aide d'ailleurs apportée par la bot lane. Ça c'est intéressant par contre comme choix. Priorité donnée à Baishang plutôt que sur le push et le passage niveau 2 tellement important pour cette Tristana. C'est un choix étonnant même près de la part des WE. Après, je pense qu'on a accepté de vouloir concéder cet early push parce que au final ça reste quand même une Jinx, et avec les roquettes ça peut aller très très rapidement. Et on commence déjà les amabilités au niveau de ce bot side. On qui a la bombe explosive, attention à ne pas se coller à son carry AD. Au final c'est un trade qui est quasiment équivalent, sachant que les dégâts ont été répartis entre Jumeng et Missing, alors que seul On a pris le DPS en face et il va pouvoir régénérer ses points de vie tranquillement avec ses dernières potions. Un petit peu de push de la part de Missing avec le shield évidemment qui rajoute un dot d'auto-attaque pour le Nautilus. Mais voilà, on va devoir respecter le passage niveau 2. Un petit peu dommage honnêtement. Ouais, je sais pas si la Jinx a vraiment beaucoup plus de push sur le niveau 1 qu'une Tristana, si elle arrive à mettre l'élastite avec le passif de la bombe. Alors, en fait, vraiment, si tu décides de push avec, oui, avec le Q-Spell, je pense que t'es imbattable au niveau 1. Après, il faut aussi vouloir poser la bombe explosive de Jumeng dans la wave, ce qui peut te permettre de récupérer le push, mais est-ce que tu veux vraiment te débarrasser de ce CD? Je suis pas sûr. Non, je pense que surtout avec le passif, évidemment, hein, l'élastite des minions qui se répercute un peu partout. Effectivement, ouais, si la Jinx a juste envie de taper la wave, elle va aller plus vite, mais bon, ça lui demande du temps, ça lui demande quand même des roquettes, du mana du coup, et des ressources, mais ouais, on a respecté du côté de WE, pas de volonté du coup d'agression très tôt dans la partie, malgré ce Hell of Blade de la Tristana, Tristana évidemment qui joue avec une cleanse contre la Rel, pas trop de surprise à ce niveau-là. On a l'Ignite quand même pour Missing, alors que On joue de manière assez sécuritaire finalement, avec un Exhaust. Je crois que ça fait bien longtemps que j'avais pas vu un support aussi agressif jouer avec un Exhaust, honnêtement. Ouais, on veut. En fait, l'exhaust a beaucoup de value dans ce match parce que, au final, t'as le all-in de la Tristana, le all-in de Ikarim et en plus celui d'un Renekton. Donc, au bout d'un moment, t'as quand même beaucoup, beaucoup de menaces pour aller déranger cette Jinx. Et je pense que On s'en doute bien. Là où l'Ignite, certes, est beaucoup plus pertinent en termes de regroupement de V2, mais lorsque tu veux sécuriser une Jinx qui n'a pas de hard peel comme un Thresh et un Tahmkench, c'est peut-être la meilleure solution. Ouais, on a fait le choix de la sécurité, effectivement. Et puis, c'est vrai que tu l'as dit. Par rapport au lignes de cette Tristana, j'avais pas forcément pris ça en compte, mais bah ouais, ça, c'est peut-être aussi la raison qui néglige, enfin qui a forcé les WE à négliger l'agression tôt dans la partie, cet exhaust,
qui neutralise totalement le burst d'une, d'une Tristana potentielle. On a eu aussi un très très bon contrôle de vision. On a repéré la position du Ekarim, mais on va aussi repérer d'ailleurs la position du Olaf. Pour le moment, c'est deux junglers qui sont suivis à la trace. Mais l'information est récupérée par, par Baishang. Il le sait, lui, qu'il a été repéré. Est-ce que ça va lui permettre de modifier un petit peu la manière dont il abordera la partie? Je ne suis pas certain. Avec les corbins qui respawn, c'est trop compliqué de changer sa route. On a un cycling et il faut, faut le respecter pour le jungle des WE. De la même manière que pour Style of Me, on a au moins l'information pour Brave que ce Olaf est à la top lane. Donc il faut respecter un petit peu et du coup il faut essayer de se mettre un petit peu en sécurité. De l'autre côté, au niveau de la bot lane de Sunning, on sait que le Ekarim était bot side, donc on va se repositionner plutôt sous la wave, accepter le push des adversaires et tranquillement réceptionner les ressources. Angel qui se rend disponible et qui va prendre beaucoup d'informations dans la jungle top side cette fois-ci et qui ne sera, semble-t-il, pas repéré par Baishang. Du coup, on a complètement l'information sur le passing de ce Ekarim et du coup, Bin est au courant, ce Ekarim est là, il faut reculer. Ouais, c'est pas un bon timing de gank, en plus on vient d'utiliser le Z. Du côté de Breeze, on n'aura pas de contrôle du coup à mettre en place pour permettre à Baishang de faire la différence, et les Sunning qui vont vraiment... Enfin, on sent qu'ils ont beaucoup, beaucoup étudié le playstyle des WE, parce que ça fait deux fois qu'on voit des laners s'avancer vraiment très loin juste pour prendre l'information sur la position de Baishang. Ça va être vraiment ce match-up jungle hein, qui pourrait donner l'information. Par contre, c'est pas mal, là, on a récupéré le Z normalement. Bin qui va pas pouvoir flash, malheureusement, le double jump qui ne sera pas touché. A priori, ce sera un first blood à l'avantage de cet Ekarim, le gang de Baishang qui finit par passer malgré tout. Malgré tout ce travail de vision, ça joue à pas grand chose, c'est un flash qui est cancel par le E et surtout pas de double jump trouvé. Mais quelle erreur de Bin malgré tout. Il avait toute l'information sur Baishang. Il savait qu'il était là. Et en plus, là, il va téléporter, il va se faire dive parce qu'on a le Dominus de Brave et on va pulvériser ce Gnar à l'instant même où il va arriver sur la lane. On n'arrive pas à trouver le gank, si ça sera récupéré par Baishang. Il a TP avec le R de Angel, j'avais pas fait attention, ce qui a forcé un petit peu les WE à temporiser. Je pense que c'est pour ça qu'il a TP, il pensait pouvoir bait au maximum. Mais on s'est pas fait avoir et Baishang qui restera en vie malgré tout. Voilà, c'est catastrophique pour cette top lane. Du coup, on a un Renekton qui est largement devant. On perd tellement de ressources pour ce Gnar. Tout ça pour un malheureux petit dragon des montagnes récupéré sur la bot lane. Infernal. Infernal, pardon, oui. Mais c'est vrai que, encore une fois, hein, alors Bin a voulu effectivement Brain avec l'ultimate de Angel. Mais que c'était arrogant de récupérer cette wave, de trouver cette téléportation. On n'avait pas le méga Gnar, on n'avait pas le niveau 6, on n'avait rien du tout. Et pour les WO, bah au final, c'est du pain béni. On récupère 2 kills sur cette top lane, on a fait crash une énorme wave. Et on a Ekarim qui est d'ores et déjà activé, qui va du coup être une menace définitivement oppressante pour Wanfeng. Attention, attention les Sunning, parce que ça crée déjà un petit break, je trouve. Ouais, c'est vraiment le gros problème pour un personnage comme Jinx, un Ekarim qui a beaucoup d'avance comme ça. C'est un champion qui va pouvoir venir burst à très longue distance. Honnêtement, tu peux avoir tout le pile de la terre. C'est tellement dur d'empêcher un Ekarim d'atteindre sa cible. C'est un champion qui se déplace très vite, qui a beaucoup de portée. Ouais, l'agression peut être proposée. Ça va forcer le Z-out de Han. On peut plus vraiment prendre les trails à ce moment de la partie, c'est normal. La Jinx pêche un petit peu en termes de dégâts contre une Tristana au niveau 5 notamment. Et au niveau 6, ce sera encore plus exact. Ouais. On va avoir une petite part, un petit moment de slump pour la Jinx effectivement, jusqu'au premier item à peu près. Lorsque le tueur de Kraken est validé, la Jinx recommence à être un petit peu oppressante. Même si en termes de burst pur et dur, l'avantage est à Tristana bien évidemment. Bin encore une fois sous le feu des projecteurs, Baishang qui est là avec son Ekarim. Et il faut respecter pour ce Gnar. Cependant la wave est dans une position vraiment très compliquée parce qu'elle push en faveur de Bin et du coup Brave peut tranquillement la freeze autant que possible, faire perdre des ressources à son adversaire, tandis que Baishang lui peut se positionner sur les héros de la faille. Ouais, ça a l'air de rien ce petit mouvement de Baishang, le fait d'avoir récupéré la ping comme ça, mais vu la position de la wave, ça met Bin dans une situation tellement délicate, il peut plus vraiment bouger. On est obligé de respecter la position de Breeze et du coup Style of Me qui va devoir un petit peu vérifier avec son front que le Karim n'est pas dans le coin. Il va pouvoir avoir l'information du coup sur ce héros de la faille, mais on va pas respecter. Pourtant, le Renekton est devant normalement. On pas a pris le sur la mid lane. Ah, il va le forcer avec l'ultimate en plus. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait énormément même. On n'aura pas le temps de mettre le E avant la fin de l'ultimate de ce Olaf. Et du coup, ce sera quand même une récupération du Herald. Importante quand même cette récupération pour le coup. Ça va protéger les plaques
notamment côté Suning, et peut-être même en récupérer pour compenser. Alors, je suis pas sûr sur la top lane, mais par contre sur la bot lane, ça peut vraiment être important. Ouais, donner un maximum de ressources à Wanfeng et les W qui se sont fait un petit peu avoir là-dessus, parce que au final, Bin était sur un timing méga gnar, et malgré tout, même s'il est en retard, c'est extrêmement dangereux, sachant qu'on avait Angel qui était là, ça aurait pu être un petit peu compliqué. Finalement, on va se venger pour les WE. Tu prends le héros de la fight, tant pis, tu n'auras plus de jungle. On a posé l'héros de la, enfin, l'ultimate pour Wanfeng pour essayer de récupérer ce blue buff, mais c'était un petit peu trop juste. Et au final, les WE qui compensent un maximum, on prend beaucoup de ressources sur le bot side, le carapateur, le blue buff. Et du coup, c'est le fin qui se permet même d'aller chercher celui de son adversaire, mais c'est un petit peu dangereux peut-être là-dessus. Il a plus de R. Il a plus de R alors qu'il y a le Dominus du côté de Breeze. Honnêtement, avec l'arrivée de Shanks en plus, je suis pas certain que tu puisses rester, Salof, mais honnêtement. Il va mettre le smite quand même malgré tout, le Dominus qui va le chercher, le stun à longue durée on va dire, avec la rage, et finalement on n'ira pas chercher plus loin. Il y avait la protection d'Angel qui a empêché Shanks d'avancer. Bon, c'est un trade qui reste assez correct et ça évite qu'il y ait trop de jungle diff honnêtement en termes de ressources, parce que il y a quand même tous ces farms d'avance disponibles pour Stale of Me. Tentative d'agression sur la prise de vision de On. On a encore une ward très agressive qui a été posée dans la jungle pour essayer de prendre un maximum d'informations sur ce Karim. On le sait pour le Sunning que ce Karim va être une menace, en particulier sur cette Jinx qui est le cœur du DPS des Sunning. Et du coup, on essaie de sécuriser un maximum la position de ce dernier pour être sûr d'être à peu près tranquille et ne pas se faire dive. Il va falloir effectivement faire très très attention, notamment sur la bot lane. C'est presque étonnant de ne pas voir Missing être en situation de perma-roaming, mais je pense qu'on a vraiment envie d'appuyer au maximum sur la domination de cette Tristana. Première plaque de récupérer déjà avec la bombe qui va exploser. Oh, le petit Poco Air, histoire de dire qu'on existe. On a déjà pris une plate. Une plate pour cette Tristana, la Shockwave qui va être posée pour Shanks, on a encore un ultimate pour Angel, et ça devrait être relativement tranquille, ce Zidane qui va trouver son back, c'est Lufmi qui se positionne, mais on a le Ragnarok encore à disposition, Baishan qui est là en soutien, on va devoir utiliser ce R pour Style of Me. Non, ça ira. On va pas chercher trop loin du côté de Baishan, vous savez qu'avec le Ragnarok disponible, c'est assez un peu compliqué d'aller chercher sous tour, surtout il y avait le retour potentiel d'Angel avec la téléportation. Angel qui a quand même été très très serein, avec moins de 100 HP restant, le fait de ne pas appuyer sur R, je pense que c'était vraiment ce que je cherchais à faire Shanks, hein, bien sûr, forcer le R sur le Zilean. On l'a en situation un peu délicate, même si on n'a pas de Shockwave à noter quand même. Ou dans l'important, on n'a pas encore récupéré l'ultimate de la part de Jumeng non plus. Ça manque quand même de ressources importantes du côté des WE. Oh, c'est récupéré! C'est récupéré grâce à la Super Death Rocket! Quel style qui sauve les Sunning sur cette early game! Ça leur achète beaucoup, beaucoup de temps, Tech, parce que le rush du dragon des WE va lui en prendre un sacré coup. Ouais, c'est compliqué pour les WE, ils perdent un énorme timing, et puis surtout, du coup, eux qui sont pourtant blue side, ils sont derrière, finalement, dans cette early game. Enfin, pas derrière en termes de goal, mais sans les dragons, avec cette composition de scaling du côté Sunning qui va grimper en puissance et qui fera mentir les golds incessamment sous peu. Honnêtement, c'est assez délicat, on n'arrive pas forcément à mettre en place l'avantage de Breeze récupéré, l'avantage de Baishang aussi normalement. Le fait d'aller chercher ce dragon alors qu'on a deux ultimates tellement importants qui sont pas disponibles, ça limite les actions et WE sont en difficulté. Héros de la faille qui est posé à la bot lane, mais justement la réponse instantanée des WE et Baishang avec ce Karim qui va trouver instantanément le kill sur Wanfeng, la téléportation de Shanks, et ça sera terrible. Un c'est doublé malheureux. Pour Missing, mais c'est pas vrai malheureux. Oh là là, il n'y a rien qui leur réussit au W dans ce début de partie. Le fait que Missing récupère ses deux kills, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle, alors qu'on aurait adoré donner de l'argent à Jumeng, adoré donner de l'argent à Shanks qui téléporte plus Shockwave pour ne pas avoir un kill sur un support. C'est monstrueux comme ça doit être douloureux. Ah là là, la frustration, et au final on a deux cagoles d'avance certes pour les WE, mais tellement de ressources données sur Missing, et au final ça se compense parce que avoir des ressources sur un Oscillus c'est clairement négligeable. Attention, l'arrière engage des WE pour aller potentiellement chercher Style of Me, on a encore un Rocket Jump pour Jumeng, mais attention, on se fait immédiatement get back et la téléportation qui va être trouvée pour Bin, le Rocket Jump qui n'est pas encore à disposition pour Jumeng, et on va pouvoir trouver le kill, la Mega Death Rocket, et sera le flash in de Bin, et tandis qu'on va trouver un nouveau kill avec cette dernière déchireuse qui viendra shutdown et récupérer le kill sur Missing. Ah, c'est dommage, le flash qui est mistimé du côté de Jumeng, il prend les dégâts de la Mega Death Rocket, ce qui ne lui permet pas de survivre du coup à l'agression de ce Gnar. On a été chercher trop loin, on a Rocket Jump In sur un Olaf qui était encore sous Ragnarok, qui s'est retourné et qui évidemment a burst down cette Tristana. On pensait avoir plus de dégâts, malheureusement ça n'a pas été le cas.
Et ça, c'est encore une fois peut-être ce manque de dégâts. Les 300 gold du kill qu'on n'a pas pu avoir sur l'action précédente. C'est ça. Ah là là là. Et on commence à s'en mordre les doigts pour les W parce que tu en parlais avec beaucoup de justesse, Tech. On est sur une composition qui a besoin de snowball, qui a besoin de passer devant. Parce que au final, Tristana, Orianna, Renekton, lorsque c'est derrière, bah ça a du mal à jouer. Autant avec Karim, ça sera toujours une engage utile. Mais derrière, si tes Karim sont dans le dur, tu n'auras personne pour poser le DPS. Là où les Sunning, bah, ils sont en retard en gold, peut-être. Mais au final, en termes de DPS, ils en auront toujours à faire valoir à partir des 3-4 items. Ouais, l'initio était bon, mais je pense qu'il fallait pas rejump. Là, du coup, il a plus le cooldown et il flash trop tard pour cette Megaless Rocket. Il prend les dégâts et ça permet à Bin d'aller chercher le kill. Ah, c'était à la frame près, hein. on a pas eu le réflexe, on essaie de voir un petit peu la position de Bin, j'imagine. Et on s'est fait surprendre, mais Wanfeng pour l'instant d'ailleurs, très juste sur ses Mega Death Rocket. Il a récupéré le dragon, il a failli récupérer le bleu tout à l'heure, maintenant il arrive à sniper Jiu Meng à l'autre bout de la carte. Le vrai sniper, ça on sent l'instinct du Jin. Ouais, là pour le coup effectivement la longue distance il connaît Wanfeng, et ça lui donne beaucoup d'avance. C'est le flic qui va se faire un petit peu attraper, le Ragnarok est forcé. On va quand même chercher pas mal de DPS du côté de Beishang qui va se faire ralentir par le smite bleu finalement, on pourra pas aller chercher plus loin. Mais on va récupérer ce second Herald. C'est important quand même pour les W de se rassurer et récupérer des objectifs de mid-game. Logiquement, on aurait été encore une fois, décidément. Il était pas si loin. Ouais, encore une fois, il est effectivement très très proche. Mais j'aime ça, cette manière d'aborder la Jinx. C'est vrai que tant qu'à avoir une présence globale, autant l'utiliser. Complètement, et les Sunning qui en abusent et qui en profitent bien évidemment, tandis que Wanfeng s'est mis très très bien avec ce mouvement au niveau du bot side, parce qu'on était en retard en ressources, on était en retard en gold, mais là on a récupéré beaucoup de plates, on a récupéré la première tour et on arrive à repasser devant en farm, ce qui n'était pas le cas depuis le début de la partie. Maintenant, attention les Sunning à ne pas se reposer sur ses lauriers. Le prochain regroupement pour le dragon qui arrive dans 30 secondes et le premier héros de la faille devrait être concédé. On reste sur une composition qui est actuellement très forte pour les WE. On a les premiers mythiques, on a une composition teamfight qui peut s'activer à tout moment. L'idéal serait de respecter et de ne pas se faire surprendre. Ouais, effectivement, il va falloir faire vraiment attention. Parce que là, c'est vrai qu'on est en train de dire que les Sunning ont réussi leur early game, ils sont pas passés trop derrière. Mais bon, pour le moment, la composition Sunning est toujours derrière, elle est moins forte en tout cas. Et celle de WE, ça marche pas forcément ces trades. Ça, c'est vraiment un bon timing là, ce Mega Gnar contre un Dominus. Juste avant le dragon, alors que la téléportation de Bridge va pas tarder à revenir. Ça annihile complètement la présence de Renekton sur le dragon. Et c'est extrêmement important que Bin ait réussi à prendre ce trade parce que du coup, on est déjà en 4v4 et on a une menace de moins pour la Jinx. C'est vrai. C'est vrai, est-ce qu'on peut temporiser un petit peu du côté WE, attendre que l'ultimate de Breeze revienne pour essayer de chercher un teamfight. Après, est-ce que ce Dominus est vraiment nécessaire? C'est vrai, il va trouver un bon combo avec un Beishang qui, on le rappelle quand même bien, ça partie actuellement avec oui. Karim. Et évidemment, on va prendre la priorité sur la mid lane. Le Herald qui devrait foncer. Jumain qui poke un petit peu sur Wanfeng. La charge et la tour qui va être forcée d'ailleurs. On va pas forcément prendre le contrôle du dragon tout de suite. Oh, l'engage, attention, missing, l'abordage. Odd qui prend beaucoup de dégâts sur cette dissonance de Shanks. On a récupéré une belle prio à la mid lane. Cependant, Bin est arrivé avec son Gnar qui n'a pas encore chargé son méga. Donc attention, on est quand même en infériorité numérique. Brief n'est pas encore arrivé. Ouais, mais vous voyez, il a la TP. Ah, il va pas y aller. Il va pas y aller en tout cas par la TP. Il y va à pied. Toujours pas de Dominus malheureusement. On a quand même forcé un petit peu la défense mid lane au niveau de la T2. Donc ça laisse de l'espace au WE. Pour essayer de sortir ce dragon, pour essayer de le récupérer. Il est important ce dragon, bien sûr. Du côté W, il faut pas laisser les Sunning accumuler des stats aussi facilement. Petite méga Death Rocket peut-être. Jumeng qui est en train de se positionner devant pour être sûr que Wanfeng ne tente pas le Larsa encore une fois. Mais ça sera une phase de jeu bien favorable au W cette fois-ci. Tour mid, on le rappelle, extrêmement important en termes de gestion de vision. Et le dragon également qui n'a pas été contesté par les Sunning. Qui ont, et je trouve, je le redis encore une fois, justement respecté ce timing fort. Il faut essayer de faire attention sur ces regroupements en 5v5 à ce stade de la partie particulièrement. Ouais, cette fois-ci du côté W aussi, on ne s'est pas précipité sur l'utilisation des ultimates. J'ai eu peur qu'ils utilisent la shockwave sur cette rel au niveau de l'espèce de simili dive au niveau de la T1 mid lane. C'est pas ce qui s'est passé et je pense qu'ils ont bien fait. Avec le Dominus en moins, si tu retires en plus la shockwave, tu perds tellement l'intérêt.
du main qui va récupérer le red buff et on se repositionne tranquillement sur la map pour les WE. On envoie cette Orianna en side, Shanks qui a sa téléportation dans le pire des cas. De l'autre côté, c'est Breve avec son Renekton qui met la pression sur la T1 et sur la T2 petit à petit avec cette wave qui a été push. Tandis qu'on a un Freeman mid, attention, qui peut être agressé justement par On et par Bin. Bin qui engage avec son jump, mais c'est trop compliqué. Ça reste tanky en Ultivus et on ne veut pas agresser outre mesure. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. On rappelle quand même que Missing, lui, il a récupéré pas mal de stuff rapidement. Le fait d'avoir récupéré ces deux kills, mine de rien, bah, c'est un Solaris qui arrive très très tôt dans le slot du côté de ce Nautilus. Et ça pourrait honnêtement avoir un impact important parce que malgré tout, actuellement, les dégâts de zone des Sunning, ils sont présents, mais ils sont pas d'importance drastique. Donc un bon Solaris, ça néglige totalement une double bombe, ça peut négliger aussi totalement une Mega Death Rocket. Et du coup, ça peut vraiment rendre une grosse partie de la composition de Sunning un peu désuète. La prochaine agression qui devrait pas arriver tout de suite pour l'instant, mon tech. Le Baron Nashor qui ne sera pas au centre des intentions pour l'instant. On a certes du DPS à faire valoir avec cette Jinx et cette Tristana, mais normalement on devrait pas être en position pour le faire trop rapidement dans cette partie. Et du coup on va probablement attendre les 3 prochaines minutes, le temps de pouvoir se repositionner autour de ce dragon des nuages. Les WE qui doivent se remettre un petit peu, qui doivent essayer de forcer peut-être les pick-up et les agressions pour pouvoir essayer de trouver des opportunités. Mais pour l'instant, jusqu'à ce timing dragon, on va chill. Ouais, pour le moment, effectivement, je pense qu'on devrait dominer, enfin, continuer la domination légère proposée par les WE, c'est-à-dire juste prendre les waves, push, forcer les Sunning à jouer de leur côté de la carte pour assurer le plus de vision possible dans le plus pur style WE pour le coup. En attendant d'avoir un peu plus de dragons des nuages. Dragons des nuages qui, j'ai l'impression, pour ces playoffs, s'invite quand même beaucoup. De manière générale, et dans toutes les régions, c'est assez vrai. J'ai l'impression de voir que ça. Ouais, c'est assez scandaleux. C'est dingue. Après, bon, évidemment, il y a Ekarine, donc du côté WE, on est très content de ce choix. Mais ouais, c'est très très étonnant, effectivement, de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de dragons des nuages. Et est-ce que la priorité autour de Ekarine ne serait pas aussi due au fait que les gens ont analysé le fait qu'il y avait beaucoup de soul du dragon des nuages? Ah, c'est possible. Ça serait quand même assez scandaleux que le Priopic soit aussi lié à ça, parce que le hasard n'est pas fait correctement. Moi je pense que le jeu a compris, depuis qu'on a vu que les T1 étaient trop forts avec le nuage, tu vois, le jeu a compris et il a dit bon, il y avait des nuages à tout le monde, sinon c'est pas juste. Oh, attention, Style of Me qui se fait contester dans la jungle, Shanks qui reprend la priorité, et justement Style of Me, attention, mais Shanks par contre, c'est lui qui s'est fait surprendre, qui s'est fait sécher par tous les joueurs des Sunning, et instantanément on prend le kill sur le jungler, et on met beaucoup de pression sur les objectifs neutres de la carte. On a le Baron Nashor qui pourrait, si ce n'est être forcé, menacer, et derrière dans 1 minute 20, on va avoir la position pour chercher peut-être ce dragon tech. Ah, j'ai pas bien compris la volonté de Bay Shanks sur cette action. Cancel un back, c'est cool, mais rester aussi longtemps face à un Olaf qui a même pas perdu suffisamment de points de vie pour que Angel soit forcé de mettre l'ultimate, on va revoir hein, cette action. Alors évidemment, il s'est fait surprendre, je pense, par le stun de la Rel. Ah, il prend double bombe. Il s'est fait full CC. Ah, il a pris full CC, effectivement. La double bombe de Angel, le gel éternel, le stun de la Rel, le zap, ça commence à faire beaucoup. Effectivement, il y avait pas de quoi réagir du côté de Baishang. Bon, en même temps, allez cancel un Olaf qui est collé à son mur alors que t'as pas de vision derrière, est-ce que c'est vraiment la... Mais est-ce qu'il le voyait vraiment, le Olaf? Est-ce qu'il y avait pas de voir dans ce buisson? Est-ce qu'il s'est pas juste fait surprendre en voulant passer et du coup il a cliqué sur le Olaf sans le vouloir? Ah, il me semblait qu'il y avait une ward, mais j'ai peut-être mal vu, c'est possible effectivement. Et qui a été justement des wards, du coup il y avait plus rien, tu vois. Je sais pas. C'est vrai, mais du coup il savait que le Olaf était là parce que la ward était... Ouais, c'est vrai. En tout cas, on revient en gold là-dessus pour les Sunning. Là où les WE avaient un petit avantage de 1k gold, 2k gold, maintenant on revient, on arrive à récupérer des pick-up. Et en termes de ressources, le seul gros problème pour les Sunning actuellement, c'est cette T1 à la mid lane. C'est-à-dire que le dragon va être difficile à négocier tant qu'on n'arrive pas à récupérer cette prio. Et Shanks, avec sa Organa, a suffisamment de mana et suffisamment de dégâts pour shove les waves indéfiniment. Et du coup, je pense que les Sunning, le meilleur moyen de gérer ce dragon, c'est justement de le concéder. Parce qu'en 5v5, on reste menacé. Mais au contraire, aller prendre de la priorité sur la T1 à la mid pour aller la chercher. Ouais, après, on commence à avoir quelques stuff quand même du côté des Sunning. Honnêtement, on a. Ouh, par contre. Il y a encore un ulti pour Bin. Normalement, on est à peu près ok. Ouais, par contre, on n'aura pas de timing de Mega Gnar sur le dragon. Ça peut être intéressant, effectivement, comme situation. Mais là, on a quand même Eviscerateur et Stropieur. On a deux items sur la Jinx. Silver Frost, évidemment, du Zilean. Commence à stacker suffisamment de ressources, je pense. Est-ce que les dégâts de la Tristana peuvent être suffisants? Ou par contre, c'est pas mal ça. Le fait de forcer le Ragnarok maintenant,
Un Ragnarok qui coûte absolument rien en termes de ressources importantes du côté WE. On est speed pour les Sunning, c'est trop compliqué d'aller chercher ce dragon. Et il faut justement récupérer ses priorités mid lane. Le flash team de missing, mais on se trouve complètement. Et Beishang qui est là cette fois-ci pour aller potentiellement chercher Angel. Angel qui a encore son flash, qui a son ultimate, mais qui se fait full CC, pulvérisé. Angel qui n'arrivera donc pas à s'échapper. Les WE qui arrivent à prendre ce pick-up à la mid lane. Oh, le grab, c'est forcé. Le flash out de Bean, belle encre proposée par Missing. C'est peut-être pas forcément fini cette action du côté de WE. C'était important pour eux de trouver les engages. Et le fait de supprimer le Zilean avant même qu'il puisse appuyer sur R, c'est juste catastrophique pour des Sonic du coup qui peuvent plus vraiment aller défendre. Alors, le Nashor, j'y crois pas trop quand même s'ils vont le tenter malgré tout. C'est pour disengage, je pense, pour justement forcer l'arrivée des Sunning, forcer un regroupement supplémentaire et trouver peut-être un kill supplémentaire. Cependant, Bean, attention à son méga gnar et ça peut être une menace. On est déjà à 7000 HP, 6000 HP autour de ce baron Nashor et l'engage de Hon. Et Bean qui est là, c'est une pulvérisation dans ce teamfight, les Sunning qui maîtrisent complètement les WE tandis que la shockwave a été temporisée. Cependant, on arrive à trouver un petit peu d'EBS, mais c'est insuffisant. Wenfeng qui prendra un kill supplémentaire, Jumeng qui est obligé de flash out, c'est quasiment un clean ace sur ce teamfight. Quel teamfight de la part des Sunning, tech. Pourquoi est-ce qu'ils se sont empalés sur ce Nashor? Évidemment qu'il y avait encore des choses à proposer, évidemment qu'il y avait encore le Mecha Gnar notamment qui pouvait être dangereux. Magnifique engage. Oh, par contre, Jumeng qui tente au maximum. Il le sait, hein, s'il arrive à avoir un reset, ça peut être intéressant. Il y a encore un outil pour Angel. Hein. Et l'arrivée de Bean, on pourra pas. On pourra aller pas contester ce Nashor, malheureusement. Personne n'aura le temps d'intervenir. Et c'est un Nashor récupéré pour les Sunning qui viennent de passer honnêtement le passage le plus difficile de la game. Oh mon dieu! Et les W qui se sont précipités. Il y avait certes cette shockwave, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas sortie au bon moment. Elle est sortie plutôt en réponse après l'engage, alors que l'équipe avait déjà été quasiment oblitérée. On va la revoir. On va revoir déjà cette tentative de pick-up à la mid lane qui, au final, est juste pour les W, parce qu'on se retrouve en supériorité numérique juste avant un timing potentiel de baron Nashor, ou en tout cas de forcer un baron pour forcer justement le teamfight. Mais là, la seule chose qu'on a négligée du côté WE, c'est qu'en termes de 5v5, bah, ils avaient claqué beaucoup de choses. On n'avait plus le Dominus, on n'avait plus la Légion des Ombres. Là, et Bean, en fait, il attend tout le temps pour avoir son méga gnar. Engage de Hon, engage de Bean. Et malheureusement, Shanks, bah, sa Shockwave, comme tu le dis, est en réponse lorsque c'est déjà trop tard. Malheureusement, il manque un petit peu de dégâts. On n'a pas le reset sur Jumeng. Si cette auto-attaque tuait Hon, peut-être que le teamfight était différent parce qu'on avait les resets derrière. On pouvait peut-être aller chercher quelque chose de plus et notamment Kite, le Olaf. Là, ça n'a pas été le cas. Oh, par contre, l'agression potentiellement. Encore une fois, c'est Angel qui semble être la cible. Angel qui aura le temps d'appuyer sur R cette fois-ci. Ça change beaucoup, beaucoup de choses. Double stopwatch. Enfin, double temporisation, on va dire. Avec Hon qui devrait finir par tomber. Mais Jumeng est dehors. Jumeng est mort, il n'y a plus de dégâts. Oh, et les reset proposé par Wellfang. Le burst est massif. Hon ne tombera même pas. Est-ce que Shanks pourrait tomber lui aussi? Sous les coups de Bean, c'est un clean ace. On a perdu personne. Et les Sonic qui vont prendre cette victoire sans grande difficulté. Alors, peut-être pas le Nexus tout de suite, mais là le gap a été complètement creusé et WE qui encore une fois s'empale sur cette composition à base de Zilean. C'est tellement étonnant de voir les WE aussi peu propres dans leur prise de fight. Alors, ils tentent les WE, mais j'ai l'impression que Hon est tellement fort en matière de re-engage. Toutes ces tempêtes magnétiques into remonture récupèrent 4 personnes et les Sunning ils vont récupérer cette game, ils vont récupérer ce Nexus dès à présent. Tech 27 minutes de jeu et les Sunning qui prennent les WE de court avec cette victoire sortie de nulle part. Grosse surprise, effectivement, cette surprise, c'est la victoire évidemment des Sunning, mais notamment cette victoire en red side. Je pense vraiment que c'est une victoire qui est importante, c'est un point qui était difficile à aller chercher. On va le prendre face à des WE qui n'ont pas forcément su capitaliser au maximum sur un avantage early game, notamment sur Beishang qui aurait dû être beaucoup plus mis en place. Complètement, et Beishang qui n'a pas réussi à trouver son snowball alors qu'il a récupéré un 2-0 très tôt dans la partie sur un bon piège sur Bean qui, malgré tout, malgré cet ultimate de Angel, était un peu arrogant sur sa TP, je trouve, parce qu'il y a quand même un niveau 6 qui était sur le Renekton. Et derrière, les Sunning qui trouvent deux teamfights miraculeux, quasiment, ouais, et qui permet de récupérer cette victoire. Bref, j'ai envie de dire presque contre toute attente, parce que moi, je pensais que la game allait durer encore 5 à 10 bonnes minutes de plus. Honnêtement, ouais, je pensais vraiment que WE, après leur petit pas de côté au niveau de semi-game, où ils auraient peut-être plus avancé, abusé de leur composition. On est passé à côté, on s'est fait surprendre et puis ce teamfight est juste absolument faramineux. Le fait que Hon ne tombe pas, il reste à 50 HP pendant je ne sais pas combien de temps. Et derrière, et bah forcément, c'est la Jinx qui peut,
qui peut taper. On va avoir plus de détails sur la suite, enfin sur ce qui s'est passé dans cette partie, sur des éléments qu'on aurait peut-être pu rater avec notre plateau d'analyse, bien sûr, hosté par Nox. Je ne sais pas si vous êtes prêts, j'ai pas le... Ah, on a une petite pause, pardon, autant pour moi. Petite pause, on se retrouve juste après sur le desk. À tout de suite. De retour après cette game très très surprenante de la part des Sunning et des WE. Je suis toujours en compagnie d'Horus, bien sûr, et je suis rejoint par Fingin. Déjà, Fingin, comment ça va? Bah écoute, ça va super bien, Nox. Je suis content d'être là avec toi, je suis content d'être là avec Horus. Ça fait longtemps qu'on se connaît et puis ça fait toujours plaisir. Ah bah, ça fait un petit pincement. Plaisir au cœur, partagé. Je crois que depuis le début de l'année, c'est la première fois qu'on se voit sur le dans desk. Dans les studios, ouais. Ici, c'est la première fois. C'est la première fois. Donc voilà, bon, en tout cas, on va prendre le temps de débriefer un petit peu cette game un peu inattendue. Déjà, on va commencer par la draft. La Lilia qui a été totalement ignorée dans la draft. Est-ce que c'est surprenant selon vous ou est-ce que vous vous y attendez, Horus? Bah, on est Blue Side côté WE, il y a Karim Kefri, on le prend, jusque là tout est logique, et ensuite on a attendu de savoir un petit peu la composition qu'on avait WE pour aller chercher potentiellement ce pick d'Olaf qui au final a été la pick côté Style of Me. Au final il a fait un bon travail avec son Olaf, donc bon choix. Tout à fait. T'as envie de t'exprimer là-dessus, Fingin, peut-être? Bah, en fait, Lilia qui pourrait être un priopic à partir du moment où Ekarim est ban. Mais là, face à Ekarim, c'est difficile de le sortir. Ouais. Sachant qu'au final, la composition des Stunning, c'est bien articulé autour de ce Zilean. Et Zilean-Olaf, c'est un combo qui marche très très bien parce que tu peux dive très loin avec l'ultimate de Zilean et t'es assez tranquille comme ça. C'est vrai que j'allais revenir sur le pick Zilean, mais je pense que t'as parfaitement résumé la raison de sa présence ici. C'est pas la première fois que Angel le sortait. Il avait déjà fait une très bonne game dessus. Donc, pas trop surprise, oui, parce que bah, c'est pas un pick qu'on a l'habitude de voir, mais venant d'Angel, c'était très très bien joué. Une autre chose, une énorme prio sur la Jinx qui a été faite, alors qu'elle n'a pas forcément de Alistar ou de Tahm Kench pour l'accompagner. On pouvait avoir peur en voyant cette draft là, Jinx si prio si tôt avec si peu d'accompagnants. Au final, ça s'est très très bien passé pour avec cette rel, notamment One Fang en fait, qui est inattrapable, qui se positionne très très bien. Ouais, bah il a été très très bien positionné à chaque team fight, notamment les derniers où il arrive à trouver des dégâts absolument colossaux. Et On sur rel qui a été trop fort en fait. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que la Jinx, il y avait pas de Thresh, pas de Tahm Kench pour la sécuriser. Cependant, on a un On qui fait un travail juste incroyable sur les deux team fights qui permettent à Sunning de revenir dans la partie, et c'est grâce à ça que Jinx n'est jamais mise en danger, parce qu'au final t'as quand même plein de menaces, c'est-à-dire que t'as Renekton, t'as Ekarim, t'as également Orianna, Nautilus qui peuvent toutes la mettre en danger, et derrière bah au final ce qui se passe c'est que t'as On qui est là et qui fait vous approchez pas. Tout à fait. On va d'ailleurs revenir sur ces mouches. Je vais juste reprendre mes notes, pardon. La partie qui démarre plutôt très bien pour WE avec cette espèce de double kill sur Bin deux fois de suite sur la top lane. À partir de là, bah, Bin il est un peu dans le fond, mais bon, après c'est un Gnar. Il n'y a pas trop de risques. On va pouvoir envoyer le clip parce qu'il est vraiment très très cool. En plus de ça, sur ce timing-là, malgré les morts de Bin, on récupère un premier dragon pour Sunning. On revoit le move, le gank qui est très très bien trouvé de Baisheng. On attendait du dynamisme de sa part. Le premier kill du coup qui est récupéré sur le Ekarim, le dragon qui est fait en contrepartie, on va le voir, voilà, par les Sunning, c'est déjà, on va dire, ok comme trade, dans le sens où c'est un Gnar et qu'il finira par trouver son utilité. Et là, l'ATP de Bin qui revient avec l'ulti de Zilean au cas où il se ferait trade, puisqu'on le voit, il est attendu, mais on est très sans froid, en fait, du côté de Baisheng, on attend que l'ulti tombe, et là, on retourne le chercher. C'est exactement ce qu'on attendait de Baisheng, c'est ce qu'on avait évoqué pendant le pré-show. Juste quand on voit ça, on se dit ben ça déroule bien pour WE. Ouais, c'est très bien de mettre le Gnar au fond, le Renekton qui pourra s'exprimer un peu plus facilement dans un matchup qui est pas forcément évident pour lui. Sauf que derrière, bah on se fait complètement hold up le premier Herald avec Style of Me qui se balade complètement dans la rivière alors qu'il a pas de prio au top, que au mid Shanks commence à reprendre sa prio. Il arrive tranquillement dans la rivière, hop, on va chercher le Herald et on s'en va. Tu parles de hold up de ce Herald, mais on peut aussi parler du hold up du Drake. Avec le snipe de la Jinx et le steal, on a récupéré, on peut envoyer le move aussi. C'est plutôt pas très bien joué de la part de WE de pas zoner correctement en sachant que l'ulti Jinx est présent. Fingin, peut-être. Il y a beaucoup de petites choses à ajuster pour les WE parce que d'une part, bah, effectivement, on se fait hold up deux objectifs majeurs qui ralentissent le snowball et le héros de la fight, je pense qu'il est vraiment très très clutch à ce moment-là de la partie. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que de manière générale, ça a été symptomatique des WE sur cette partie, c'est-à-dire qu'on se fait avoir parce qu'on est trop timide et parce qu'on n'ose pas. Alors qu'on a une composition qui est très forte, qui est censée snowball, qui est censée engage, et on a
et Karim en 2-0. S'il vous plaît, genre, c'est censé pulvériser n'importe qui. On est censé atteindre. En fait, on attendait l'agression de leur part et tu le justifies, enfin, tu le soulignes très très bien. Le Karim qui est censé détruire cette Jinx qui n'a pas de mobilité. On va pouvoir envoyer les deux moves à suivre. C'est l'agression bot side qui est trouvée. Une nouvelle fois, c'est une erreur de Jumeng plutôt qui jump in sur un Olaf avec Ragnarok. Donc forcément, là, le Rocket Jump, forcément, on se retourne, le Conqueror qui proc, l'ATP, et c'est compliqué après de se sortir de ça. En plus de ça, le flash qui est mal tamé pour Jumeng, on tombe directement, la décale de Bin qui fait le travail ici. Ça commence à souffrir du côté de W à ce stade-là. On enchaîne beaucoup d'erreurs, en fait. Ouais, surtout que ça leur donne de l'air sur ce timing où ils étaient un petit peu dominés dans les escarmouches. Et ça redonne aussi de l'utilité à Bin qui était passé un petit peu derrière sur le début, on l'avait vu. Et le fait qu'il trouve cette téléportation qui permet de redonner un petit peu d'espace à sa botlane, ça leur permet ensuite d'être un peu plus tranquille dans la transition mid-late game. Et c'était vraiment bien joué de sa part. En parlant de transition mid-late game, on va y arriver directement avec les deux derniers moves. On va pouvoir envoyer les deux à la suite. L'agression qu'on attendait, elle va finalement venir de Sunning. On se précipite sur Sunasher Team W. Je pense qu'on sait qu'on est en train de se faire recoller en termes de gold, en train de se faire dépasser par les Sunning. On se précipite et du coup, à nouveau, on n'arrive pas. Et là, On qui fait un travail monstrueux sur cet engage. On avait souligné le fait que son potentiel manque d'XP face à Missing, qui est plutôt un très gros support de la ligue, pouvait créer la différence. Mais il nous a démontré dans cette game 1 que finalement, pas du tout. Ouais, le pick de Rell est cohérent tout de même avec la Jinx. Tu ramènes tout le monde dans ton air et derrière t'as les crits de zone. Et là, le dernier teamfight où regardez Wen Feng encore une fois, il est sur la droite, il est pas inquiété, il met ses pyromasheurs. Il va réussir à trouver une méga death rocket. Et regardez On encore une fois dans la mêlée, il rapproche tout le monde. Tu mets tes crits de zone avec la Jinx et tu balayes complètement le fight. Mais surtout, ce move il part de Baishan qui trouve un catch pas forcément intéressant sur Style of Me, je crois. Alors, c'est toujours intéressant de prendre un smite, mais est-ce que Baishan, on l'a vu sur la dernière semaine, il n'était pas tout à fait solide sur les appuis sur la dernière semaine de LPL. Est-ce que, visiblement, c'est la continuité de ça pour vous? Il y a plusieurs choses à dire. Je pense qu'il y a effectivement un petit peu de manque de justesse pour Baishan, mais j'ai vraiment l'impression que tous les WE n'ont pas osé aller de l'avant. Donc, t'as un Hecarim qui a de l'avance, mais malgré tout, t'as un Renekton qui peut trouver ses flancs qu'on n'a jamais essayé d'en faire. Et les Shockwaves de Shanks n'ont pas été en initiation. Elles ont toujours été en réponse d'engage. Et au final, du coup, t'as toute une composition WE qui ne s'exprime pas en teamfight parce qu'on n'ose pas trouver un teamfight. En fait, Baishan, je pense que c'est un pilier très important de la compo Team W. Il y a beaucoup de choses qui circulent autour de lui, c'est pas pour rien qu'il a pris autant de MVP sur la saison régulière, et je pense sincèrement que ce pilier là qui a tendance à s'écrouler un petit peu, c'est un petit peu laborieux pour suivre le reste le reste de la team, tout simplement. Shanks, on l'a dit, c'est un rookie, ça va être difficile pour vous, et ce sera ma dernière question parce qu'après on va rendre l'antenne très rapidement. La game 2, vous attendez quoi? Très très succinct. Victor Sunning pour moi, sans aucun doute. Si les WE ne se réveillent pas, ce sera effectivement une deuxième victoire Sunning. Ok, très bien. Bon, pas eu beaucoup d'optimisme pour ce tour de mission. C'est ça, ils ont leur compo type et ils n'arrivent pas à faire snowball, donc c'est compliqué derrière. Je suis entièrement d'accord avec vous. Une game visiblement peut-être un petit peu plus one-sided que ce qu'on attendait sur ce BO. On va voir ça. Tout de suite, on vous laisse pour 3 petites minutes de pause et on revient pour la game 2, tout simplement. De retour du coup pour la deuxième game de ce BOWU qui trébuche dès le début face à Sunning. J'avoue que c'est pas du tout le scénario auquel je m'attendais. Honnêtement, je m'attendais à victoire WE game 1, victoire Sunning game 2 et ensuite WE qui remporte à nouveau son blue side. Puis tu as peur pour tes pronos. Mais oui, mais là ils ont ruiné ma domination et là vraiment non mais c'est pas grave, ils vont mettre 3-1 quand même. Ouais, je suis curieux de voir la réaction des WE parce que c'est vrai que on les a vus sur une composition assez classique de leur part, quelque chose qu'ils maîtrisent tous assez bien. Et finalement, ils n'arrivent pas à snowball dessus. Ils se font sortir de leur zone de confort par les Sunning qui ont été très bons dans les fights. On n'arrive pas à attraper la Jinx alors qu'on a quand même un Hecarim qui n'arrive pas forcément à trouver l'opportunité. On a pareil le Nautilus qui peut de toute manière aller placer une grenade ASM pour donner un petit peu d'espace sur cette Jinx. Mais
On a toujours été trop bien positionné. On a trop trop bien joué avec Sarel. Il contrôlait vraiment toute l'équipe des W. Et derrière, on enchaîne. Et j'ai peur que si on sorte pas un petit peu de cette zone de confort finalement pour W, bah ça risque de couper court de leur côté. Ouais, après je pense qu'il y a quand même eu des misplays aussi du côté de W. Je pense que même en restant cette zone de confort, ils peuvent quand même améliorer la formule. Le fait d'aller chercher, on a deux suicides de Baishang qui sont quand même très surprenants. Ça, c'est sûr. Deux fois sur le Olaf, enfin Olaf qui a juste appuyé sur R et à son aller. Alors évidemment, On va prendre son MVP. C'est vraiment parce que c'est pas forcément le joueur que je mettais le plus en avant dans la composition des Sunning. Et là, il me fait clairement mentir. Cette engage est merveilleuse avec le Mega Gnar qui était mis en place. C'est un mauvais call de la part des W à la base. Et malheureusement pour Jumeng, et il manque un petit peu de dégâts sur On malgré le crit. Ça permet pas d'aller chercher les resets. Et ensuite évidemment ce dernier engage encore une fois, c'est Baishang. Alors pour le coup il va chercher Angel, mais cette fois-ci on a le temps de mettre le R, ça change tout par rapport au pick-up précédent. Ouais. Et ensuite On qui reste en vie. Ah, One Fang aussi, enfin jamais inquiété One Fang dans ces deux derniers fights, et c'est ce qui permet au Sunning d'aller grappiller ces deux fights et de reprendre le lead. On MVP complètement mérité, et ça va le mettre en confiance lui et son AD carry pour la suite de ce BO. Si on a un On qui est en confiance sur Rell et puis sur les picks à engage globalement, ça promet du très très lourd, parce que après il faudra juste que Angel et Bean arrivent à trouver des picks également et des positionnements un peu plus fort pour vraiment aller snowball tout ça. On est rentré dans la deuxième draft de ce BO5 entre les Sunning et les WE. Pas de changement de side tech sur cette game 2. Ouais, et du côté de WE, on s'est dit bon les gars, ça va pas marcher, on fait quoi? On va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire les mêmes bans histoire d'aller déranger les mêmes picks qui n'ont pas dérangé finalement Sunning. Et du coup la réponse oui, forcément. T'as rien besoin de changer. J'ai déjà vu cette Attends. Mais cette fois-ci la Kai'Sa Oriana du coup. Peut-être. Oh mais alors mais quel visionnaire. Gnar, mais c'est la même chose. Non mais là ils vont quand même pas ban Tristana. Alors c'était Alistar en dernier ban côté Sunning. Ils avaient ban Kai'Sa Alistar. Mais bon voilà, cette fois la Kai'Sa est déjà ban. D'ailleurs cette Kai'Sa qui a pas été récupérée par WE plus tôt dans la draft notamment. À la place du Renekton, honnêtement, est-ce que t'as vraiment besoin de la priorité sur Renekton maintenant? Non, mais moi, je pense pas qu'aller sécuriser les soleils aussitôt, c'est bonne chose. Tu vas aller contester cette rail, forcément, j'allais dire, tu veux jouer à l'Istar dans rail, sauf que t'es déjà rendu à la deuxième phase de ban, donc tu te fais ban à l'Istar. Donc on reverra probablement autre chose. Ah, petite modification, nous n'aurons pas un gel sur Zilean, très bien. Voilà, c'est un ban forcé côté W qui a dérangé, clairement, bon. Angel, il a d'autres choses de toute manière. Kassadin, il est en red side, on le rappelle. Il a son Azir, il a pas mal de choses. Azir d'ailleurs contre Orianna, c'est très bon, donc on devrait voir potentiellement ce ban de Azir. Ouais, ça pourrait. Est-ce qu'on va ban la Tristana qui a quand même fait un petit peu peur en début de partie, même si l'Exhaust évidemment a bien coupé l'arbre sous le pied de Jumeng, j'ai eu l'impression. Alors ce sera le Aphelios. C'est vrai qu'Aphelios il a pas été ban du coup en première rotation et qui sera retiré ce coup-ci. Pour le coup, Aphelios qui a un matchup assez intéressant contre Jinx. D'avoir autant de portée que le Calibrum dès le début de la partie. Récompenser un petit peu les roquettes. Et le TF de ban finalement du côté WE. Séraphine Olaf. Olaf Séraphine. Tout dans ce sens là. Ah, dans l'autre sens, pardon. Et bien du coup, Séraphine qui va être sécurisée. Pas mal du tout du côté des Sunning. Et Angel vraiment très très dur à focus en termes de, est-ce qu'il de champion de pool, il peut tout jouer ce joueur. Il considère vraiment que la seule faiblesse, la seule chose qui les a dérangés sur la game précédente, c'est le Zilean. Le fait de ne pas avoir récupéré la Kai'Sa, ça leur a pas posé problème. Ils vont retourner sur Tristana Nautilus du coup. Enfin, Nautilus a trouvé des engages intéressantes hein, pour le coup, mais il n'y a pas grand chose à se reprocher. La même composition. À 100% côté WE. Du côté WE, on change pas d'équipe quand elle gagne, même quand elle perd. C'est ce que je veux dire, c'est... 3 secondes pour ce Nautilus, on continue de réfléchir et ce sera finalement Locke. Bon, le Olaf a l'air d'être pressenti quand même côté Sning avec une Séraphine. Oh, petite originalité avec Kiana peut-être. Je vois pas le pourquoi. Moi non plus. Non, mais Olaf est très bien. Olaf, Style of Me. Dire, allez, si tu veux vraiment. Mais bon, Olaf, je pensais. Style of Me est très bon sur le champion. Et il n'y a pas de raison d'aller chercher autre chose là dans cette draft. Du coup, il n'y aura que Séraphine qui aura changé, qui se place à la place de Zilean. L'ancienne génération part, la nouvelle arrive. Bon,
Alors, je propose que dans cette partie, il y a un petit trade niveau entre Blaze et Bean sur la top lane. Les deux junglers qui vont full clear une première fois. Ensuite, Baishang va pouvoir récupérer de la vision top lane, trouver un gank. Et si jamais Bean fait l'erreur de re-TP, il pourrait remourir à nouveau. Oui, faudra faire attention au hold-up des héros de la faille et des Drake côté WE voilà, dans cette game. Méfiez-vous des il y a toujours la Meganess Rocket hein, sur Wenfeng. On a vu qu'il aimait bien l'utiliser bien en cross-map. Hein, pour, on sait jamais sur les dégâts de zone, aller subtiliser des objectifs. Les coachs qui se saluent. Et on va pouvoir bientôt partir dans cette deuxième game. Alors, est-ce qu'ils vont jouer différemment? Est-ce qu'ils s'attendent un petit peu plus peut-être les W à la manière de jouer des Sunning sur cette deuxième partie? Et du coup, ils vont réussir à trouver un peu plus de catch sur ce Wenfeng qui a vraiment posé problème dans les fights. Ouais, je pense que si on arrive à remettre Baishang en situation favorable, ça peut être intéressant. Il faut juste récupérer vraiment tôt le contrôle des objectifs. Je pense que le fait d'avoir perdu le timing sur les dragons avec ce premier style à la Death Rocket, ça leur a un petit peu cassé le rythme, j'ai l'impression. Éviter peut-être aussi de trouver les engages sur le Olaf. Cette fois-ci, l'objectif, ça va être d'aller chercher la Séraphine. Alors, malheureusement, Séraphine, c'est un peu plus compliqué à aller on va dire one shot avant qu'elle puisse faire quelque chose comparé à un Zilean. On va voir, en tout cas, je pense que Sylophy va encore une fois pouvoir briller avec le Olaf. Ça va être sympa de voir le bis de Angel, donc son ultimate, être envoyé sur Olaf qui court devant et qui va charmer tout le monde. Ouais. Parce que ça rebondit sur les alliés et les ennemis, on le rappelle. Et du coup, nous, on va pouvoir partir dans cette deuxième game de ce BO5 entre Sunning et WE. Une place contre Top eSport à suivre. Et on arrive directement dans la game. Pour l'instant, cover classique, Tech. Pas à deux niveaux en particulier. Ouais, ils sont chauds. On laisse les fans évidemment s'exprimer. Ils ont envie de voir leurs équipes performer. Bon, WE du coup qui va récupérer ce blue side à nouveau, mais qui ne va pas prioriser la Kai'Sa à nouveau. On va repartir sur, bon, du coup, les mêmes summoners hein, sur la bot lane. Pas de grosses surprises à ce niveau. La seule grosse différence effectivement, c'est que sans Zilean, tu peux un peu moins facilement absorber l'engage. Et encore hein, parce que c'est rapide mine de rien hein. Met des shields hein. Ça met des shields, ça met des airs. On va voir comment Salopi va pouvoir en profiter. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de trade agressif au niveau du niveau 1 sur la top lane. Bin qui a appris de ses erreurs, qui va reculer. Une bonne première ward là, top side côté WE. Salopi qui va commencer sans aide. Donc, on n'a pas forcément l'information à 100%, mais bon, avec la ward qui avait positionné intelligemment, on aura quelques infos plus tard. Bref, premier trade contre Bin. Il veut mener l'agression. Bref, parce qu'il sait qu'il n'a pas l'avantage dans ce match-up mêlé contre range. Ouais, il est bien ce trade, honnêtement. Il sait qu'il va pouvoir sustain tranquillement avec le Q-spell. Vous connaissez hein, ce genre de situation. C'est juste la même chose. Ils vont perdre le push au niveau 2. Ils vont devoir le respecter, malheureusement. Ok, cette fois-ci, Missing a trade un petit peu moins agressivement. Ouh, elle était bien sentie, honnêtement. Ça aurait pu vous donner quelque chose d'intéressant. Mais bon, on va utiliser la bombe. Du coup, pas de timing sur le niveau 2. Il va falloir respecter et On en a bien conscience, il va s'avancer. On revient vraiment sur les mêmes schémas que la game précédente. Il est vu, hein. Style of Me au niveau de ses Raptors actuellement. On a complètement l'information sur son passing, là où Baishang arrive sur son top side. Il y aura du coup un carapateur de part et d'autre, bot pour Sunning, top pour les WE. Et peut-être déjà un premier dive qui se profile hein, sur la top lane, on l'avait vu précédemment. On pourrait le revoir dans cette game. Et agression au niveau du top, Mibin arrive à très bien se repositionner. Ah, il a forcé le hop, c'est pas mal. C'est quand même un gros cooldown mine de rien. On aura le Slice and Dice qui devrait revenir. L'objectif là pour Blaze évidemment, c'est de stacker une grosse vague de sbires. Histoire de forcer le Gnar sous tour. Oh, l'agression est pas mal par contre cette fois-ci. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose de plus peut-être sur... Oh non. On aura l'occasion de repartir et les chompeurs surtout, hein, ils vont prévenir le jumping de Jumeng. A noter que les chompeurs, un petit peu comme la cage de Veigar, attrapent les jumps et t'empêchent de les traverser. Et un carapateur de part et d'autre, on en parlait pendant qu'on voit Angel hein, faire son premier back au niveau de la mid lane. On va voir avec quoi il va revenir, en tout cas potion rechargeable saut noir. On va sur la tierce du côté de Angel sur sa Séraphine. Petit gang top. On connaît ça. On connaît, par contre c'est un timing malheureusement de Mega Gnar. Est-ce qu'on peut trouver le stun? Ouais, ça va être mis. Tu vas temporiser un petit peu sur le E. Il temporise énormément, le double E qui est passé. Mais est-ce que ça va suffire? Le Mega Gnar peut-être pour temporiser? Est-ce qu'on peut aller chercher plus loin? Il a son du côté de Baishang, non.
Il a encore son flash, il joue très très bien avec les limites, Bin. Et il sauve cette fois-ci son summoner. Et la wave n'est pas encore sous sa tour, si elle va, elle va arriver. Mais là, il peut se permettre de téléporter, puisque Olaf, pas très loin, pour éviter de perdre un maximum de farm. Et c'est Elfmi qui arrive sur ce topside. Cette fois-ci, ça pourrait complètement se retourner sur Bress. Les W ont vraiment fait le même plan de jeu. C'est la même chose. Sauf que cette fois-ci, Bin s'est pas fait outplay. Il a réussi à mieux gérer et Breeze devrait tomber. A priori, il a encore un dash potentiellement. Il prend même le coup de tour. Ah, il va ouais. tomber là-dessus. First Blood pour ce Gnar. Pendant qu'au niveau de la mid lane, tout se passe pour l'instant sereinement. Pas davantage pris pour l'un ou pour l'autre des deux mid laners. Et premier dragon, tech dans 20 secondes, c'est un dragon des océans. Bon, alors l'avantage entre guillemets du côté WE, c'est que cette fois-ci l'Olaf a passé du temps au niveau du top side de carte. Alors oui, ça a prévenu un petit peu la prise d'avantage de Breeze au niveau de cette top lane. Par contre, ça peut peut-être libérer de l'espace pour aller mettre de la pression sur la bot lane. Mais Angel a totalement conscience de ce risque et il a fait son petit roaming sur un timing particulièrement intéressant. C'était un dive potentiel proposé par Baishang. Finalement, on n'ira pas jusqu'au bout et ça va protéger Wanfeng qui arrive dans cette espèce de temps creux de la losing, c'est-à-dire le moment où tu peux plus vraiment simplement abuser de ta range contre la Tristana. Tu sais très bien qu'elle va te DPS et ça va être vrai jusqu'au niveau 8-9, jusqu'au premier item, on va dire. Bref, au top qui va récupérer la wave. On a vu Shanks TP également au niveau de la mid lane, donc on a une prio au mid à jouer du côté des WE. Avec ce premier dragon qui est là, ça pourrait ouvrir des choses, mais Baisheng est de l'autre côté de la map. Attention à l'agression du côté de Missing. Quelques dégâts qui sont positionnés sur Angla. Fatigue qui est mise également sur Missing pendant que Style of Me arrive et se montre au niveau de cette bot lane. On va pouvoir reprendre normalement la prio. Style of Me n'est pas vu. Il va regank directement le lien de Hon qui est positionné. On fait encore une fois fuir les W qui turn là-dessus. Style of Me qui prend beaucoup de dégâts. Le flash in de Missing. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout pour Jumeng? Absolument pas. Et on va pouvoir se... replié du côté de Style of Me, ça coûtera les deux summoners de Missing. Je suis pas ultra fan d'avoir choisi l'exhaust sur Missing. Même si là Jumeng a été beaucoup plus conservateur sur son rocket jump, il avait le reset, il avait réussi à faire exploser la bombe au niveau max, mais cette fois-ci il a pas voulu aller s'empaler sur un Ola. Ça s'est mal passé sur la game précédente. J'ai vraiment l'impression que la game 1 c'était une répétition, tu vois, et là ils refont pareil et chacun ajuste un petit peu. Tu vois, Bin il gère mieux son gang top lane, du côté WE on fait moins de petites erreurs, on s'est pas volé ce premier dragon notamment, on le récupère même d'ailleurs ce premier dragon, c'est parce vrai. Que sur la game 1 c'était le double gang top qui avait permis de le libérer au niveau des sunning. Il y a vraiment pas mal de petites... c'est marrant de voir les... c'est presque... intéressant du coup de voir que c'est deux games aussi proches, aussi similaires, parce que du coup tu vois tous les petits ajustements que les deux équipes mettent en place. Totalement d'accord. Avec ce seul pic hein, qui a été modifié dans la game, qui est le pic de Seraphine Mid pour Angel, qui tient bien en termes de farm. Les lucidités sont récupérées, un petit peu plus d'accélération de compétences. Et Shang lui qui est sur son bot side, ça devrait transi. Tranquillement au niveau du top, hein. Dans 50 secondes il y aura le premier héros de la faille. Le premier dans la game précédente avait été subtilisé au plus grand des calmes par Style of Me. On va voir un petit peu comment dans cette game ça va se profiler. En tout cas on a la priorité au niveau de la bot lane pour WE. Ce serait intéressant de voir d'ailleurs Missing back sur ce timing potentiellement pour aller directement aller sur son top side pour soutenir son équipe. Je sais pas si c'est aussi facile que ça du côté WE de contrôler ce Herald. Maintenant, on n'a plus l'avantage de Breeze qu'il avait sur la game précédente, mais la Seraphine a peut-être un peu moins d'impact niveau 6 qu'un Zilean. En tout cas, la double bombe qui applique quand même beaucoup de dégâts, notamment sur le contrôle de wave. C'est peut-être un peu plus compliqué pour Angel de contrôler le push proposé par Chunks. Alors ça push très bien Seraphine, mais c'est vrai que Zilean, t'es tellement safe pour contester la prio. En tout cas, pour ce Herald, Style of Me et bot side. Et regardez Missing, hein. Il est au niveau de la mid lane comme on en parlait. Le héros de la faille qui est engagé hein, par Baisheng qui va supprimer la vision dans le pit de ce héros de la faille. Ça Missing fou, hein. Et Shanks qui passe au niveau de la rivière sans problème. Cette fois-ci, on ne laissera rien au hasard. Le fait que cette fois-ci, Missing prenne le temps d'aller chercher un trade et un roaming sur le protéger cette prise de Herald. Par contre, on va se croiser. Style of Me qui est là, un petit peu de poke sur Missing, pas de défense cette pink. Malheureusement, la Tristana est trop loin pour venir épauler son support. Mais voilà, ce premier Herald qui est récupéré. Donc,
Maintenant, la question se pose, est-ce qu'on met ce Herald sur la top lane pour essayer de remettre Breeze dans une situation favorable face à Bin, ou est-ce qu'on se dit que tant qu'à faire, ce serait quand même pas mal le cancel trouvé par Juming. Engage de on. Globalement, je pense que tu veux quand même mettre tes ressources sur Wanfeng. C'est un... Sur Juming, ouais. Ah, du côté W, oui, sur Juming, la Tristana. Donc c'est ce qui devrait être fait, je pense. Le Renekton... Est-ce que tu veux vraiment le voir prendre de l'avance sur un Gnar? Il ne pourra pas réellement trop le mettre au fond et il trouvera quand même son utilité dans les phases de regroupement. Là où Jumeng, s'il a plus de ressources, soutenu en plus par un Nautilus et une Orianna, ça pourrait faire une grosse différence. Ouais, moi, je trouve que le jeu bot side. Ça se défend de mettre un petit peu d'argent tôt dans la partie sur un Renekton qui est quand même un pic qui a beaucoup d'impact en mid-game et on va chercher le mid-game de manière générale. Des WE. Après, je te rejoins évidemment sur le grand plan d'action des WE. Le plus d'argent on a sur Jumeng, le mieux c'est. Pour le moment, d'ailleurs, on joue assez. Tout du côté du bot side, du côté de Beishang. Avec le Herald disponible, le dive me semble un peu présomptueux. Il est vu, Beishang. Il va pouvoir reprendre la pink. Tale of Me est en train de commencer son back. Et cette fois-ci, on va mettre une pink agressive hein, du côté de Beishang. On veut supprimer la vision. Une autre ward posée par On, décidément. Et on va aller récupérer tout de même la pink hein, du côté de Wanfeng. Beishang toujours très avancé. Mais on avance la ligne de vision et de contrôle du côté des W. On veut aller récupérer des ressources pour Jumeng avec une première plaque. On qui s'avance tout de même. On essaye de faire peur, mais Jumeng reste globalement assez calme sous la tourelle. Alors, on avait l'information, le décalage de Angel. Peut-être que le Olaf doit pas être très très loin. Même si on ne l'a pas vu arriver, on s'est montré prudent du côté des WE. C'est peut-être pas plus mal. Maintenant, on va avoir une game qui va être un petit peu plus... un peu plus stack, peut-être, honnêtement, que la game précédente. En tout cas, que ce qu'on aurait pu espérer de la game précédente. Avec des WE qui prennent beaucoup moins d'avance, qui sont même derrière au gold. Actuellement, à cause de ce First Blood récupéré sur la top lane. Après, ils ont récupéré le premier Drake, ils peuvent essayer de jouer très en contrôle avec faire en sorte que Shanks fasse ce qu'il sait faire de mieux, contrôler sa mid lane pour jouer autour des Drake. Honnêtement, ils ont Drake, ils ont le premier Herald. Ouais, c'est très bien ce qu'ils font. Une commission mid game, c'est-à-dire que le second Drake, ils pourraient le chercher honnêtement, avec un petit Herald récupéré sur la mid lane par exemple pour prendre la priorité. Même si là pour le moment ils sont un petit peu en retard, j'ai l'impression en termes de timing. Breeze va arriver à pied, on va reprendre le push sur la mid lane, ça a forcé quand même les. Les Sunning à revenir, il y a quand même des plaques à défendre, on veut pas laisser tout cet argent. Ouais, et du coup c'est engagé hein, par Beishang ce second dragon élémentaire. Ceci, avec Missing contre... qui avance énormément au niveau de la vision. On a toute l'information nécessaire et ce sera un Drake sécurisé par les WE. À moins que Style of Me arrive à trouver un angle, c'est très compliqué. Ah, il tout va de le même. Retenter, il va le retenter, mais Jumeng cette fois-ci il a compris la mécanique. Et il se mettra devant du coup. Ouais, on parlait de ces petits ajustements, ça en fait partie, mine de rien, ouais. dans cette game. Cette fois-ci, on avait le Dominus disponible, on avait l'ultimate de Jumeng aussi. Il y avait beaucoup plus de ressources du côté WE, et donc ça fait deuxième dragon. Ils jouent cette game un peu plus proprement, honnêtement, les WE. Alors, moins d'initiatives à leur avantage, ils vont moins tenter de choses, à part ce premier gank au niveau de la top lane qui finalement n'a pas forcément tourné en leur faveur. Mais en dehors de ça, on reste vraiment beaucoup plus conservateur. J'ai vraiment l'impression que cet exos sur On neutralise totalement les volontés d'agression de Jumeng et ce Herald finalement qui n'aura pas été utilisé sur la mid lane et du coup il sera là pour donner les dernières plaques. Il est très bien timé. Ouais. Il est très très bien timé parce qu'on peut aller chercher les derniers points de vie sur cette troisième plaque avant la charge et du coup arriver à prendre la première tourelle sur le timing back de la bot lane des Sunning juste après le second dragon élémentaire. Pour l'instant les WE sont très très rigoureux dans leur approche et c'est normal, hein, ils se font dominer 1-0 dans ce BO5 et une bot veulent pas se trouer sur des moves un petit peu précipités et derrière avoir et offrir 3 balles de match au Sunning, ce serait beaucoup de pression pour rien dans ce BO, là où ouais. Ils peuvent juste jouer sur du contrôle finalement. On rappelle qu'ils ont un 3-1 à défendre hein, bien sûr hein, pour le Sudécaster, c'est important. Mais moi j'aimerais bien qu'ils prennent une map parce que j'ai mis 3-1 Sunning, tu vois. Ah ouais, ouais. Ils vont en prendre une, c'est sûr. Parce que je pense qu'ils en prendront même 3, mais mais c'est sûr que c'est un peu moins évident qu'on aurait pu espérer au début du BO, en tout cas pour le moment. On a récupéré un petit peu de ressources, le fait d'avoir donné des plaques à Jumeng, on est plutôt en place, 30 secondes avant la fin des plaques, est-ce qu'on peut trouver une autre phase de push potentiellement? Non, j'ai pas l'impression que quiconque soit en position pour le faire.
Et on a un roaming intéressant avec Chunks qui va récupérer la wave bot. Ça veut dire qu'on veut mettre la mid lane entre les mains de la bot lane. Peut-être une agression sur Angel, mais ici, un petit flash. Il a son flash, son heal. On a un bis également de disponible pour Angel, son ultimate. Ça va maintenant jouer autour de la primite, forcément, puisque dans pas très longtemps, quelques secondes, il y aura le second héros de la faille. Et pour l'instant, les W sont toujours en contrôle. Une tour à 0, deux Drake à 0, un Herald à 0. On veut continuer sur cette lancée. Par contre, attention, Wanfeng a fait une excellente game sur Jinx précédemment, accompagné encore une fois par une Rell. On a été magistral dans la game numéro 1. Et on aura une Séraphine pour couvrir un petit peu tout ça, surtout qu'on a le timing Moonstone et Kraken du côté des carry des Sunning. Donc il faut se méfier tout de même pour W. Ouais, il est bon là le timing Sunning. Honnêtement, on n'a pas encore de premier item récupéré sur l'Ariana de Shanks. Un petit peu derrière d'ailleurs, c'est un peu surprenant. Honnêtement, est-ce qu'il a un bac de retard? Pas certain. Et ce Herald où il va être beaucoup plus compliqué à contrôler pour les WE. Sans la présence de Shanks, malgré le fait qu'il ait une téléportation quand même pour rejoindre son équipe s'il le souhaite. Faut qu'il back, je pense, Shanks. Il n'y a plus beaucoup de mana. Il doit avoir de quoi aller chercher son Luden. Il va pas faire son back, on va essayer de subtiliser ce Herald sans contestation de la part des Sunning qui veulent vraiment totalement respecter le timing W, évidemment qui est un timing très très bon pour eux. Et second héros, effectivement pour WE, on va le jouer rapidement au niveau de la top lane j'ai l'impression. À moins qu'on ne bénéficie que de la prio prise par Bress, Bin. Le Mega Gunnar qui a fade, on essaie de défendre tant bien que mal. Lilian qui est dans les parages Tale of Mille, une téléportation également. C'est Angel qui va arriver avec sa Séraphine. Est-ce qu'on peut aller placer du contrôle? Le bis qui ne va pas toucher, par contre ça forcera énormément de summoners du côté de CW. Plus de flash pour Brest, plus de flash pour Jumeng. Par contre, Wanfeng est laissé tout seul, il va flash out également. On ne prendra pas de risque pour la décarry des Sunning. Ah, il a raison, très bon jumper aussi, ça a empêché Missy d'aller connecter une angle potentielle après. L'ultimate, ça aurait été pas mal hein, ce catch, mais c'est vraiment un joueur qui est très très difficile à catch pour le coup. Wanfeng, c'est vraiment une grosse force pour les Sunning. D'abord, on a des carrés qui se placent toujours aussi bien, toujours aussi sereinement. Et finalement, bah, cette agression sur la top lane qui sera un petit peu laissée pour compte. Et c'est même Bin avec son Gnar qui va récupérer la première tour de la top lane. Le Herald build évidemment, difficile à défendre. Et potentiellement une tour. Oh, la téléportation! Un Aldio jungle top qui sont bot side du côté des WE. On va pouvoir défendre ce Herald, il placera quand même la charge. Mais bon, la tourelle est toujours là, c'est le principal du côté des Sunning. C'est ce qu'on voulait assurer. Style of Me qui prend l'information avec sa pink ward au niveau de la rivière bot side. Bien sûr, dans 10 secondes, le potentiel dragon de Damoclès pour les WE missing qui se fait engager. Il trouvera une bonne ancre pour se replier. Style of Me, quasiment midlife, zoné. Il ne pourra pas rentrer dans la jungle bot side des WE. On va bien sûr retourner jouer la Priomide. Non, si Missing aurait pas eu intérêt à se retourner, ouais, il y a quand même tout le support de la Séraphine derrière, Blues qui se fait un petit peu poke, rien de bien méchant. Là c'est un timing qui est un peu plus délicat à jouer pour les WE. Oh, il est bien bin avec son Gnar là. Mega Gnar. Il faut avoir l'information. Il faut avoir l'information sur la présence de Bin, sur le niveau de sa rage. Pour ne pas se faire avoir maintenant. Oh là là. Oh, ça peut être dangereux. Bin qui va rentrer justement. Le Megnar qui est full stack. Pour le moment, c'est l'engage de la part de Hon qui est pas forcément hyper réussi. Hon qui va prendre beaucoup de dégâts. Donc il pourrait tomber. Non, il a un stop watch pour temporiser. Jumeng qui se trouve seul pour le moment. C'est le premier qui est récupéré du côté de Wanfeng. L'ultimate du Karim qui passe complètement à côté. 3 kills de récupérer du côté Sunning. C'était tellement difficile à prendre ce fight pour WE. Ils auraient dû avoir conscience de la menace de ce Gnar. Ils se sont fait surprendre et malgré un bon team fight de Jumeng. Ça ne suffira pas, leur premier dragon est récupéré et peut-être maintenant le snowball qui se met en place un petit peu à l'image de la game précédente. Ouais, on est à 2500 gold d'avance, on a réussi à récupérer ce troisième dragon élémentaire. C'est des dégâts supplémentaires pour les Sunning. Et en fait, sur ce teamfight qu'on va probablement revoir, les WE sont au courant bien sûr, puisqu'ils le voient, même s'ils le voient assez tard, que Bin va passer en Mega Gnar. Ils voient l'engage de Hon et du coup ils sont obligés de trop se focus sur Bin et sur Hon, ce qui laisse complètement le champ libre à Angel et à Wanfeng pour aller placer eh bien, du peeling bien sûr, mais également Wanfeng, regardez-le, il est tranquille pendant tous les fights de ce BO, il est tranquille, il peut DPS et surtout bon, on fait des petites erreurs en termes de micro, on marche dans les pyromasheurs, ce genre de choses. Ouais, j'avais pas vu effectivement que les pyromasheurs, il avait pas fait attention, il aurait dû air à travers évidemment. Beishang
histoire de pas se prendre les contrôles et de pouvoir aller chercher Wenfeng. Il n'y avait aucun follow-up quoi qu'il arrive. Le main n'était pas en place. Shockwave qui manque encore un peu de patate. Là je pense qu'on peut s'en vouloir du côté WE. C'était un timing à jouer pour eux. Il fallait jouer autour de ce Mega Gnar. C'est presque étonnant de voir une équipe de ce calibre se faire surprendre par un timing de Mega Gnar de cette manière. Bon, en tout cas se laisser aller à prendre des fights qui sont pas à leur avantage. On voit un replay à des catchs sur Missing précédemment. Ouais, c'est... Il faut se refocus du côté des WE. Ce n'est pas un BO3, c'est un BO5, donc il y a encore beaucoup de choses à faire, comme ce catch, peut-être qu'il forcera le R. Du côté de Style of Me, il a un flash de disponible, il se fait full go in par Bisheng. Est-ce que c'est la meilleure cible à aller chercher? Légion des ombres, on va assez deep, le Fear qui va passer sur Style of Me. Mais c'est beaucoup de ressources, finalement, pour ne pas se faire avoir en termes de vision. Wenfeng récupère le raid, Jumeng récupère le blue buff, plus de R et plus de flash tout de même pour Style of Me. Ouais, c'est des ressources en moins effectivement sur l'Olaf, mais on sent qu'il est quand même très très compliqué à aller chercher. Tout ça pour un ultimate de Hecarim. Il y avait trop peu de follow-up malheureusement derrière. Il va peut-être falloir finir par le battre ce Olaf, hein. Il pose vraiment beaucoup beaucoup de problèmes. En tout cas, la manière dont les WE jouent, ils veulent faire des catchs, et il y a tous leurs catchs en Style of Me, qui peut juste appuyer sur R et s'en aller. Pas forcément ultra ultra fan de ce choix. Oh là là, le timing des Sunning. On a bâton des Flow Moonstone pour la Séraphine de Angel. On a récupéré un ultra rapide pour Wenfeng qui a ses summoners de disponible. Ça va être un désastre si on fight sur ce timing pour WE. On récupère le blue buff sans problème. On a pas mal de vision bot side du côté des Sunning. On va pouvoir transit tout ça au niveau du Nashor puisque ça va être globalement l'un des prochains objectifs à jouer. 2 minutes également, le quatrième dragon élémentaire qui fera son apparition dans la faille de l'invocateur. Et les Sunning qui sont plus de 4000 gold devant leurs opposants à ce timing 21 minutes de jeu. Ah, maintenant ça va être un petit peu la lutte pour le late game. À ce petit jeu, j'aurais quand même tendance à dire que les Sunning sont devant. Ils ont quand même cet enchanteur sur la mid lane qui donne beaucoup beaucoup de value à une équipe. Avec des champions comme Gnar, des champions comme Jinx qui en bénéficient énormément. Bon, Orianna, Tristana, c'est pas derrière non plus. Il va falloir se faire... Oh, il a faim, Bin. Oh, il a très très faim. Il place les 3 coups deux fois de suite. Ah, dommage que ce Boomy ne touche pas. C'est ce qui va lui empêcher de prendre le kill, je pense. Mais en tout cas, on fait complètement reculer ce Renekton. Et on va pouvoir continuer d'appuyer sur ce boss à 1 minute 10 secondes avant ce deuxième dragon infernal. On prend énormément de vision, supprime surtout celle des W. La Shockwave, ouais, par contre, sur 4 personnes, mais il n'y a pas de follow-up, malheureusement, à cause de ces pink cords. On n'a pas l'information comme on le souhaite. Et du coup, plus de Shockwave pour Shanks. Ouais, ah, Shockwave qui a pas fait énormément de dégâts en plus. On a du mal à passer à travers les shields de Angel. Il y en a qui va peiner à trouver sa place dans la partie. On est trop en retard du côté des W. On n'est pas censé être à ce stade de la partie. Autant derrière, c'est le moment où on est censé dominer les teamfights justement. On attend de voir, mais là sans Shockwave du coup, comment prendre ce fight? Comment est-ce que Beishang peut avoir un espoir de follow-up? Ça fait plusieurs fois que les W se neutralisent eux-mêmes en mettant des coups de down comme ça sans raison. Oui, je suis assez d'accord avec toi Tech là-dessus. Et 15 secondes, un petit peu moins maintenant. Avant l'arrivée de ce dragon, Style of Me bien sûr en position, la Pink Ward est là pour assurer le contrôle de l'objectif. Et il est tout seul d'ailleurs, hein, sur la map actuellement, Style of Me. Tous ses alliés ont back, mais pas de soucis. Le temps que les W reprennent l'information dans leur propre jungle et avancent jusqu'à la rivière, il aura le temps de faire le Drake. Beisheng n'est pas très loin. Je vais le faire vite d'ailleurs. Mais on se méfie trop. On se méfie trop de cette rivière. On est à l'aveugle sur ce bot side depuis trop longtemps côté WE. Bon, on aura la tourelle top en contrepartie. Toujours ça. Et la Jinx qui continue à accumuler beaucoup beaucoup de ressources. Il y a quand même 70 de farm à 23 minutes de jeu. Wenfeng, il est bien. 2 items déjà. Alors, chose intéressante, il a changé un petit peu son choix de stuff. Parce qu'il a bien conscience que son équipe allait plutôt aller à l'engage et du coup c'est lui qui a récupéré le Rapid Fire Cannon alors que tout à l'heure il était plutôt en Hurricane histoire de pouvoir absorber en fait beaucoup de joueurs qui vont se stacker devant lui.
Oh bah d'ailleurs on a un petit voleur d'âme de Medjay sur Angel. Bon, pas de toute façon il meurt pas donc il va forcément le stacker. C'est pas comme si Séraphine avait des grandes chances de mourir. C'est clair. Du coup, bon, les Sunning 4000 gold devant leurs opposants. Et ça va se battre maintenant pour ce red buff. On a l'information langage du côté de Han. Attention, il a pris quand même beaucoup de dégâts. On placera un stun sur 3 personnes. Le miss du côté de Angel qui va contrôler 3 joueurs. DW Shockwave sur 3 personnes, mais il est toujours en vie. Wanfeng peut complètement DPS dans la suite de ce fight. Shanks s'est perdu. Et également double kill pour le jungler. Des Sunning, il n'y aura eu qu'un kill. Ce sera sur Han, pas de problème. 1 pour 4. Et c'est encore une fois les Sunning qui s'imposent dans les phases de regroupement. Ah, c'est dommage, il y a tellement de retard du côté W. Normalement, ce teamfight, pris de cette manière, à ce moment de la partie, avec leur composition, ils sont censés le remporter. Mais non, il y a trop d'avance. Zhu Meng n'a pas suffisamment de dégâts. Pareil du côté de Shanks. Et c'est Wanfeng qui s'en sort avec brio. Angel a pu maintenir toute son équipe à flot. Et puis surtout Style of Me avec le Olaf qui est tellement devant actuellement. On l'a vu, il a poursuivi Shanks. La pauvre Ariane ne pouvait absolument rien faire. Et là, malheureusement, bah, c'est... C'est dingue cette game Tech, j'ai l'impression de voir un match de saison régulière entre une top team et une bottom team LPL. Oui. Tellement les Sunning jouent sans pression, j'ai l'impression on laisse les deux héros de la faille, on laisse les deux premiers Drake, on sait qu'on est supérieur dans les fights, on joue sur nos forces pour ne rien montrer aux autres équipes et on domine tout simplement. Le re-engage est bon. On va chercher le root. La Shockwave est vraiment bien, il n'y a personne pour follow-up, Breeze est complètement bloqué. Zhu Meng prend l'exhaust instantané, elle est vraiment cruciale cette exhaust hein, pour le coup. Oh, faudra se reprendre hein, pour les WE, ils vont jouer ce BO derrière. Mais il leur restera après cette game je pense, parce que je ne les vois pas remonter. Il leur restera un Nexus à ne pas perdre dans ce BO. Partie comme c'est, je les vois très très mal faire une remontada. Concéder une game une fois, pourquoi pas. Ouais. Mais être à 2-0, enfin un retard de 2 games, vu la manière dont ils jouent, la manière ils ont du mal, on a l'impression à s'adapter à ce que sont capables de faire les Sunning. Tout ce que je retiens de ce BO, c'est que du côté WE, on n'a pas du tout préparé le match suffisamment bien, alors que du côté Sunning, on a bien conscience de la manière dont jouent les WE, à l'image de tout leur petit timing de warding qui vont chercher très très deep sur des joueurs qui sont pas censés vraiment aller warder à ce timing-là, puisque c'est... J'ai un gros souci déjà avec la draft, moi, Tech. On repart sur la même compo. Oui. Ok, pourquoi pas, hein. Ça s'est déjà vu et ça peut marcher. Le problème, c'est que qu'est-ce qui leur a posé problème dans la game numéro 1 dans les fights, principalement? Positionnement de Wanfeng. Et on a pas grand-chose de plus pour aller le chercher, finalement. Mais c'est ça qui me pose vraiment problème. Ouais, je pense qu'ils considéraient que le Ekarim serait suffisant, mais à chaque fois qu'on met du Ekarim, c'est tout sur Style of Me. Le Olaf, il est assez tranquille. Oh, la tentative d'engage peut-être, oh, c'est pas mal, sur 3 personnes, nous avons beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de dégâts quand même. Et on va chercher jusqu'au dive sous la T3, aucun souci, Salopi qui va continuer à poursuivre. Et on peut avoir les Z peut-être de la part de Wenfeng avec le red buff en plus, le Z qui ne se passera pas, mais ça devrait être suffisant normalement. Il reste peut-être un stack. Oh, si c'est bon, ça va être fait. Le dernier stack de raid. C'est un carnage ce BO. Bon, bah 3-0. Et les T4, bien sûr, qui vont. Double stopwatch, bien sûr. Et c'est quand même Wanfeng qui ira prendre ce kill avant la troisième game de ce BO. On domine à 11 000 gold d'avance. 27 minutes, on a joué rigoureusement, on a laissé les 4 premiers objectifs. Côté Sunning, les deux héros de la file, les deux premiers drakes, pas de soucis. On est meilleur en phase de recoupement et on le prouve dans cette game numéro 2. Ouais, non, Sunning qui a juste mieux préparé son BO tout simplement. Sunning qui sont plus efficaces, plus percutants aussi face à des WE qui repartent sur la même stratégie en faisant quelques petits ajustements mais sans vraiment, j'ai l'impression, corriger le problème de fond, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va chercher cette Jinx, comment est-ce qu'on profite normalement de l'avantage de la compo en mid-game. On n'y va jamais, Breeze n'est jamais vraiment en situation de faire des dégâts suffisants dans la backlane. Malgré, voilà, c'est vraiment cette Shockwave au niveau du red buff, normalement. Si les deux équipes, s'il y a 2000 gold de plus du côté WE, cette Shockwave, elle ravage complètement la composition. On n'arrive pas, à trouver le setup des fights côté WE, c'est vraiment ce qui leur pose problème, parce que faut aller chercher Wanfeng et on n'y arrive jamais. Et j'ai peur que ce soit la même chose dans la game 3. Alors j'espère qu'il y aura un changement de side, j'espère qu'il y aura un changement de draft également du côté des WE. En tout cas, tout ça, eh ben, on va en parler dans l'analyse desk. Petite pause et on revient juste après ça. À tout de suite sur Gaming. De retour après cette nouvelle game qui semble dessiner une petite destinée pour Team WE. Tech, comment vont tes pronos?
C'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, non, mais j'avais anticipé que normalement c'était les W qui étaient censés contrôler le match et être assez, comment dire, réussir à construire sur les erreurs de l'adversaire. Et là, c'est complètement l'inverse qui se passe. Donc voilà, je pense qu'on commence sur le Miracle Run de Suning et à partir de maintenant, bah, je pronostiquerai plutôt pour Suning. Ça marche très bien. Bah, ouais, non, mais je comprends. Pour revenir sur cette game un petit peu plus en détail, la draft côté WE, elle est absolument identique. Il n'y a rien qui change et surtout, on continue de prendre ces solo lanes sur la première rotation. Est-ce que vous pensez que c'est un problème dans leur draft, Fingin? En fait, il y a deux choses qui ne vont pas dans la draft des WE. C'est que, en fait, ils ont une composition à engage, bah, ils ne jouent pas avec. Et de deux, en fait, ils ont une composition de turbo all-in, alors qu'en face, on a une réception d'engage qui est super forte avec Rel Séraphine. Et du coup, on se fait juste avoir et on s'empale encore et encore et encore. C'est vrai que pendant le pré-show, on avait déterminé qu'il y avait bon, plusieurs points importants, mais que c'était un match-up qu'on attendait très teamfight. Et au final, bah, côté Suning, on semble avoir très bien compris ça. Et en effet, on réceptionne très bien les teamfights pour mieux rebondir derrière. Premier début, enfin le début de la game, les 5 premières minutes, on l'a dit en off, c'est les exactes mêmes 5 premières minutes, à l'exception que le First Blood ne se fait pas sur la top lane puisque le move ne passe pas et surtout, en fait, c'est Suning qui punit très bien. On va revoir. On veut refaire l'exact même move de Beijing et de Breath ici, mais cette fois, Bin s'y attend, il s'en sort très très bien. Enfin, il s'en sort. Il s'en sort. Mais c'est toujours ça de prix. Et surtout, cette fois-ci, la différence, c'est Style of Me qui, on le voit sur la minimap, vient à la réception parce qu'on s'attend à ce que le Ekerim soit toujours là. En vrai, il n'avait pas prévu de revenir puisqu'il est déjà sur le bot side. Mais par contre, Buzz qui s'avance un peu trop va être puni. Et du coup, le First Blood change de side ici. Non, honnêtement, je pense que du côté W, on s'est un petit peu manqué sur le timing. La grosse différence, c'est que cette fois-ci, Bin se fait un peu moins avoir parce que cette fois-ci, il a son Meganer de près. Il va pas se précipiter sur le flash. La grosse erreur qu'il avait fait sur la game 1, sur la même situation, c'est qu'il flash dans le duel Ekerim et du coup il s'est ramené. Donc en fait, il profite pas du tout de son flash, malheureusement. Là, il le conserve jusqu'au bout. En apportant ce move du Ekerim, on voit qu'il fait une espèce de petit aller-retour pour essayer d'éviter en fait justement le flash. C'est pas le cas. Et vraiment, je pense que c'est Bin qui a beaucoup mieux réagi. Et du côté de Breathe, effectivement, je pense que la grosse erreur, c'est de rester trop longtemps alors qu'on n'a plus le support du... Malgré ce move qui passe pas, on a des W. Aurélius a employé un terme que j'ai trouvé juste, c'était rigoureux. On est rigoureux sur les objectifs, le premier Herald, les deux premiers Drake, la First Brick qui sont récupérés d'une main de maître. On se dit ça, on se voit, c'est bon, ils sont rentrés dans leur match, ils sont plus solides. Et au final, sur le fight du troisième Drake, on les voit qui s'empalent complètement. Et pourtant, on voit Beixiang qui semble avoir compris qu'il faut aller chercher Wanfeng, qui tente la légionnaison dans la backlane. Mais Wanfeng, de son positionnement parfait, ne va pas du tout se faire avoir. Regardez bien Beixiang ici, il va tenter d'aller chercher notamment Angel et On. Non, Angel derrière, mais on n'arrive pas à attendre Wanfeng qui reste en sécurité, qui reste très très loin. Et derrière, on détruit tout simplement les WE. En fait, il y a deux gros problèmes dans ce teamfight, c'est que d'une part, la priorité mine n'est pas du tout sécurisée. Et du coup, en fait, on a le positionnement de Bin avec Sognar qui n'est pas du tout vu parce qu'on n'a pas le setup de vision. Et du coup, en fait, on a un teamfight qui est littéralement scindé en deux grâce à la seule présence de Gnar qui empêche l'arrivée de tous les autres coéquipiers des WE. À partir de là, c'est trop compliqué parce qu'on arrive à zoner, on a, comme on le disait, une composition qui accueille bien les teamfights. Et si on n'arrive pas à littéralement vraiment rentrer dedans, ça peut pas passer. Ouais, un mot de suite exact peut-être. Il y a vraiment un élément, je pense, qui détermine complètement la manière dont ce fight se met en place, c'est qu'on a ces chompeurs en fait qui sont mis juste devant le Ekerim. Je pensais que Beixiang avait air trop tard. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il est charme. En revoyant le résumé, je me rends compte, il est charme et du coup, il est amené dans les chompeurs. Donc le positionnement des chompeurs est juste parfait de la part de Wanfeng. Et c'est ça en fait. Du coup, le Ekerim peut à aucun moment mettre le air, aller chercher de la Jinx et ça change complètement le team fight. Un Wanfeng on point, un Style of Me très dominant dans la jungle face à Beixiang, c'est les points qu'on avait soulevés pendant le pré-show et visiblement ça attend à aller vers Suning. Est-ce très rapidement, qu'est-ce qu'on attend là comme de la part de W, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? On a évoqué l'idée d'un changement de side du côté du post-game. Vous attendez quoi? Je suis pas d'accord sur le fait de refaire encore une fois la même composition parce qu'on a vu de toute façon on n'arrive pas à jouer avec, on n'arrive pas à engage. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, il serait peut-être temps pour dire ça poliment, de se sortir les doigts et de chercher des vrais counter picks et de chercher vraiment une composition qui a au moins un vrai side gagnant, parce que là on a une bot lane qui domine un petit peu, une top lane qui domine un petit peu, mais on n'a jamais rien qui est très tranchant.
Ouais, moi, ce que je propose au WE, c'est qu'ils commencent à jouer à League of Legends, mais pas genre à League of Legends, genre leur plan établi de base et qu'ils vont appliquer tout le temps, mais juste s'adapter en fait à ce que font les Suning aussi. On a peut-être trop préparé ce BO au final et on se veut trop s'en tenir à ce qu'on a préparé. Je pense qu'au contraire, ils l'ont pas suffisamment préparé. D'accord. Je pense qu'ils veulent trop apporter quelque chose qu'ils pensent marcher sans vraiment faire attention, que par contre, les Suning, eux, ont vraiment, vraiment bien préparé le BO. Encore une fois, je reviens sur ces timings de warding qui vont être amenés à chaque fois. Game 1, c'est le Zilean qui va poser sa ward très deep au niveau du blue buff, pendant que la Jinx fait pareil au niveau des golems. Il y a le même scénario se répète en fait à chaque fois. Du côté Suning, juste on a mieux préparé à mon avis. Ok, très bien. Bon ben, avec ces solutions, on va espérer que simplement WE nous écoute, mince, et se sorte les doigts, parce qu'on attendait tous un match bien plus disputé que ça, je pense. Un 3-0, ce serait quand même un peu triste, mais ça annoncerait vraiment le retour des Suning. On va voir ça tout de suite dans cette troisième game à venir. Ne bougez pas. De retour après ce petit post-show. Qu'est-ce que je... Ah oui, d'accord, ok. J'ai louché, je suis désolée. Je suis accompagnée de Fingin pour cette troisième et potentiellement dernière game, puisqu'on est à 3 balles de match pour Sunning. Ça paraît être un 3-0 qui s'annonce effectivement, Nox, et je vois mal, en tout cas j'espère que les WE vont nous sortir une meilleure game, parce que là actuellement c'est un petit peu triste en termes de spectacle. Les Sunning qui tout simplement pulvérisent leurs adversaires, et les WE qui, eux, manquent de créativité et d'originalité. Je pense que le terme pulvériser est particulièrement juste. On attend, on l'a évoqué pendant l'analyse desk, qu'on voulait un changement de draft du côté de Team WE. On a peut-être pris ce BO un petit peu trop à la légère, et ben maintenant on est dos au mur, on n'a plus le droit à l'erreur. Il va falloir des picks solides. On a beaucoup parlé de Shanks qui se trouve sur une Orianna qui n'a pas énormément de possibilités à l'heure actuelle. On a envie de le voir sur son Ryze, on a envie de le voir sur son Azir, on a envie de le voir jouer des mécaniques comme il est capable de le faire. La question, c'est qu'est-ce qu'on attend du côté WE pour mettre autant en valeur ce rookie qui est si solide? Il y a tellement de choses à changer côté WE. En tout cas, il faut absolument changer d'état d'esprit. Parce que Shanks, même s'il a une Orianna, bah, ses shockwaves, elles sont justes, mais il n'y a personne qui est là pour les follow-up. Tandis que le MVP sera sur cette deuxième game, Angel, avec sa Seraphine, Serachan, qui a chanté fort et qui a trouvé de belles opportunités de teamfight pour son équipe. Ouais, c'est ça. On le revoit. J'allais justement parler de ce move, mais comme l'a mentionné Tech, l'ulti est assez pixel, notamment sur Bei Chang qui va marcher jusque dans les champs, et donc ça nous permet notamment de retourner ce fight assez proprement. On prend évidemment le dragon derrière. C'est le deuxième MVP de Angel, puisqu'il avait été déjà mis à l'honneur sur le match-up face à LNG avec son Kassadin qu'il a tout détruit. Ah, c'était un stomp, hein. 17 ouais. Minutes, on se rappelle, l'une des games les plus rapides de la saison, si ce n'est la plus rapide. C'est la plus rapide, je crois. Et qui du coup avait tout simplement permis de définitivement ramener les Suning dans ce round suivant. Et cette fois-ci, les WE qui vont peut-être subir la même fessée, un 3-0 qui approche et qui pourrait rendre Zerotic heureux en termes de pronostics. Très clairement, et le propulser très loin, puisque Tech a craint fort pour son équipe. C'est ça. Mais bon, ça serait incroyable, hein, la nouvelle Miracle Run de Suning. Ils ont été un peu tremblants sur la saison régulière. Ça fait plaisir de les voir aussi en forme, de les voir retrouver de l'assurance. Et surtout, ça fait plaisir de voir On aussi bien installé, puisque c'est le nouvel ajout. On sait que ça a pu être un peu laborieux, le shot call, etc. Trouver une place dans cette nouvelle équipe. Et au final, ben, je trouve qu'il est vraiment on point sur ce BO. C'est clair, et il faut aussi se dire que finalement, Suning, après le départ de Sword Art, ne sont pas complètement morts. Mais s'il y a quelque chose que j'aimerais quand même souligner, c'est que les Suning sont peut-être bons dans cette game, dans ce BO, mais c'est surtout que les WE, eux, sont vraiment très très en dessous du niveau auquel on les attendait. Oui, c'est vrai que c'est important de le souligner, WE sous-perf énormément. Bon, on a laissé changer quand même un peu Ban, la Jinx, enfin, qui va être retirée. Il est pas trop tôt, je pense, de la retirer des mains de Wenfeng. Du coup, on a retiré la Tristana aussi en réponse, simplement parce que c'est une bonne réponse à Jinx, hein. Tristana avec un petit, c'est les mêmes genres de dégâts late game, mais avec un petit peu plus de mobilité, ce qui est toujours très intéressant à avoir. La Orianna de Shanks qui a été retirée, on le sait, mine de rien, tu l'as très bien souligné. Il est relativement sérieux sur ses shockwaves et juste, bah, y a personne pour follow. On voudrait pas que d'un coup WE se réveille et se mette à follow les shockwaves. Bah, il faut espérer que du côté WE on va en tout cas trouver des opportunités, parce qu'on repart encore une fois sur le Hecarim au niveau de cette jungle pour Bei Chang. Et si WE de nouveau a peur d'engage, bah au final ce Hecarim va avoir la même utilité que lors des games 1 et 2, c'est à dire il va être soit tout seul soit être en retard sur ses engages.
Ouais, je suis assez d'accord. Le Tahm Kench a été pris pour On, alors que la Jinx n'est pas dispo. Ça peut annoncer un Aphelios éventuellement qui a besoin lui aussi. Mais le Varus qu'on a revu en LPL pourrait aussi trouver du confort avec le Tahm Kench. Honnêtement, j'attends une réponse réelle face à, pour WE, tout simplement parce que bah, ça casse la peau dure. C'est un champion qui a beaucoup d'engage et qui peut poser problème à un Varus sans mobilité et à un Tahm Kench. Donc j'espère que du côté WE, on a au moins révisé ses leçons. Varus Tahm Kench, une botlane très dominante qui a tendance à prendre beaucoup de pression. C'est des Varus létalité qu'on voit actuellement et du coup il va falloir accompagner d'un peu de DPS supplémentaire pour les stunning. Maintenant, la réponse WE s'organise. On est sorti de ce carcan, donc pas de Tristana, on n'aura pas de Orianna et le Ezreal qui est montré pour l'instant pour Jumeng. Et Ezreal qui peut peut-être faire la différence, cependant je trouve que c'est un peu timide en termes de dégâts purs et durs, sachant que normalement, lorsque t'as Varus Tahm Kench, tu veux essayer de punir le Tahm Kench, mais au final, peut-être que cette karma peut faire la différence en termes de poke. Je vais m'énerver. Elle est où la Rell là? Je vais m'énerver. Ouais, non, je suis d'accord. Mais après, tu vois, Rell Ezreal, c'est chaud quand même. Oui, non, bien sûr. C'est sûr que si tu veux partir sur un Ezreal, Rell n'est pas le meilleur. Quoi que ça s'est vu un petit peu en LPL et ça avait pas trop mal fonctionné. C'est pas mauvais. C'est juste que, en fait, je trouve que en termes de dégâts, Ezreal n'a pas assez de dégâts pour follow-up une Rell. Mm. Et si elle engage et que t'as pas le burst derrière, bah, tu te retrouves quand même comme un sacré plot. Non, je pense que la karma est assez juste. En vrai, la karma, on pourrait l'avoir du sur d'autres lanes. On a vu quelques facettes de ce genre sur les play. Donc en vrai peut-être qu'elle va être top, peut-être qu'on va décider de brain un peu Sunning. Quoi qu'il en soit, c'est le TF pour Angela qui a été sélectionné. On veut décaler, on veut du global tout simplement avec ce Tahm Kench chez Angel. On va pouvoir créer des escarmouches très rapides et j'aime bien cette petite composition. Déjà on a vraiment une très très belle gestion des sites, tu en parlais à l'instant, et du coup il faut trouver un hard carry sur la top lane. De toute façon, Bin va avoir un counter pick, c'est sûr et certain. Normalement, un pick de réintroduction va être dans la jungle pour Style of Me. Et on va laisser justement Bin sur un hard carry parce qu'on va en avoir besoin en termes de DPS. Il faut essayer de trouver des opportunités supplémentaires parce que sinon, en termes de dégâts purs et durs, actuellement, bah, Varus Leta, c'est bien pour burst, mais c'est pas assez pour trouver un DPS late game. On le sait, Twisted Fate, actuellement, il n'y a plus de build à base de full AP. C'est gel éternel, de setup de fight avec les gold cards. Et du coup, bah, c'est bien de setup, c'est bien de burst, mais au bout d'un moment il faut finir les cibles et il n'y a personne actuellement pour les Sunning. Ouais, c'est assez juste ce que tu soulignes là. Après, bon, en face il y a un Ezreal qui est un peu dans la même situation de burst, mais le Hecarim porte quand même une dose de dégâts qui n'est pas négligeable. Et c'est le Rise de Shanks qui est supprimé et j'apprécie de voir ce petit genre de ban sur le rookie WE. On sait de quoi il est capable avec le pick et j'attends de voir ce qu'il va être capable de sortir. Il y a eu un bug sur le 4ème ban WE. Ah, en effet, peut-être que la régie a la réponse. Ouais, bon. On va voir rapidement. On verra, effectivement, les WE qui n'ont certainement pas oublié un ban, ça serait quand même assez dramatique. Xin Zhao qui sera retiré des mains de Style of Me. Très très bon setup de fight aussi et d'escarmouche avec Xin Zhao. Ouais. Oh le drame. Ce serait surprenant. Très très surprenant. Mais il irait où? Bah je ne sais pas, mais est-ce que ce sera un Varus mid et un TF top? Tu vois, j'aurais envie de faire un truc comme ça, ça aurait été horrible hein, mais... J'aurais pas compris. Moi non plus, mais c'est finalement le Kane. Alors on en discutait en off tout à l'heure, le Kane c'est une très bonne réponse à Lilia. La Lilia n'est pas là, mais on décide quand même de le sortir. Pourquoi pas, hein, ça reste un pic intéressant, il n'y a pas tout à fait... Enfin, Il y a le Ezreal et la Karma, parce qu'en général, t'as envie de stack la forme assassin qui fait énormément de dégâts. Mais c'est pas les cibles les plus faciles à attraper, quand même, je trouve, pour stack les âmes. Donc ça me paraît quand même un peu laborieux. Le Renekton nouveau pour Brest, ça a l'air d'être lock. Ouais, en tout cas, on continue pour les Sunning sur une stratégie de on veut bouger sur la carte, parce que la forme assassin de Kane, ça permet d'aller très très rapidement d'un bout à l'autre de la fight de l'invocateur. On a dit, tu l'as dit plus tôt, le Renekton qui est validé pour Breve et le Azir. Enfin! Pour avoir un petit peu plus de range et de DPS à faire valoir, de zoning également. Mm. Par contre, les zoning, si ça valide Horn, c'est chaud. Bah, ça peut être. Ouais. Il faut un carry top. Et je pense. Alors, le Jax pourrait être ok, mais c'est pas le carry top qu'on attend. Le Gnar non plus. Un petit peu lèche peut-être en termes de dégâts pour zoning. Si ce Kane ne snowball pas, ça va être juste. Après, peut-être que One Fang va partir sur un Varus DPS en termes d'attack speed, mais si c'est pas le cas, je suis vraiment complètement d'accord. Le DPS est très compliqué à mettre en place. Ouais, en fait, on a vu des Varus attack speed en LPL, mais en général, quand tu fais le Varus attack speed, c'est déjà que t'es le seul DPS potentiel, et en vrai, ce qui est le cas côté Sunning, mais c'est surtout quand t'as de quoi taper en face. Et là, un Hecarim Renekton, c'est un peu juste, je trouve.
Bah en fait, il va avoir beaucoup de difficultés à se positionner, je pense, pour son Varus ou Anfeng. Sachant que finalement, la team de Suning a beaucoup de setup de fight, mais en termes de distance, la range est complètement en faveur des WE. Azir, Karma, Ezreal, on a beaucoup de choses pour zoner le fight et pour s'extraire potentiellement des tentatives d'engage qui sont surtout voilà, des pick-up sur les sides potentiels pour en les fait, Suning. J'aime bien la partition impériale qui va pouvoir permettre de disengage ou de réengage ce qui nous manquait dans la composition, dans les compositions qu'on avait, enfin dans la composition si on les en a joué qu'une personne WE qui ont été jouées précédemment. Du coup j'aime bien, en plus on sait que Shanks fait des merveilles dessus, donc je trouve que côté WE on commence à se réveiller un petit peu, mais c'est un peu late je crois. Ouais, il faut voir si en termes de mental ils sont toujours dedans les WE, parce que les Suning ont l'air chaud, ils ont pris une composition qui est très difficile à appliquer, dont on comprend le sens, hein, pick up sur les sides, on veut avoir une frontline et un side laner avec Gnar, mais qui peut cruellement manquer de dégâts. Est-ce qu'on va réussir à l'appliquer? Est-ce qu'on va réussir à trouver ces opportunités? En tout cas, il faut que les Suning clouent définitivement le cercueil des WE, parce que un reverse sweep n'est jamais à éviter. C'est ça, mais en vrai temps, je comprends du côté de Suning de vouloir prendre des risques, de tester des choses, parce que d'autant tu peux tester des choses en spring, mais en stage c'est pas pareil, donc honnêtement, j'aime bien, j'attends beaucoup. En tout cas, nous voilà partis dans la faille de l'invocateur pour cette troisième et peut-être dernière game. Les Suning qui sont en 2-0 dans ce BO et qui, d'ores et déjà avec une composition intéressante, se positionne pour une invade, Nox. Ouais, on va aller chercher l'invade. Alors, Jumin qui est tout seul dans le bush va se repositionner très très vite. On court quand tu vois l'équipe adverse te foncer dessus. Il a été vu hein, normalement, mais voilà, c'est la seule information qu'on aura prise. Est-ce qu'on veut essayer d'invade encore un peu plus tard? Pourquoi pas? Ekarim déteste particulièrement se faire déranger dans les premiers niveaux de sa jungle. C'est un pick qui a besoin d'items, mine de rien, pour être efficace. Et Kayn a toutes les armes pour aller le gêner. Encore faut-il sécuriser un petit peu de prio de lane et finalement, alors Azir face à Twisted Fate en termes de prio, on n'est pas forcément super pour les Suning. Au niveau de la top lane, on a encore vu ce match-up Renekton face à Gnar et dans les premiers niveaux, normalement Renekton a l'avantage. Par contre, Angel instantanément qui met la pression avec son Twisted Fate, vous l'avez vu, et du coup qui peut peut-être déranger Mei Shang avec le décalage de Style of Me. Il faut que Angel fasse du bon travail là-dessus. Ouais, pourquoi pas start au loup pour Style of Me en solo. Donc on aura toutes les lanes en avance, j'ai envie de dire, pour Suning. Le POC de Missing qui se met en place. C'est intéressant de voir cette Karma qui revient. C'est le genre de pic qu'on ne voyait pas du tout en LPL avant, puisqu'on était sur des gros contrôles, beaucoup de tankiness sur la botlane pour avoir une gestion de lane très forte. Mais au final, la Karma rentre un peu dans cet objectif-là d'avoir un gros contrôle de la lane. Et Style of Me qui force le vertical jungling là-dessus. Normalement, il est vu. Il y a une ward qui a été posée pour les WE. Et du coup, on va pouvoir récupérer les Corbin, le Red Buff, et on va peut-être même être assez arrogant pour aller rechercher les golems. Cependant, Mei Shang qui se positionne et qui va aller faire le bot side. Il a pas vu ce... Aucune info, aucune ward. Il y a une ward là pourtant, il a été vu Style of Me. Ah oui, il y a une ward, donc il est censé être vu. Mei Shang qui va complètement se faire avoir. Ouais, c'est dur. Style of Me qui va s'en aller comme un prince à travers le mur. On n'aura rien pu faire et on ne pourra pas réagir assez rapidement. Elle est top là, je pense que c'est très compliqué pour le faire. Par contre, on a peut-être une contestation de Mei Shang, on a une grosse priorité bot lane, mais On qui a déjà fait le décalage, c'est un 2v1 dans la jungle, on va utiliser la dévoration pour repositionner ce blue buff, et on va pouvoir le récupérer pour Side of Me. C'est un cambriolage fait par ce Tamken chez Mei Shang qui va essayer de récupérer ce Gromp cette fois-ci, mais cette fois-ci on a le niveau 3 pour Side of Me, et on peut peut-être aller chercher l'agression Mei Shang. La dévoration encore une fois de On, et on va pouvoir se repositionner, on a encore le flash pour Side of Me, et par contre on a le décalage également de Jiu Meng, on va devoir s'échapper, le Gromp sera out au prix cependant de l'Ignite de Missing. Ouais, alors l'Ignite Missing ça reste ok. On qui se réavance, on veut pas, on veut rien concéder le flash in de Wenfeng qui va récupérer ce First Blood ici. Jumeng un petit peu dans la palade, il va se repositionner. Angel qui veut aller chercher Style of Me qui n'a pas beaucoup de points de vie, mais bon, c'est un carapateur qui va être récupéré avec l'aide de ses alliés. Missing ne pourra pas trouver le poke nécessaire, et tu l'as dit, c'est un cambriolage. Ok,
Alors les Sunning, ils ont décidé de mettre littéralement la pédale sur le pied d'accélérateur, enfin, le pied sur la pédale d'accélération. Plutôt, pardon. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est beaucoup mieux parce que vraiment cette counter engage de Beisheng est bien sentie. On sait qu'on est quand même un petit peu dominant. On a le niveau 3 contre le niveau 2. Attention, l'agression sur On, le flash out instantané de ce Tam Kench et on joue l'agression pour les WE. On veut laver cet affront et Wanfeng qui n'a plus de flash et la dernière auto attaque. Non, la dévoration et c'est un scandale. Wanfeng qui prendra le kill sur Jumeng. C'est honteux ce qui se passe. On a pris le coup de tour, la dévoration qui c'est 3-0. C'est horrible. Ça y est, fini d'enlever son casque, il est parti. Voilà. Oh mon dieu, c'est terrible ce qui se passe. C'est honteux ce qui se passe ici. On n'arrive pas, on tente. Et en vrai, j'apprécie du côté W l'idée qu'on tente, qu'on essaye, parce qu'on sait qu'il faut passer par là pour pouvoir s'en sortir. Mais ça ne passe pas du tout. Ça ne passe pas du tout. Oh là 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 là. 2-0, 1 Kagold d'avance sur une composition qui aime bien le snowball. Et surtout, 2-0 pour Wanfeng. Oh là là, on va le revoir. On va le revoir, cette agression qui... et intelligente pour les WE. Oui. On n'a plus grand chose à faire valoir, il n'y a plus de flash sur Wanfeng. On qui est forcé de se repositionner. Et du coup, on se dit, on est fort, mais on n'arrive pas à poser la dernière auto-attaque. Si loin, on reste si longtemps. En fait, du côté. Je pense que le flash est de trop. À partir du moment où Wanfeng s'est repositionné, tu l'as. La dernière auto-attaque de Wanfeng, sur Wanfeng, est cancelle par la dévoration de On. Oui. Et du coup, exactement. Il ne meurt pas. Oui, il ne meurt pas. Et ça, c'est scandaleux. Ah, c'est terrible. On va finir par se demander s'il n'y a pas des histoires de match fixing, y compris en LPL. On va s'arrêter là, on va pas en parler, c'est un petit peu un sujet sensible, Nox. Excusez-nous, pas de match fixing en LPL, donc c'est réservant ça à la Division 2. Non, effectivement, on le sait, hein, en Div 2, il y a eu beaucoup de Div 2 chinoises, il y a eu beaucoup de problèmes. Oui. Beaucoup de problèmes suite à ça, justement, elle a même été interrompue, cette Ligue 2. Exactement, toujours en pause. Et du coup, il faut être vigilant, mais c'est sûr que là... au vu de la prestation des WE, on se demande qui a reçu un gros chèque, ça devient terrible. Ouais, très clairement, c'est compliqué. On est revenu sur cette lane, du coup, forcément, Wanfeng et On ont repris la pression, ça permet à Style of Me de s'avancer, et Beisheng qui est du coup très en retard. En vrai, je pense qu'il limite pas trop mal la casse, mais il y a quand même un niveau d'écart, et ça peut faire la différence sur le dragon qui est déjà là, on est déjà dessus. Pour Style of Me, on a la pression bot, le Hecarim, il est out pour l'instant, donc c'est un objectif complètement gratuit. Exactement, et malgré l'absence de priorité à la mid lane, parce que le Azir bosse bien ce Twisted Fate, ce n'est pas important. On a tout ce qu'il faut pour aller récupérer ce premier dragon. Shanks qui va se rendre disponible, mais ce sera déjà trop tard. Normalement, Style of Me va pouvoir tranquillement poser son smite. On a juste posé une petite pink ward dans le pixel bush, mais rien de dangereux. Style of Me qui va pouvoir repartir à son cycling. Ouais, c'est ça, il y a rien pour aller le déranger. On n'a pas la force pour aller le déranger, tout simplement, du côté de WE. Et c'est déjà un écart assez significatif, mine de rien, très tôt dans la partie. Et c'est surtout deux kills déjà sur Wanfeng, un Varus qui va faire excessivement mal très très vite. Tranquillement, on va se repositionner. Wanfeng qui est en train de travailler sans snowball. On va faire un petit reset, on va pas tarder à avancer justement sur sa létalité. On devrait avoir la dague dentelée qui va être validée. Au niveau de la top lane, finalement, Brave avec son Renekton qui n'a pas du tout reçu de présence de la part de Beisheng. En même temps, vu le early game qu'il a passé, le ouais. Pauvre Karim, c'était difficile de lui poser de la proposition. Il va se faire voler son cœur up. Hein. C'est terrible. Et ouais, c'est Luffy qui continue. Par contre, on a l'ultimate, Beisheng qui n'a pas le sien. Par contre, le DPS en 1v1 pour Beisheng est à son avantage. Et du coup, on va devoir se repositionner. Le flash de Style of Me. Et il n'y a pas de flash pour Beisheng. Et on va pouvoir s'échapper pour Sofem. Bah, c'est toujours intéressant de savoir que Hecarim s'en sort bien dans son 1v1. Ça aurait pu être beaucoup plus différent. On récupère le flash, c'est ok, mais on n'a pas récupéré Scarapater. L'écart en termes de valeur et des deux junglers se continue de se creuser. Et on sait que c'est pas une bonne chose pour un Hecarim de tomber derrière comme ça. Surtout que tu le disais un peu plus tôt, mais il a des lanes ok en fait pour s'en sortir qui devraient lui permettre au moins de naviguer dans sa jungle sereinement, et c'est pas du tout le cas. Le pic de gain ici qui visiblement pose énormément de problèmes à la composition de WE, on n'arrive pas à s'en dépatouiller. Bah à ce stade de la partie, de toute façon, je pense que c'est trop dur pour Beisheng, c'est-à-dire que on a voulu justement profiter de cet avantage en termes de laning en essayant de trouver cet invade au niveau du bot side, mais à partir du moment où il meurt, à partir du moment en plus derrière Jumeng meurt, bah c'est trop compliqué. Du coup, Beisheng qui se fait bosser, Style of Me qui est passé niveau 6, qui a trouvé une bonne agression et qui a réussi grâce à son flash à s'échapper, mais surtout en fait il met de la pression psychologique à ce Karim désormais. Il dit, toi je te soumets, tu es à moi. Déjà que WE, on le voyait, sont assez peu confiants, je trouve. Ça s'est vu notamment sur la Game 2. C'est un petit peu terrible, je pense, en termes de mental. Et surtout, Style of Me, comme il a pu profiter d'énormément de timing d'agression,
son passif doit être relativement bien stack. Je serais curieuse de voir où il en est. Je serais curieuse aussi de voir sur quoi il va partir. J'ai une affection particulière pour la forme Darkin, mais la forme assassin est toujours intéressante. Bah on joue plus trop la forme assassin, j'ai l'impression. Enfin, la forme Darkin, j'ai l'impression. Ouais. Sachant que là, en plus, t'as déjà une belle frontline. Il faut aller chercher du DPS supplémentaire. De toute façon, on a dit, la composition de Sonic manque quand même cruellement de dégâts. Et si on n'arrive pas à se dépatouiller dans un early game avec assez d'avance, ça peut être un petit peu compliqué. Tandis qu'on voit une agression de Bean sur la top lane. L'Omnius qui est forcé par Breathe. Est-ce qu'on va aller chercher une re-engage? Là, le Q-spell qui a permis de régénérer un peu de points de vie. Bean qui s'échappera. Mais le trade est favorable à ce Gnar encore. Ouais, tout à fait. Pour revenir sur la frontlane, quand il y a un méga Gnar, je suis assez d'accord. Mais oui, quand le Gnar est en mini, c'est un petit peu tendancieux. Donc voilà, la destinée directement, la gold card qui a touché sur la Karma. On est repositionné la flèche de corruption immédiatement. Et c'est un nouveau kill pour Wanfeng qui continue de grimper. On le voit sur stuff, on l'avait déjà évoqué, mais oui, c'est un Varus létalité. Ça continue le snowball pour les Sonic. Par contre, la réponse des W là-dessus est intéressante. On veut justement freiner ce snowball et on va essayer d'arnaquer ce héros de la faille. Cependant, Side of Me est déjà au décalage. On n'a pas la destinée de Angel, mais on arrive peut-être à se repositionner pour Twisted Fate. Non, ça sera abandonné. Breathe est là en avance. Ça sera le héros de la faille pour les WE et qui leur permettra peut-être de déverrouiller quelques golds supplémentaires. Ouais, je pense que ce serait des golds intéressants à mettre pour ce Renekton. C'est lui la value mid-game de cette équipe. C'est lui qui va tenir ce temps de jeu-là. Et donc, ça va être intéressant de le mettre dans le confort le plus total. Parce qu'on l'a vu, face à Gnar, c'est déjà compliqué. Oui, il y a deux possibilités. Soit tu veux faire snowball sur Renekton, soit tu peux aussi poser le premier héros et le deuxième héros de la faille à la mid lane pour forcer le recul de Angel et éviter les destinées trop imposantes. Sachant que de toute façon, c'est quasiment exclu que ce héros de la faille soit posé au niveau de la bot lane, tant la pression imposée par Wanfeng et On est importante, on n'arriverait pas à setup de la wave correctement pour se positionner. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'on va jouer topside, hein, tout simplement pour WE. La solution, elle est là pour l'instant. Prochain dragon dans 30 secondes, on a une pression qui est ok sur la bot lane. Par contre, on n'a pas la pression mid puisque Angel a fait le décalage pour son blue buff. Il va falloir récupérer ça rapidement si on veut avoir une chance de se battre pour ce dragon. Il y a les TP de disponibles sur les deux top laners. On pourrait avoir un premier teamfight ici, mais je pense qu'on n'est pas prêt d'un côté comme de l'autre. Un Ezreal, ça met du temps avant de spike. On n'a pas tout à fait le premier item sur Wanfeng non plus. Donc ça va être un peu compliqué. Il faut voir, pour l'instant, les pick-up peuvent être complètement en faveur des Sonic là-dessus, donc j'ai du mal à voir les WE réussir à vraiment s'exprimer. Cependant, on peut jouer autour du héros de la faille. On pose le héros de la faille, on force le recul des Sonic, et du coup, tu peux peut-être te positionner au niveau du dragon. Mais la priorité de la botlane Sonic est tellement forte actuellement que Style of Me est le roi de la jungle. Au moment où simplement où On décale, il a la traversée des abysses, c'est un danger permanent sur ce bot side. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, on va l'abandonner, ce dragon. Ce n'est que le deuxième, entre guillemets. Il vaut mieux le concéder et aller chercher des golds ailleurs, ne pas en donner à l'adversaire plus que ça et revenir plus en forme pour le troisième. Je préfère voir ça, pour être honnête. À ce stade de la game, c'est un petit peu compliqué. Par contre, on l'a vu, la tentative d'agression de Beishang qui a été parfaitement temporisée par la flèche corruptrice de Wanfeng. Excusez-moi, monsieur, d'avoir osé vous déranger, monsieur Wanfeng. Et du coup, l'agression peut-être de Side of Me qui va forcer justement l'absence de reset de Missing. Et on va pouvoir prendre de la pression et peut-être même prendre cette première tour à la bot lane Nature Nox. Ouais, clairement, sans l'héral, sans rien, juste parce qu'on est trop fort pour Wanfeng. On pourrait prendre cette first brick, c'est terrible. Shanks a tout juste gratté la sienne, on le voit là, alors qu'il est censé avoir l'avantage face à Bean. La mid lane, bon, c'est un TF qui n'a pas beaucoup d'écailles, il faut le reconnaître. Donc c'est plutôt un bon point, puisque on évite que ça saigne plus du côté de W, mais ben, ça veut dire qu'on n'a pas non plus récupéré de plate sur la mid lane. 2k gold d'avance déjà pour Wanfeng et le gros problème c'est que Bean au final n'est pas tant en retard, il est même en avance face à Breathe. Cependant attention, on n'a pas encore le méga Gnar, le flash team est la destinée pour se repositionner. Il est mort Bean, mais non, il arrive à trouver un Gnar phénoménal qui arrive à temporiser la destinée qui est là pour Angel. On est en 2v5 sur cette top lane, on a complètement abandonné le bot side, mais à quel prix Nox, à quel prix? Regarde Wanfeng qui a pris cette tourelle en solitaire, il est en train de snowball comme jamais le carry ADD Sonic. Ah c'est terrible, on a un Herald même pas pour la first brick, c'est ultimate magistral qui a été trouvé pour Bean, c'est monstrueux ce qu'il a fait. Il a complètement cancel le move des WE qui avait une rotation plutôt propre, il faut se l'avouer, mais ça ne passe pas du tout juste à cause de ça.
Ils ont une rotation en tout cas imaginative, parce que dans l'exécution finalement ça s'est pas bien passé, ouais. Grâce à un bon outplay et une bonne vigilance de Bean, qui en plus n'utilise pas son summoner là-dessus. Il a sa téléportation, il a son flash, et du coup pour les prochaines agressions, Brief qui n'a pas le sien de flash est en danger. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça s'annonce une nouvelle fois très compliqué. On continue de creuser l'écart. 4000 gold à 13 minutes de jeu, 14 minutes de jeu. C'est-à-dire qu'à la chute des plates, on a 4000 gold d'avance. C'est énorme. Surtout qu'on sait que cette avance, bah, elle est sur One Fang. Il a récupéré 5 plates, la First Brick, 3 kills. Il est monstrueux. Il a récupéré son mythique, c'est sûr. Et à mon avis, il a au moins la moitié de l'item d'après. Ou ses bots à voir. Mais honnêtement, ça n'annonce rien de bon. J'ai l'impression que les WE se font tout simplement dépasser dans cette game et dans tout ce BO Nox, et on se fait littéralement mettre à genoux. Les Sunning qui, eux, snowball, ont une belle avance, et maintenant à 15 minutes de jeu, être à 4k gold d'avance à leur faveur sur une composition qui a besoin d'être devant, parce qu'on est sur une composition, on le rappelle, extrêmement agressive, bah ça n'augure que du bon. Ouais, très clairement, et on se demandait ce qu'il allait avoir dans les poches. Il a les bottes et la moitié de l'item suivant, donc il était vraiment richissime. C'est terrible. Il est stratosphérique, hein. Il a un item de plus, voilà, que son adversaire. Il y a toujours la brillance et le marteau de Kofil pour Jumeng, qui va mettre du temps avant d'être efficace. Les ports de sortie pour Team WE, ça s'annonce compliqué. Je pense qu'on scale peut-être un peu mieux. Il y a un meilleur scaling, c'est clair. C'est clair. On a quand même Azir. Ouais, Ezreal en fin de partie, comparé à un Varus Létalité, oui, ça n'a rien à voir. En termes de scaling, le seul gros point, c'est Bean face à Renekton. Mais vraiment, la solution pour WE, c'est fermer les valves un maximum. Mm. Et c'est compliqué parce que les Sunning mettent quand même pas mal de mouvements. Et c'est ce que moi, je leur reprochais personnellement. C'est-à-dire qu'en début de saison, ils n'arrivaient pas à créer du jeu. Alors que là, vraiment, sur cette game, ils sont vraiment très très initiatifs et ça leur s'y est bien. Bah, je pense simplement qu'on a enfin retrouvé un rythme de shot call qui est bon. Quand tu veux créer du rythme, t'as besoin d'avoir ce shot call bien installé, et on savait que c'était ce qui manquait avec le départ de Sword Art. Et là, honnêtement, ça a l'air d'être parfaitement installé pour Sunning. Ça fait vraiment plaisir de les voir dans un mood aussi conquérant. Ça annonce beaucoup de bonnes choses, et c'est vrai que là, pour l'instant, ils sont en train de pulvériser WE. C'est un no match. Prochaine phase de jeu d'ici une minute, le troisième dragon potentiel des Sunning, un dragon des montagnes qui, d'un côté, n'apporte pas grand chose aux Sunning, hein. On aura peut-être un peu plus de tankiness sur Bean et On, mais c'est plutôt négligeable. Par contre, si les WE arrivent à mettre la main sur le dragon des montagnes, sur l'âme du dragon des montagnes, ça permettrait de shutdown encore plus le burst et le poke proposé par les Sunning. C'est vrai. Et du coup, ça peut être intéressant. Mais comment est-ce que tu veux réussir à atteindre ces dragons alors que pour l'instant, tu es en retard sur tous les plans de jeu? C'est ça. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que t'as un Azir qui devrait avoir la priorité de lane et tu n'arrives pas à l'avoir sur la mid lane, tu n'arrives à avoir la priorité nulle part, alors que c'est pas censé être le cas. T'es censé avoir des lanes sur le topside meilleures et ça ne passe pas du tout. On a Jumeng et Missing qui sont du coup sur la mid lane, et là c'est un troisième dragon qui paraît compliqué à aller chercher. On est déjà très en place pour Sunning autour de ce Drake. La vision a été avancée très très loin. Regardez On qui s'avance poser des wards, et Beishan qui est pas du tout du bon côté de la map pour ce genre d'objectif. Certes, il y a un Herald, mais trade un Herald pour un troisième Drake, c'est pas worse. Je te rejoins, sachant qu'en plus le deuxième Herald permettrait de verrouiller une T1 à la top lane, mais c'est pas forcément important. Et au final, on n'ira même pas chercher le trade d'objectif, tant la pression de Wanfeng et On sur la mid lane force le recul de Missing et Jumeng. Est-ce que Beishan va trouver une opportunité? Pour l'instant, sur la top lane, c'est Shanks qui se met bien et qui va récupérer la première tour du match. Pas de perfect game. Pas de perfect game, exactement. Le dragon, par contre, lui, a été récupéré et ce parfaitement par Style of Me. C'est une bonne nouvelle que Shanks récupère des golds. Les kills Style of Me, ça va pas. Par contre, on n'a rien vu, on lui pardonnera. Vu ce qu'il a été capable de faire sur ce BO, il a un positionnement intéressant puisqu'il peut arriver de derrière, et ça, c'est très compliqué de ward face à un Kane puisqu'il peut arriver de tellement de points différents que ça devient compliqué de poser de la vision pertinente. Quoi qu'il en soit, on fait un gros travail sur cette mine, les flèches corruptrices qui ne toucheront personne. Shanks ici qui tabasse un petit peu. Là, on voit l'intérêt de ce Azir. C'est-à-dire que, en soi, Azir se fait counter par le poke de Wanfeng. Parce que du coup, Azir, c'est un champion qui se fait déranger sur la long range. Cependant, sur les phases de regroupement, sur les phases d'agression en regroupement 5v5, il a quand même beaucoup plus d'utilité qu'un Varus Létalité, et c'est clair et net, et c'est sur ce genre de phase de jeu que les WE peuvent peut-être tenter leur chance. C'est ça, et une nouvelle fois, on est sur, alors même s'il y a un Tahm Kench pour l'aider à se repositionner, sur un carry assez immobile, et
on a toujours, théoriquement, la solution pour aller chercher avec ce Karim, avec ce Renekton et éventuellement cette partition impériale dans un second temps. Donc, on devrait pouvoir aller le déranger, Wanfeng, mais cette fois, Style of Me qui veut aller chercher Zhu Meng, ici, ça touche. On va se repositionner puisque Breath était là pour venir en soutien à son... C'est plutôt une bonne nouvelle que Zhu Meng ne se fasse pas Von Burst. Après, on n'a pas encore grand chose pour Style of Me, sachant qu'on a récupéré le glaive d'ombre, qui est surtout un item utilitaire, et on le voit, la vision proposée par Style of Me actuellement, ouais. Il est largement en tête. Et dès qu'on aura justement un peu de DPS à faire valoir supplémentaire, potentiellement la lame Vespera de Draktar ou l'Eclipse, mais même si je pense que la Draktar est plus intéressante, oui. Ça va être extrêmement dangereux pour Zhu Meng. Parce que j'imagine que la Draktar, si tu tues la personne quand tu sors de ton ult, tu sors invisible du coup. C'est marrant. Quel enfer. Hein. Très bien. Un bon champion encore. Un bon item, ça c'est sûr. Deux Draktar normalement à venir. Hein. Tu as tout à fait raison sur cette game. Pour l'instant, on est plutôt sur un timing très calme. On n'a pas du tout cherché à se battre d'un côté comme de l'autre. Ça joue à l'avantage des Sunning puisque sans se battre, on arrive à prendre des objectifs importants. Deux tours, trois dragons. Mais... En effet, la petite value late game de WE peut se satisfaire de ça aussi. Il va juste falloir, comme tu le disais tout à l'heure très justement, turtle suffisamment et ne pas trop concéder, ce qui peut être l'erreur de WE dans ce match. De toute façon, c'est toujours le dilemme lorsque tu es en retard, c'est que et que tu as une composition qui scale, parce que bon, lorsque tu es en retard avec une composition qui est censée avoir de l'avance en early, bah, c'est doomed. Mais il faut savoir concéder et récupérer des ressources quelque part ailleurs pour essayer justement de temporiser et de ralentir le snowball des adversaires. Et attention par contre sur le side, Bin qui prend l'agression en 1v1, on a le Dominus d'un côté et on est en 3v1 sur cette bot lane. Est-ce qu'on peut aller chercher une agression peut-être pour Brave? On se repositionnera avec le jump, le Gnar qui n'est toujours pas utilisé, mais Bin qui sera lui en sécurité. Ouais, Bin en sécurité, on faisait le décalage, pendant ce temps-là Angel va récupérer un maximum de tours, enfin de tours, va récupérer cette T1 top. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la capacité de ce TF à faire une rotation très rapidement, ça permet d'avoir un split push assez intéressant. Sans forcément qu'il aille se mettre en danger, hein. Ça peut juste être tenir une lane dans un bon état, mais ça met une pression, notamment au crossmap, qui devient compliqué à gérer pour WE parce que bah, Shanks n'a pas la possibilité de se regrouper comme ça, à part sa TP. Bah, de toute façon, les Sunning, on l'a dit dès la draft, hein, ont une capacité d'aller chercher les sides assez intéressante. On a 1-3-1 potentiel avec un regroupement via ce Kayn et ce Tahm Kench, ou alors un 4-1 extrêmement intéressant. Et par contre, la flèche que vient de mettre le bon Varus sur Zhu Meng et sur Missing, qui met énormément de pression, et on va peut-être même agresser cette T2 alors qu'on a quasiment pas de vision pour Wanfeng. Il est complètement isolé sur cette T2, mais il se permet de le faire parce qu'il sait qu'il est dangereux. Ouais, il sait qu'il est dangereux, en plus là, ben, il a toujours un peu de CC de disponible avec la flasque reprise, donc ça peut être une solution si on vient être dans la panade de stun de l'adversaire et de se repositionner. On sait aussi que Wanfeng, il se positionne très très justement, très très précisément, donc ça peut être compliqué d'aller le chercher. Prochain dragon dans 43 secondes, on est déjà en train de le préparer pour Sunning, on a une gestion des objectifs, de la vision qui est parfaite, et c'est des choses que... WE était aussi censé bien faire, mais on n'arrive pas à s'installer, on ne joue pas au jeu. Les visions, les wards ne sont pas positionnés. On n'a même plus l'occasion d'aller positionner ces wards correctement. C'est assez significatif, je pense, dans ce match. Et regarde-moi toutes ces pings dans les stuffs des Sunning. Mis à part Wanfeng qui aurait bien pu vendre cette lame de Doran, mais bon, on lui pardonne tant l'avance qu'il a est importante. Tout le monde en a une voire deux dans son stuff. Et les Sunning qui vont du coup avoir la main mise sur cet objectif. On est obligé de prendre la vision grâce au trinket bleu pour les WE. Et ça, c'est déjà un aveu de faiblesse. Missing qui se repositionne. Bin qui n'a pas son méga gnar cependant. C'est une donnée importante à prendre en compte pour les WE. Et on va quand même tenter de contester l'âme. Ouais, on veut y aller. On a réussi à sortir le dragon. Finalement, c'est Cancel, c'est l'ATP de Breeze qui est du coup utilisé. On voudrait s'utiliser le dragon pour W, on veut pas l'abandonner, mais on n'a plus tout à fait la pression mid, on veut y aller. On veut aller chercher Sunny qui se rapproche, Tell of Me qui trouve un positionnement intéressant juste derrière le pit. On se joue. Oh, Angel derrière la gold card qui touche directement sur Missing. Missing est obligé de flash out, on pose des dégâts plus que négligeables sur Bin pour Angel, c'est très compliqué. Le dragon qui est continué. On veut aller chercher Beishang peut-être. Beishang qui tente la Légion des Ombres. In, ça a été récupéré cependant par Style of Me. Beishang ici qui va se faire imploser. Oh, Bin, une fois l'ultimatum de Magistral Zhu Meng qui n'arrivera pas à se mettre en sécurité. Et c'est un clean ace pour Sunning, 8-0 dans ce match. Oh là 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 là. Encore un ace
pour les Stunning et Bing qui nous sort un ultimate magistral avec son Gnar. C'est déjà game les amis, c'est game parce que les Stunning, grâce à cet ace, vont se projeter sur le Baron Nashor et vont pouvoir définitivement enterrer les WE dans ce BO avec un 3-0 Nox sec et sévère. Ah ouais, clairement, on est très en forme du côté Stunning. 3-0 face à la NG, visiblement 3-0 face à WE. Qui va pouvoir les arrêter, honnêtement? Le prochain match face à TMS va être une énorme rencontre, puisque là, je vois vraiment pas comment WE reviennent. Le momentum qu'ont les Stunning avec un potentiel double 3-0, parce que bon, c'est pas encore fait, certes, bien sûr, game n'est pas terminée, mais t'imagines, t'arrives sur la game face à TES, alors qu'ils étaient certes un petit peu plus en forme, mais globalement shaky sur la saison, le capital confiance est incroyable. Ah ouais, ouais, c'est sûr que là, on est serein pour Stunning, on voit chercher du main très loin, mais ce n'est pas suffisant pour s'en sortir, on le revoit. Ah, ça me... Je sais pas quoi dire, je n'ai plus les mots pour exprimer mon état d'esprit à ce moment-là. Tant ils se font plus le vert, je pense que les WE n'ont pas les mots non plus. Ah oui, Style of Me qui met la pression avec son Kane qui vient tout juste d'avoir sa forme assassin d'ailleurs. Il vient de l'avoir à 24 minutes de jeu, il ne l'avait pas tout à l'heure. Ouais. Et qui continue du coup de mettre de la pression et qui mettra beaucoup plus justement sur Jumeng et son Ezreal. Et on continue de mettre de la pression, on a setup de wave, wave mid, wave bot pour les Stunning. Et on va mettre la pression sur les T3. Est-ce qu'on peut trouver un flanc? On a la téléportation peut-être du côté des WE. Voilà. Légion des ombres, mais oui, qui s'est fait déjà défoncer. La destinée dans le bac de Angel qui va imploser du mec. Lui aussi, on n'a plus d'AD carry, on n'a plus de dégâts. Shanks qui tente de se repositionner. Est-ce qu'en les attirant dans un couloir, on peut trouver peut-être une partition impériale? Mais on n'arrive pas, on se fait, voilà, la partition impériale, mais c'est juste pour survivre un tout petit peu plus longtemps. C'est fini, c'est fini Nox, on s'est fait pulvère encore une fois. Bing qui n'a jamais eu l'opportunité d'engage et Brave qui temporise, mais à quoi bon, les WE sont terminés parce que le push à la mid lane est pour les Stunning. Et regardez qui il y a, c'est One Fang, c'est On et c'est Angel, les T4 vont tomber, le Nexus également, et c'est un 3-0 encore une fois pour les Stunning. Zéro tic aux anges sur ses pronoms. Tech ensemble. Jumeng qui se fait pulvère dans la fontaine, ça flex et ça flex encore. Est-ce qu'on peut aller chercher encore un kill? Ça focus doucement Lexus, on n'arrive pas à aller chercher le poke supplémentaire, on temporise grâce au Dominus, mais c'est terminé. C'est un 14-0 pour les Stunning dans cette game numéro 3, qui ont décidément la fâcheuse habitude de faire des 3-0. Ah ouais, là c'est une tendance qui se démarque, la Miracle Run qui est définitivement enclenchée pour les Stunning. C'est scandaleux ce qu'ils leur ont mis. C'est scandaleux cette fessée. Une nouvelle fois, des games assez courtes, mine de rien. Stunning ne sont pas l'équipe qui joue le plus court en LPL, mais là, c'est quasiment que des stomps. Je pense qu'on va avoir pas mal de choses à débrief sur notre analyse desk. On va pouvoir leur envoyer la parole assez rapidement, mais oh là là, c'est scandaleux ce qui a été mis. Quelle pulvérisation en règle. 26 minutes, 27 minutes et 25 minutes de jeu. Un BO qui s'est joué en à peu près 1h15 pour les Stunning, et des Stunning qui ont tout simplement été tellement, tellement dominants dans ce BO avec une dernière composition que j'ai trouvée très ambitieuse, difficile à exécuter, mais qui a été réalisée d'une main de maître. Ouais, tout à fait, une main de maître par le chef d'orchestre Style of Me, je pense qu'il mériterait probablement de prendre son MVP. En plus, c'est lui qui développe tout. C'est lui qui pine. Incroyable. En tout cas, nous allons lancer la main à notre analyse pour débattre de tout ça, ne bougez pas, on revient. 3-0, les Stunning s'imposent 3-0 contre Team WE. Je suis rejoint pour ce post-show qui arrive finalement très rapidement dans la journée par Tech et par Nox. Tech, je vais commencer par toi. À quel moment est-ce que réellement Stunning est passé devant dans le BO? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont tout le temps été dominés, tout simplement, le WE. Moi, je pense que cette Game 3, elle a été perdue au moment du vol du Herald de la Game 1. À peu de choses près, c'est ce qui s'est passé. Globalement, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on a été très très bon côté Style of Me. Nox, un petit mot comme ça à chaud sur ce BO? J'aurais aimé voir WE jouer, tout simplement. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont été transparents aujourd'hui. Et c'était un peu le cas des LNG. C'était un peu le cas des Raratom sur leur dernier match aussi, où on n'a pas autant joué. Et je sais pas ce qui se passe, mais visiblement,
on est touché d'une maladie en LPL, certaines équipes ne veulent plus jouer et c'est ce qui s'est passé pour WE et ça s'est très mal passé. Ou alors c'est peut-être Suning qui est béni par les dieux de LPL, à voir un petit peu. On va commencer par revenir un petit peu rapidement sur la draft de cette game numéro 3. Alors déjà, on a pick Varus Tahmkench du côté de nos chers Suning, réponse côté WE, Ezreal et Karma. Tech, un mot rapidement sur cette botlane. Je pense que c'est intéressant de voir Jomeng sur un Ezreal, c'est quand même un pick sur lequel normalement il brille particulièrement. Mmh. Après, dans le match-up particulier face à Varus, je trouve que c'est un peu compliqué. En fait, tu prends un poke qui est moins puissant et du coup tu pourras jamais vraiment rivaliser. Donc normalement, tu es censé prendre la prio grâce à la Karma, mais bon, il s'est passé des choses en botlane quoi. Donc, On voit d'ailleurs les stats hein, de cette game numéro 3 qui arrive. Quan Feng, premier au niveau des dégâts. Pour continuer rapidement sur cette draft, Nox, on a eu un petit peu de changement au mid avec un Azir pour Shanks contre le Twisted Fate de Angel qui a quand même réussi à trouver de bonnes destinées. Mais oui, alors en fait, le TF en effet d'Angel était assez décisionnaire dans cette game. Je suis contente de voir le Azir de Shanks, mais en fait, on se réveille trop tard pour changer cette draft. La botlane, je suis d'accord, j'aime bien voir Jumeng sur Ezreal, mais c'est pas une vraie bonne réponse à Varus, comme tu le mentionnais. Il aurait fallu jouer autre chose, en fait. Je pense que c'était... On a été relativement faible en phase de draft sur tout le BO, en fait, pour doubler. Et en fait, on était relativement faible aussi en termes de décision, que ce soit la draft ou dans la game, ça nous a vraiment manqué. Ah, tu voulais rebondir là-dessus, Tech, peut-être? Kai'Sa est open, quoi. Bah oui, c'est non, ça, en plus. Joues Blue Side trois fois de suite, elle te fait ban qu'une seule fois et à aucun moment tu sors ta Kai'Sa. C'est ça, surtout que je l'ai mentionné pendant la draft, mais il y avait la rel, il y avait un Kai'Sa rel de disponible qui a été ignoré. Totalement. Et c'est honteux, en fait, c'est scandaleux de laisser passer ce genre de choses dans une méta actuelle, surtout que Jumeng a beaucoup joué la Kai'Sa, il était très bon dessus. Quand t'as un Tahmkench qui va pas jamais pouvoir utiliser sa peau dure face à, avec une rel, une Kai'Sa qui va pouvoir aller déranger ce Varus immobile, c'est terrible de autant se trouver sur une draft. D'ailleurs, Varus, 3 premiers kills pour lui, il a réussi à bien snowball sur son avantage, il met très rapidement 50 sbires à son opposant, tout comme d'ailleurs le Kane qui avait été pris par Style of Me. On n'en a pas encore parlé de ce Kane qui est parti sur Assassin d'ailleurs dans cette partie, c'était pas dans Lilia, d'habitude on a l'habitude de voir plutôt Kane dans Lilia, finalement c'était contre Ikarim, ça a bien marché Nox. Mais je pense que ça marche bien aussi dans Ikarim parce que Ikarim déteste se faire déranger dans la jungle, il a besoin de temps pour pouvoir s'installer et il a besoin de snowball un peu, ou Wenfeng qui prend son BB, c'est normal. Sans des dégâts de son équipe. C'est normal. Mais et honnêtement, je pense que oui, c'est une très bonne réponse parce que ben, Ekarim ne veut pas être dérangé et Style of Me avec son Kane a toutes les portes d'entrée du monde dans la jungle adverse et on l'a vu très tôt, dès qu'il a fait ses loups, il a clear l'entière bot side de... oh là là, ça c'est terrible. Mais en fait, je pense que Jumeng il est greedy sur ce move et qu'il devrait se contenter du fait que simplement, bah, il a réussi à faire reculer Wenfeng quoi. Il devrait s'en contenter. On n'hésite pas d'ailleurs du côté de Wenfeng à flash in, mettre ses chaînes de corruption et on revoit ce quatrième dragon. On avait une game globalement assez calme où ça jouait plutôt macro. C'est là où vraiment on revoit la domination des Suning en termes de teamfight. On arrive à sécuriser le dragon. On a l'âme des montagnes très tôt, à 23 minutes de jeu à peu près. Et Bin, on n'en a pas encore parlé, Nox, Tech, mais il a magnifiquement bien tanké son weak side. Il se fait gank A5 avec un Herald sur sa top lane. Tranquille, il arrive à contrôler le Renekton, le Ekarim, il se replace sous sa tour, il a le temps de back, il a sa team en backup. On perd même pas la tour sur ce move. Bin, également l'un des piliers de cette équipe côté Suning Tech. Ouais, je pense qu'honnêtement, le pick Gnar lui correspond vraiment très très bien. C'est un pick qui peut être à la fois très indépendant sur la top lane et qui peut prendre le rôle de carry, qui a un énorme avantage en teamfight avec son ultimate. Et d'ailleurs, Bin le montre à chaque fois. Hein. Il y a eu plusieurs, dans ce BO, il y a eu plusieurs ultimates de Gnar qui ont été vraiment ravageurs. Je pense qu'effectivement, du côté de Suning, on a beaucoup mieux compris ses propres forces, ouais, aussi les propres forces de l'équipe adverse et ça a permis de mettre Bino sur orbite quoi. D'ailleurs Nox, trois fois un Renekton pour Bress, on a le Gnar tout le temps qui est laissé disponible pour Bin, est-ce que ce serait pas encore petit péché là du côté des WE dans ces drafts? On l'a dit, la draft elle était visiblement pas au point et ça se sent, je pense que... En vrai, je pense que le Renekton est bien, y compris dans le Gnar, mais que on l'avait mentionné pendant le pré-show. Mais... Je te coupe, Nox, on va avoir l'interview du coup post-game du côté des Suning et on revient juste après. À tout de suite. As a whole team, you guys are really on a very high note and have a very good momentum at this moment. 那首先恭喜你们，今天又是一个很漂亮的3-0，早早下班。那你有没有觉得现在队伍的状态非常非常火热，一个非常好的一个状态呢？有的。
我们状态是挺火热的。 Yes, I also think we are on super good momentum currently. And also, let's move on to today's game. Because in game two, the opponent team WE, they have got the exact same draft as that of the game one. But you guys played more meticulously in the early game. So could we know more about the early game communication in game two? 那其实对面他们在第二局是选出了和第一局完全相同的一个阵容的，但是你们好像第二局在前期处理的更加小心翼翼了一点，然后想问一下你们可能第二局的一个前期整体的沟通或者战术思路是怎么样的呢？第二局我们的整体思路就是发育吧，战术就是往后面越往后面越好打吧，我们的阵容。 So basically, in game two, we try to just scale up well and try to do some farmings in the early game. Because if we drag the time to the late game, definitely we think we were able to be stronger than the opponent's team. And also, Yao Rao in both game one and two have super gorgeous performance, especially making those hard engagement. And you got the MVP for game one. So do you think, like, currently you are taking more responsibility in making the short calls for the team fight? And who's the main short caller, maybe in the mid game team fights or making those decisions? 那其实你第一局和第二局的瑞尔发挥都特别特别亮眼，特别是一波一波的强开，第一局也斩获了MVP嘛。那你现在有没有可能承担了一些更多的一些指挥的部分呢？然后队内可能一般在中期进行决策的时候都是谁来进行一个指挥的呢？我比之前沟通确实要好很多吧，在中期可能大家五个人都会指挥吧。 Definitely, I think in terms of my own performance, I really improved a lot in making the team's communication. But I think in making the short call, the five of us will make the short call together in the mid game. And you guys were able to have a very clean best of five. And my next question is, in game three, we have noticed that Huan Feng's virus got this heal of blaze. So could we know the reason for that? Is this because you're facing against Ezra and Karma? Because those the opponent's ball deal can be quite dominant in the early laning phase, and you guys tended to play around the ball lane, so it was a strategy for game three. 那当然你们第三局也表现得特别特别好嘛，然后第三局就没有注意到幻风的维鲁斯他也出了从刃这个符文，然后想问一下这样出的一个原因是什么，是因为面对的是 EZ 还有卡尔玛的这样的一个前期可能比较进攻性的一个下路组合嘛，然后而且你们也是主打下路，想问一下前期的一些战术安排是怎么样的呢？ 前期的话就尽量发育吧，幻风带从刃确实是因为下路换血需要从刃吧。 So for the game three, we try to do the more farmings in the early game. And in terms of the Hail of Blade from Huanfeng's virus, it is because this can get more benefits in the trade from the laning phase. And also, you have so many gorgeous performance. And this is your first LPL split. And I believe some audience from other regions may not be so familiar with your playstyle. So what kind of player do you think you are? 那其实这也是你来到 LPL 的第一个赛季嘛，就我们展现出很好的一个面貌。然后其实很多国外的观众可能并不太熟悉你，那你觉得自己是一个怎么样打法风格的选手？评价一下自己吧。我觉得我自己是一个打法偏稳健的选手吧。 I think I'm a player that have a more stable play style, but in the next matchup, you're going to face against a Baudu top esports. Their Baudu is can play super aggressive in the early, especially in the early game. So do you have the confidence to take them down, maybe? 那你说你自己打法比较稳健嘛，但是接下来你们的对手 滔搏的下路组合，他们可是前期就打很凶的一支队伍嘛。然后你有没有信心在下一场比赛也斩获胜利呢？我有信心。 Yeah, I got the confidence to take them down. And best of luck for the next best of five. And congratulations again. 再次的恭喜你们，下一场比赛要加油。 And back to you guys. Bye bye. De retour sur l'analyse des ESC et le post-show finalement après cette interview de Hon qui disait être effectivement dans un très très bon momentum avec son équipe. Il était très content globalement de la performance aujourd'hui. Il parlait également de la game numéro 2 où il y a eu la même draft du côté des W. Il a dit que globalement ils se sentaient assez confiants pour jouer plutôt sur le scaling et les phases de regroupement, ce qu'ils ont très très bien fait. Et ensuite il s'exprimait sur Varus, le fait que c'était très fort pour aller trade contre le Karma Ezreal. Et ensuite on lui a demandé qu'est-ce qu'il pourrait dire un petit peu, parce que c'est un rookie aux fans de la LPL, sur quel type de joueur il pourrait être. C'est un joueur assez stable. Et dernière question du côté de l'interview, c'est est-ce que vous êtes confiant sur le fait d'aller chercher la botlane des top esports vos prochains besoins? Oui. Juste oui. Je suis confiant. D'où voilà, les mots de Hon. Nox, Hon, est-ce que ce serait pas
une des révélations sur ce Spring Split de LPL. Si, je pense clairement que c'est une des révélations solides, on l'attendait pas là, il a mis un petit peu de temps à s'installer mais c'est normal, et honnêtement il est très très convaincant sur le BO, sur ses performances au global depuis les playoffs et même la fin de saison, donc très contente de voir Sunning avec ce joueur là qui semble avoir plein de potentiel mine de rien et qui annonce beaucoup de grandes choses pour la suite. Il fit parfaitement bien avec le reste de la compo Sunning et non franchement il y a rien à lui reprocher, il a été très précis sur son BO aujourd'hui, il méritait peut-être même des MVP sur certaines games, en tout cas au global peut-être. Peut-être que au global, ah oui c'est vrai, t'as raison, il a pris le premier. Peut-être que au global c'est sur tout le BO, c'est à lui que je mettrai le MVP. Okay, ou peut-être à Sanofi parce qu'il a été très décisif aussi. Ouais, un petit mot là-dessus, On. Moi honnêtement j'arrivais pas très confiant sur la performance de On, okay. Notamment dans le match-up face à Missing qui a beaucoup plus d'expérience. Il m'a fait quoi de pas mentir et honnêtement c'est une très très bonne chose pour lui. Je trouve que c'est un joueur qui a pas mal de choses à offrir. Ils en parlaient, hein, le fait qu'il a dû s'améliorer un petit peu au niveau de la communication d'équipe notamment. Bah, t'arrives après Sword Art, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en termes de communication. Donc non honnêtement ouais, très très bonne surprise. Et effectivement, et du coup, bah, pour vous rappeler, hein, les MVP sur ce BO, en premier c'était bien sûr On avec Rell, ensuite il y avait la Séraphine de Angel qui était jouée au mid, et sur la dernière game c'était du coup le Varus de Wanfeng. Petit point sur les pronos du jour, Kelly, si tu les as sous la main, pour voir à quel point il n'y aura plus la même domination de certains au niveau des pourcentages. Bon, j'avais 30% d'avance, calmez-vous, je suis encore large. C'est vrai, ouais. Globalement. Donc c'est un 3-0, on le rappelle, donc seulement 0 tick. Fanboy qu'il est, Dessening, c'était à prévoir, avait parié le 3-0 Dessening. Sinon, bon, 3-2 WE du côté de Croc, Frost et Nox. Je m'effondre très loin. Du compte, 3-1 pour Tech et les Lariva également qui ne prendront pas de points sur cette journée. Prochaine journée à venir, ce sera d'ailleurs demain avec le BO entre les JD Gaming et les Fun Plus, le site 4 contre le site 5 de cette LPL. Vous en attendez quoi, Nox? C'est un BO qui est compliqué, je trouve, à aborder. Parce que FPX a été très solide, parce que JDG, on sait que ça peut être des monstres. Mm-hmm. Et honnêtement, j'arrive vraiment pas à savoir qui va s'en sortir le mieux. C'est très très dur, je trouve, comme rencontre. J'espère que ce sera simplement moins one-sided que ce qu'on a pu avoir dernièrement, pour être honnête. Ouais. Ça devrait pas l'être, mais visiblement, la LPL est pleine de surprises. Donc honnêtement, je sais pas du tout comment ça peut s'avancer. Tech, qu'est-ce qu'on en pense de cette petite affiche qu'on a montrée avec Nuguri contre Zoom? Oui, juste la Noog, quoi. juste la Noog et puis c'est tout, quoi. Non, je pense que Fun Plus Phoenix sera devant. Après, effectivement, j'espère avoir un peu plus de game que des 3-0 un peu secs, quoi. Ouais, un petit prono rapidement sur demain, comme ça, si vous deviez vous prononcer. Nox. Dur, hein. Ah, je sais vraiment pas. Comment, bah, on arrive dans les dernières équipes, les 6 dernières équipes qui arrivent dans ces playoffs. Je crois que sur mon ranking, j'avais mis JDG. Passer ouais. En quatrième. Ce sera peut-être moins facile que ce que c'était prévu. Tian est revenu, il a l'air en forme. Ah, Tian, il est super en forme, c'est terrible. Franchement, c'est terrifiant, mais j'ai envie de croire en Zoom en même temps. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Bon, donc c'est perdu, peut-être que Tech a un peu plus de confiance. Non, j'ai le belief de ouf pour les FPX. Okay. Voilà, ils vont l'emporter. Après, peut-être qu'ils concèdent une game, quoi, mais ça devrait aller. Ah, du coup, 3-1 FPX pour toi? Ouais. Ok, ça en va. En vrai, 3-2 serait possible aussi. Mmh, ok, ça va. Je serais plutôt. Alors, je sais plus ce que j'ai mis. Je crois que j'ai mis 3-1 plutôt JDG, moi de mon côté. Mais. À voir, d'ailleurs, Lessening, belle performance hein, sur CPF, double 3-0. C'est l'équipe là, dans celle qui reste la moins bien seedée dans la saison régulière. Leur prochaine rencontre, Nox, c'est contre les top e-sports. On avait l'air d'être confiant sur cette rencontre. Qu'est-ce que toi t'en penses? Il y a Viper contre Wanfeng, mais finalement, il n'y a pas que ça comme match-up dans ce BO qui arrive. Pas Viper, c'est Jackie Love. Pas Viper, non, Jackie Love, oui. En fait, en temps normal, je suis répondu grave top e-sport, ils sont trop chauds et ils sont trop forts et Jackie Love c'est le meilleur, mais enfin après Viper, mais c'est le meilleur quand même. et en fait, je suis pas sûre. c'est moins confiant. Je pense que je le donnerais quand même à top e-sport parce qu'ils ont été très solides, notamment face à RNG et face à EDG dans leur rencontre de saison régulière. Donc j'ai quand même envie de donner le plus à top e-sport, mais ce sera une rencontre très accrochée. Ouais, Tech, double 3-0 de Sunning. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite goutte de sueur sur le front des top e-sport en voyant ça? Si, clairement. Ouais. Je pense honnêtement, on est en miracle run Sunning encore une fois. Et il le disait, ils ont un momentum. C'est Owen qui en parlait. Hein. Il a le momentum très positif. Là, ils sont très contents, je pense, de leur victoire contre WE. Du côté top e-sport, il va falloir être un peu mieux préparé. Mais je pense que ça peut être très accroché. Et honnêtement,
une victoire de Suning serait pas si étonnante que ça. Ouais, je suis assez d'accord. Et du coup, ils iraient effectivement face EDG après les Top Esports si jamais ils arrivent à passer. Et du coup, on aurait Viper Wenfeng ou Viper Jekyll. En tout cas, ce sera un des deux pour ce round 4. En tout cas, ça vient clôturer, mesdames, messieurs, cette journée de LPL avec les Suning eh bien, qui avancent au niveau du round 3. On se retrouve bien sûr demain dès 10h30 pour le pré-show pour vous présenter un petit peu les enjeux, les forces, les faiblesses des Fun Plus Phoenix contre les JD Gaming. Passez une excellente fin de journée et à demain sur Gaming, on l'appelle 10h30. Salut!